Slash tous les soirs 18h-21h sur Virgin Radio. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est là, on est bien non? Il y a du bruit là. C'est magique. Bienvenue sur Virgin Radio 18h pile. Merci, 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 merci. Oh là là, quel plaisir de vous retrouver. On est sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, nous reprenons nos émissions en public une fois par semaine. On va foutre le bordel dans cette maison, dans un studio qui est magnifique. Ils nous ont refait un studio magique. C'est vrai, hein? C'est beau. Hein. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça, le public, c'est beau. J'imagine, il y en a qui disent, oh, c'est très laid. En fait, moi, la déco, changez-moi les lampes. Il fait beau. C'est beau, il fait chaud. On va être bien. Ouais, je pense qu'on va finir cette émission en sueur. J'en peux plus, déjà. Bah, Jeff, il est déjà, en fait, en sueur. C'est le seul mec qui commence une émission en sueur. Ouais. Mais je termine sec, souvent. Mais sans avoir, sans rien faire, en plus. Eh, je me suis assis. Non mais ne riez pas. Le moindre effort. C'est déjà. Je voudrais faire une bise à tous ceux qui nous écoutent en voiture partout en France, ceux qui nous écoutent dans les boutiques, ceux qui sont encore au boulot, ceux qui seront tout à l'heure derrière leur Facebook Live, puisqu'on fera un Facebook Live d'ici quelques minutes. Comme ça, vous vous mettrez derrière votre ordi, sur votre téléphone portable, et vous suivrez toute l'émission. Ouais. Et vous verrez le studio comme il est beau. Est-ce que le public va bien? Ouais. Alors, j'irai dire bonjour au public tout à l'heure. Je vous demanderai d'applaudir mon Jeff qui est là tous les soirs, 18h-21h. Bonsoir. Ah, ça me fait très plaisir. Tu sais, ça fait. Ce soir, ça va être un petit côté magique parce que je me suis dit en préparant cette émission tout à l'heure. Oui, j'aurais pu dire, je me suis dit en préparant l'émission il y a quelques jours, mais non, en la préparant tout à l'heure. En la préparant il y a une heure. J'étais honnête. Hein, c'est vrai. Je peux pas vous mentir. Hein, je suis honnête. Il y a même quelques minutes. En la préparant il y a 7 minutes. Oui, c'est ça. C'est l'impro. Quoi? Bon, en l'en préparant pas, je me suis rendu compte d'un truc. Oui. C'est que nous allons reformer ce soir, puisqu'il y aura Cartman tout à l'heure. Ouais. Là, l'équipe de la méthode Coé. Eh oui, à l'ancienne. Oui. Pour ceux qui ont connu, hein, les plus vieux. Hein, ouais. C'est fou quand même. C'est parce bien. Qu'il y avait Jeff, il y avait Piet, faites du bruit pour Piet qui est là. C'est vrai ça. Miko qui viendra nous faire un bisou tout à l'heure. Miko, il est en régie, il est en train de filmer tout ça pour vous montrer le meilleur des images sur notre chaîne YouTube. Et nous, on est déjà en Facebook. Écoutez-moi, pardon monsieur. Oui, bonjour. Vous comptez intervenir tout le temps? Je pensais qu'on en était débarrassé, mais non, il est là, il apparaît de partout. On est déjà en Facebook Live. On est déjà en Facebook. C'est bien pour ça que j'avais dit on commence à 19h. Ah oui, peut-être. Mais non, tu m'avais pas dit. Tu m'avais pas dit. Faut qu'on se parle, toi. Parce que tu m'avais pas dit trois blocs. Tu m'avais dit trois blocs d'une heure. Attends, quel âge tu as? 24. Tes parents, ils t'ont dit ça faisait quoi la petite aiguille sur le 6, la grande sur le 12? Mais tu m'as dit trois blocs d'une heure. Mais c'était hier, ça, mec. Ah, peut-être. T'étais pas là quand on a préparé l'émission il y a 7 minutes. En Facebook Live. Et c'est le principal. Quel boulet. C'est le principal. Mec, j'arrive, je dis à tout le monde tout à l'heure, je dis les gars, on fera ça à 19h. Bah oui. Super, on est en Facebook Live. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans... Non mais parce que des fois on peut dire des phrases. Je le reconnais, des fois je suis brouillon dans ce que je dis. Je vais un peu vite, non. Les gens me disent on n'a pas tout compris. Moi j'avais compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans le mot 19h? T'es de mauvaise foi là. Ça m'aurait pas plu. Eh bien, je vous demande donc de dire bonjour. On va tous dire bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Bonjour, voilà. Je sais pas où, mais. Bonjour, voilà. Je sais pas où vous êtes, mais bonjour. Voilà dans notre grand studio ici qui est magnifique quand même. Hein. Il y a ta tête partout. Il y a mon nom partout surtout. C'est incroyable, c'est très très beau. Applaudissez Marie qui est la petite nouvelle qui est là avec nous. Salut tout le monde. Bonsoir. On va faire comme avec le studio. Elle est belle, hein? Eh, vous avez plus applaudi le studio que Marie, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout refaire, là. Calme-toi. C'est là que le mec, il dit, elle est moche, et comme le studio, faut refaire la peinture. Ils l'ont bien aménagé, quand Soyez même. Sympa, s'il vous plaît. Oui, il a Aidez-moi. Raison. Marie, tu es très, mais pour elle, attendez, c'est quand même nouveau pour elle. Là, elle est dans l'émission avec nous depuis quoi? Depuis 8 jours maintenant. Ouais. Exactement. Pile 8 jours, on a commencé mardi dernier. Ouais. C'est pour elle une nouvelle émission, un nouveau studio, avec du public devant, avec, ça fait beaucoup quand même. J'ai pas du tout la pression, c'est ça qui est. Non, bien. Ça va. Ah, mais sois bien, détends-toi. On a que des copains ce soir. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien Vianney? Ouais. Vous allez me faire un ouais mou comme ça tout le long? Il est parti hésitant, celui-là. Attention, là vous me faites. Attention, excusez-moi. C'est pas parce qu'on est dans un ancien studio d'Europe 1 qu'il faut me faire des ouais à l'Europe 1. C'est ça. Excusez-moi, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis aussi jeune depuis longtemps, hein, je crois. Hein. C'est vrai que les mecs de la Sécu, ils ont halluciné. Ils ont vu des jeunes passer. Ils ont dit, les gars, on a un problème, on est envahi. On est envahi, d'habitude, faut les aider à monter les escaliers, là. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il y a un monte-escalier, d'habitude, qu'on a dû enlever.
Vraiment, les gens remontent par là, ça prend 2 heures. Non, parce que d'habitude, quand il y a une émission Europe 1, ils sont qu'à l'étage parce qu'ils peuvent pas descendre les escaliers. Les gens, ils disent, vous descendez là-bas. Ils font, oh, bon, nous, on va rester en haut parce que. Ça va être long. Ça va être long. Non, mais est-ce qu'ils ont été sympas, les mecs de la Sécu? Ah ouais, ils sont très sympas les mecs de la Sécu ici. Aussi les mecs de l'équipe technique, on les applaudira tous tout à l'heure qui nous ont fait beau studio. Oh bah non, c'est quand même, il y a 10 escaliers. C'est très haut. C'est très haut. Donc tout à l'heure, que des copains. Vianney sera là. Allez hop là. Non, j'ai pris un truc mou, ouais, cherchez pas, cherchez pas. Non, je vais prendre un truc, mais je vais prendre celle-là. Non, je vais pas prendre celle-là. On a un... Dis-moi, pardon, tant qu'on est dans les réglages. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon ordinateur depuis une heure? Qui a mis un virus? Parce que j'avais tous les sons et là quand j'appuie je... C'est son nouveau titre. C'est Massive Yann avec son nouveau titre. C'est vrai qu'on dirait qu'il passe en mobylette. Non, mais c'est le début ça de Je m'en vais. On imagine qu'il passe en Vélib, tu sais, parce que moi Vianney je le vois faire du Vélib. Il a pas une tête à faire du scooter. Non, on peut pas. Pour moi Vianney il fait du Vélib. Ah oui d'accord. Mais il manquait des bouts quand même, ça a été calé différemment. Vianney sera là. Alors bon. Alors ça aussi hein, le public, hein, c'est la première émission, je vais vous laisser le temps pour vous accorder et pour applaudir dans le rythme. Parce que je pense que Vianney, si vous lui faites ça tout à l'heure, quand il chante, il va être perdu. Il va pas, hein, donc, pas content. On va la refaire. Jeff. Ouais, mais non. Du coup, j'entends plus rien avec eux. Faites chier, hein. Je vais démissionner. On va pas y arriver. Donc, Vianney sera là tout à l'heure. Ah, c'est là, je crois qu'il y a pas un... Je crois que tout s'est déréglé dans ma machine. Je crois que tout s'est déréglé. Bon, alors on aura quoi d'autre? On aura Nawel Madani qui sera là. Cartonne Nawel Madani. Elle cartonne, c'est une belle jeune fille. Vous savez quoi? C'est la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai jamais vue. Mais je m'en fous. Mais ça se jamais pas vu, du tout à ce que. Si je l'ai jamais vu, vous dites moi non plus, je m'en fous, Marie. Ouais, je te demande pas. Allez, c'est reparti. Allez. C'est marrant. Hein. J'aime bien pour quelqu'un qui regarde cette émission sur Facebook Live qui ne me connaît pas et se dit c'est quoi ce gros connard. Mais je l'ai jamais vu moi non plus, je m'en fous. Perso, je m'en fous, tu l'as jamais vu. Demande pas si. Qui l'a déjà vu, Nawel Madani, dans le public? Je m'en fous aussi. Hein, ouais, voilà. Eh bien, elle sera notre invité tout à l'heure. Oui. On aura Artus, qui est un copain qu'on aime beaucoup. Il y aura Cartman. Il y aura Issa Doumbia qui viendra nous voir tout à l'heure, qu'on aime beaucoup. Tu l'as déjà vu? Non plus. Que de découvertes, hein, bon, ça va être magnifique. Tu vas faire des selfies avec tout le monde, ça va être impressionnant. Et alors, j'ai des infos, je vous en donnerai tout à l'heure. D'accord, on va y aller tranquillement, j'ai plein de trucs à vous dire. Qu'est-ce qu'on écoute? Oh là là, il y a Bichette qui est en régie. Oh, Bichette. Ça va, mon Bichette? Il est en régie, tu me vois, je te fais coucou. Oui, je te vois. Ça va? C'est pas un coucou, ça. C'est un coucou, ça, bien sûr. C'est un coucou majeur. Excusez-moi. Alors, bien sûr, c'est un coucou. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Un petit peu seul, mais ça va. Qu'est-ce qu'on va écouter? Vas-y, on va s'écouter des trucs, puis on aura tous nos invités qui arrivent tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on écoute? Va y avoir Martin Jensen, là, qui va arriver. Solo dance. Mais tout de suite, n'hésite pas. Vas-y, fonce, t'es un gagnant. Allez. Vas-y, Martin Jensen, le public est là. On est sur Virgin Radio dans notre beau studio. On est sur Facebook Live. Ça devait démarrer à 19h. Eh ben non, c'est 18h. Bienvenue tout le monde, parlez-en à vos amis. Vas-y, mets-nous Martin Jensen. Slash 18h-21h sur Virgin Radio. Yes, on est tous là en public. On est sur Virgin Radio avec toute l'équipe. Il y a tout le monde qui est là. Il y a un public de malades décidément. Tous les mardis, on sera là. Et quand est-ce qu'il y a l'émission avec Indochine et Nicolas Sirkis? C'est quand? Le 19 septembre. Ça va être bon, ça, non? Je sais que vous êtes déjà nombreux à nous envoyer des messages. Je crois que c'est déjà plein. Ah oui. Je crois que éventuellement, au marché parallèle, je peux vous vendre des places. Et contactez-moi sur mon Twitter directement. #coislash sur Virgin Radio. Vous nous mettez ça sur Twitter. Vous communiquez avec nous. Vous nous dites un petit bonjour. Ceux qui nous disent bonjour également. Est-ce qu'il y a des réactions, Guillaume, sur ceux qui nous suivent sur Facebook Live? Avant tout le monde, puisqu'on avait dit 19h. On y est. Oui, il y en a, mais là, je suis en train de checker un truc. Ah, t'es en train de... Excuse-nous. Ok, décidément, avec son assistant. T'auras rien de juste, toi, dans toute l'émission. Non, t'inquiète ça. Mec, c'est toujours à côté. Un coucou de la Vendée. Ouais. Merci. Bah, garde les précisions comme ça, on va pas. ça va aller. Bon, le public, j'ai envie de savoir, vos vacances se sont bien passées? Je vais venir vous voir. Combien de temps on a? On a 4 minutes. J'ai le temps d'aller voir le public parce que je crois qu'on a une mauvaise nouvelle. Quoi donc? Alors, on a une mauvaise nouvelle. On peut pas avoir que des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un drame non plus, hein. Mais regardez pas. que va-t-il nous annoncer? On avait annoncé M6 Solar. Non! Mais
Calme-toi. Il y a eu un hurlement dans le public. Calme-toi. Ah, mon Dieu. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. On avait. Enfin, ça va. Enfin, ça va, ça va, ça va. Bah oui, parce que moi j'adore le nouveau titre. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Il est bien, hein. Il est bien celui-là, non? Eh bien, vous ne l'entendrez pas ce soir. Il y en a une qui est hyper réactive dans le public, je sais pas si vous avez remarqué. À chaque fois, elle est en mode Oh mon Dieu! Elle extrapole tout. Parce qu'elle au cinéma, elle est interdite. Madame, faut arrêter. Non, parce que voilà. Alors on nous a dit, alors je vais croire la version officielle, qu'il a fait un petit malaise et que donc, je le crois. Et je le crois parce que ce n'est pas un menteur. Non. Sinon, on l'appellerait MC Bobard et c'est pas son nom. Et donc je le crois et donc on lui fait des bisous s'il nous écoute et donc il devait venir à l'émission. Donc en théorie, il est là la semaine prochaine. Oh. Ah. Et si c'est pas le cas, on passera l'année à annoncer MC Solar la semaine prochaine. Toutes les semaines. Voilà, ça fait 20 ans qu'il a pas fait une émission de radio. Je peux te parler toute l'année près. Voilà, je veux dire maintenant, ce sera notre truc. Cette semaine, MC Solar sera avec nous. Allez, on y va. Non, mais on lui fait un bisou s'il nous écoute, parce que voilà, c'est pas, c'est, voilà, ça peut arriver le petit malaise. Bien vous y croyez? Non. T'aurais pu faire ça. Non, parce qu'on sait, tous qu'il y a des excuses des maisons de disques. Ça, on le sait depuis des années. Hein. Oui, on l'a c'est vécu, l'artiste, on l'a il est fatigué, ça. Il est machin. On dit non, il a fait un petit malaise. Les mecs, ils y croient pas eux-mêmes. Hein. Ils se disent, je vais me faire. Mais moi, j'y crois. Ah bah, tu y crois pas. Moi, j'y mais crois. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'excuse qu'on disait quand on était à l'école. Tu vois, la grand-mère, le chien qui est malade, le machin, le truc. Comme par hasard. Enfin, ça arrive un peu souvent, je trouve. Non, ça, c'est le chien qui est malade, c'est l'excuse pour la semaine prochaine. Ouais, c'est mais, non, moi, alors, on va demander au public et je demande à tous les gens qui sont là qui croient en cette version du petit malaise. Allez-y, on lève la main. Oh, putain. 103, c'est bien. Ok, alors je m'adresse à la maison de disques. Cette excuse a très très peu convaincu le public. Donc, non, mais on va la refilmer pour les gens. Alors, vous avez le droit de changer d'avis. Je relève la main. Qui croit en cette version officielle selon la police? Corporate. Même pas. Voilà. Toujours pas. Non, mais il y a même qui hésite. Donc, effectivement, on est d'accord. La version officielle. Hein, là, la théorie du complot est en train de partir. Là, les gens n'y croient pas. Là, c'est bon. Alors, donc, MC Solar, on lui fait un gros bisou. Si moi, j'y crois. Moi j'y crois. Arrête de parler tout le temps par contre. Ça... elle me fait des cœurs, elle fait des trucs. Parce qu'elle est à côté de Guillaume. C'est ça, ils sont à côté. Il y a des messages gentils sur notre Facebook. Bah là, du coup, ça se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. On parle de toi, mais t'es pas ça. Bah, oui, t'es content, on parle de toi. Allez, arrêtez de parler. Ne lis pas les messages que sur toi. D'accord, lis les messages tout court. Dans un instant, on aura Cartman, on aura des nouveautés, on aura des surprises. Et je peux même vous dire un truc, on aura des surprises ce soir. Mais je ne peux pas vous dire ce que c'est, sinon c'est plus une surprise. Ah oui, bah évidemment, si je vous le dis, c'est... Mais je pense que il y aura de l'amour ce soir et du bonheur. On est dans la semaine de l'amour en ce moment. Ah, je pense que ce soir, c'est sur Virgin Radio que ça va se passer et que les gens du public. Vous repartirez chez vous différent que vous êtes arrivés. Ouais. On va parler de toi. Non, pas à toi. T'as été voir l'émission. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein. Et t'as été voir l'émission de Koé, ouais, mais on est reparti à poil. J'étais dans le métro, c'était tendu. Reste avec nous, on vient dans un instant sur Virgin Radio. À tout de suite, ne bougez pas. Dans un monde où les radios n'avaient plus la foi. Et tout de suite, on s'écoute, je sais pas. Une équipe s'est lancée une mission très simple. Réveiller la France. Pour de bon. Bonjour, bon réveil, c'est le Virgin Tonic. Pour ça, ils vont réaliser l'impossible encore une fois. Quatre émissions dans quatre villes différentes, devant des milliers de personnes en une seule journée. C'est juste dingue ce qu'on est en train de vivre. Rouen, Grenoble, Nice et Poupée en Vendée. Pour leur ultime saison du Virgin Tonic, Camille Combal et son équipe refont un World Tour de France. C'est le 29 septembre, entre 7h et minuit, sur Virgin Radio. Virgin Tonic. 118-712.fr, annuaire de référence pour trouver un plombier. 118-712.fr. Cuisinière exigeante, cherche le sac pratique et tendance pour faire ses emplettes avec style. Justement, chez Grand Frais, le mercredi 6 septembre, un sac shopping d'une valeur de 1,99€ vous est offert. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Remis lors de votre passage en caisse le mercredi 6 septembre, limité à un sac par foyer. Regarde le look de cette Mini. Oh, c'est la nouvelle édition Blackfriars. Superbe les jantes. T'as vu le toit ouvrant panoramique? Et les phares à LED.
Mais c'est Paul au volant. Je suis fan. De Paul ? Mais non, de sa Mini. Salut les gars, vous en faites une tête. Décale-toi, on voit plus ta voiture. Mini Hatch, édition Blackfriars, 3 ou 5 portes, avec toit ouvrant, projecteur full LED, radar de recul, GPS, Bluetooth, à partir de 295€ par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour une Mini One Blackfriars en LLD, valable jusqu'au 30 septembre 2017. Conditions sur mini.fr. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Ici. Ailleurs. Je défends mon pays et toutes ses couleurs. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats et cadres. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Intermarché vous propose d'écouter 5,36€. Oh, excusez-moi une petite seconde. Ça va mieux. Alors, le prix du paquet de dosettes de café classique Senseo est à seulement 5,36€ avec en plus 50% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 375 grammes, soit 14,29€ le kilo. Jusqu'au 17 septembre, modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je suis Nemo, le nouveau chien du président. Non, en fait, c'est Yann Barthès. Je vous donne rendez-vous pour la nouvelle saison de Quotidien sur TMC sur la 10. Quotidien, présenté par Yann Barthès, du lundi au vendredi à 19h20 sur TMC. Ah, toi aussi, tu lis le nouveau ? Alors, ça te plaît ? Trop ! Mais je suis restée scotchée, page 33. Ah ouais ? Attends, le prix du fauteuil Strandmon ? Je pouvais pas y croire. Fallait vraiment que je vois ça. Hein. Et alors ? Bah alors, j'ai craqué. Le nouveau catalogue IKEA 2018 est là, avec tous ses nouveaux prix baissés, comme le fauteuil Strandmon gris foncé à 249€ au lieu de 299. Rendez-vous vite en magasin et sur IKEA.fr ou téléchargez la nouvelle application catalogue pour découvrir toutes les nouveautés. IKEA ! Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est fou, les extra économies débarquent chez Carrefour. Aujourd'hui, il y a 80% offert en bon d'achat sur la lessive Ariel Pods. En plus, ça sent trop bon. Résultat des courses, toutes les filles de ma classe veulent s'asseoir à côté de moi. Jusqu'au 11 septembre, profitez chaque jour de 80% offert en bon d'achat sur une sélection de produits, comme par exemple aujourd'hui sur le pack de lessive Ariel Pods. Carrefour. Original ou Alpine, 3 x 16 capsules, soit 1 kg 422. Bon d'achat valable du 12 au 18 septembre. Toutes les offres et modalités sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40€. Profitez-en, c'est jusqu'au 16 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite de 68 000 cartes, distribuée dans plus de 900 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Il est triste, Jean. Triste de découvrir que ça y est, le prix de sa fibre a doublé. Eh oui, Jean, il y a des prix qui doublent au bout d'un an. Oui. Alors qu'en ce moment, chez Red, la fibre, c'est 10€. Et c'est comme ça et pas autrement. Ah bon ? Sans engagement, sans mauvaise surprise pour ton portefeuille et sans gluten. Non, non, vraiment. La fibre à très haut débit pour seulement 10€. C'est chez Red et c'est maintenant. Oh, merci. Avec Red by SFR, vous profitez de la fibre à 10€ par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients, valable jusqu'au 2 octobre. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49€. Détails sur redbysfr.fr. Virgin Radio à Paris. 103.5. Bienvenue à Porto. Admirez l'architecture subtile de ses bureaux climatisés, le charme discret de ses couloirs en moquette et vibrez au rythme endiablé de ses rendez-vous clients. Porto, bientôt. En voyage d'affaires, découvrez plus que des bureaux. Partez à Porto et plus de 80 destinations à partir de 30€. Transavia. Partez, volez, souriez. Prix TTC au tarif basique, voire conditions sur le site. Vous êtes gourmet et cinéphile ? Mardi 3 octobre, Insider par la Fourchette organise un événement fait pour vous. Au menu, l'avant-première du film Le Sens de la Fête, au MK2 Palais de Tokyo, suivi d'un dîner spécialement pensé pour l'occasion au restaurant L'Atelier Gambet, en présence du chef Pierre Sang. Réservez votre soirée exclusive sur digitik.com. Un événement Insider par la Fourchette avec Digitik, dans la limite des places disponibles. Bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Buongiorno, amore mio. Monsieur ? Oh, pardon. Vous savez, maintenant, je peux apprendre l'italien où je veux. Alors, j'en profite. Aujourd'hui, l'apprentissage des langues, c'est où on veut, quand on veut. Avec la collection pour débutants Objectif Langue à 6000, apprenez l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand. En livre et sur les sites de streaming comme Deezer. Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre libraire préféré. Avec A6000, apprendre une langue, c'est plus facile. Ah oui, molto facile. Dimanche 15 octobre, Virgin Radio vous lance un défi.
Sortez vos rollers du placard et inscrivez-vous à la première édition du Virgin Radio Paris Roller Marathon. Un marathon à rollers plus facile et sympa qui partira au pied de la Tour Eiffel. Seul ou en relais à deux, vous aussi devenez marathonien à roller pour un parcours exceptionnel dans la plus belle ville du monde. Inscription sur parisrollermarathon.com. Le Virgin Radio Paris Roller Marathon. C'est le dimanche 15 octobre avec Virgin Radio. L'événement, ce sont toutes les nouveautés du 25e anniversaire de Disneyland Paris. 70 aventures inédites dans le nouveau Star Tour. Nouveau Hyperspace Mountain, encore plus sensationnel. 70 aventures inédites dans le nouveau Star Tours et un nouveau Hyperspace Mountain encore plus sensationnel. À l'occasion de son 25e anniversaire, venez découvrir Disneyland Paris comme vous ne l'avez jamais vu. En ce moment et jusqu'au 27 septembre, le billet adulte est au prix du billet enfant. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Virgin Radio présente. Hi, it's London Grammar on Virgin Radio. London Grammar. Oh. En France. Après un premier album certifié disque de platine, retrouvez le phénomène électropop pour une nouvelle tournée française. Le groupe anglais sera au Zénith de Lille le 19 novembre, aux Libertés de Rennes le 20, au Zénith de Strasbourg le 2 décembre, au Zénith de Paris le 3, au Zénith de Toulouse le 5 et à la Alten Garnier à Lyon le 6. Plus d'infos et réservations, points de vente habituels et sur virginradio.fr. London Grammar en concert en France. Avec Virgin Radio. Un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Vie au 73-200. Nos experts vous apportent les réponses. Vie, V-I-E, au 73-200. Vivrez-vous le grand amour toute votre vie. Vie au 73-200. 99 centimes plus prix du SMS DGP. La famille s'agrandit tous les mardis avec des stars et du public. Avec que des potes, quoi. Slash en public tous les mardis de 18h à 21h sur Virgin Radio. C'est notre moment de folie de la semaine. On s'est dit que c'était juste avant le mercredi. On est en public. Venez nous voir, inscrivez-vous. Je crois que c'est coé.public ou coé-public. Coé-public at virginradio.fr. Oh la Marie, tu es au taquet. Bon élève. Bam, je dirais le pas que c'est. Le vent du siècle. Le vent du siècle. Ouais, c'était le vent du siècle. Ouais. Le vent souffle en Arizona. Ouais, un état d'Amérique par lequel Arizona. Pensez pour MC Solar, bien sûr. S'il nous écoute de là où tu es, MC Solar. On ne sait pas où tu es pensé. Je voudrais quand même dire que Marie, donc ça fait, c'est pas comme si c'était la troisième religieuse que tu bouffais. Elle en a mangé quatre, regardez, voilà, il en manque quatre. C'est une émission, j'ai mis des petits gâteaux pour les invités. Et donc, monsieur Jeff, jamais content, me dit pendant la pub, il me dit, y a rien de salé? Mais non, mais hey, c'est l'heure du salé. Mais viens avec ton frigo, mec, la prochaine fois. Ben moi, je vais venir avec mon sandwich maintenant. Non, mais c'est l'heure de l'apéro, il y a que des gâteaux sucrés, ils sont très bons, mais c'est pour après. Mais c'est pas pour toi surtout, c'est pas pour toi. Et ça, c'est Marie Gâteau. Jeff, tu le sais, tu es tombé dedans quand tu étais petit. C'est ça. Donc, tu n'as plus le droit. On a dit qu'on disait bonjour au public, vous savez que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée pour nous aussi. Tiens, prends le micro, public. Vas-y, Jeff, vas-y. Oh non, reste là, Jeff, reste là. Oh non, vas-y. Non, reste là. Non, vas-y. Non, reste. Je sais pas. Tiens, fais ton sport. Vas-y, reste. Il va transpirer. Alors, on va dire bonjour, c'est important. Rentrée scolaire, on check les vêtements. C'est toujours comme ça. Oui, attendez, c'est important. Alors, allez mater sur notre Facebook. Il y a plein de gens. Alors, il faut que je prévienne. Pendant la pub, sur le Facebook Live, vous verrez le studio sans son, parce qu'on va pas vous mettre les pubs. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, vous allez, n'ayez pas peur s'il y a des commentaires qui disent, il n'y a pas le son. C'est normal. Quand on n'est pas à l'antenne, il n'y a pas le son. Voilà. Donc, dans le public, il y a qui? Prénom, bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va nickel. Ça va, t'es en forme, tu viens d'où? Je viens de Asie-sur-Marne. C'est bien ça! Asie! Ouais, c'est... Asie! Tous les mecs disent ça toujours, ça va? Asie. Bon, à côté, d'où tu viens? Salut, alors moi c'est Thomas, je viens du 14e arrondissement. Salut Thomas! Salut! Petit côté animateur radio, ouais, Thomas! Ouais, salut, je m'appelle Thomas! Propre! Tu fais quoi dans la vie, Thomas? Là je passe demain un entretien pour rentrer à l'aviation civile. Wouh! Très bien ça, très bien, pour faire quoi? Pour être gestionnaire de paye. Ah, c'est chiant. Ah merde, tu nous as vendu du rêve, t'es le pilote. Ouais, moi je voyais le mec, PNC au port, machin et tout. Ah, en fait, il va faire des factures. Oh là là. C'est chiant, passe à la personne à côté. Que fais-tu dans la vie, mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Axel et je suis en école de cinéma audiovisuel. C'est génial, c'est bien. Ça se passe bien? Oui, super. Ouais, c'est bien, ça me fait plaisir. À côté, le prénom? Elisa. Ça va, Elisa? Oui. Elle est belle? Oui. J'ai l'impression d'avoir posé une question super dure, la vie est belle. Ouais. À côté, jeune homme. Bonjour. Tu le sens, ce moment de gêne entre toi et moi? Qui démarre en premier? Il y a un silence gênant. Non mais tout était dans les yeux là, il y a eu deux secondes de... À qui? À toi, non, vas-y. Je m'appelle Bastien. Ah, voilà. Salut Bastien. Bonjour Bastien. Voilà.
Toujours un petit blanc. Pas de question. Génial. À côté. Ah, les filles, elles viennent de Belgique. On fait une bise. Ah, parce qu'il y a Rana Welmadani, c'est pour ça qu'il faut la soutenir. C'est pour la Belgique. Ça va, les filles, vous venez d'où? De Moucron, mais plus précisément d'Otigny. D'Otigny à côté de Moucron. Ça va, c'est comment l'accent là-bas? Il y a pas d'accent. Oh, arrête, il y a pas d'accent. Mais attends, mais sûr que si. Non, il y en a pas. Mais il y en a. Vas-y, parle un peu. Vas-y, dis un truc. Bah rien que chez moi, t'as de l'accent. Pas d'accent. Léger quand même. Hein. Bah je sais pas, il y a pas d'accent, je te dis. À côté, la demoiselle, le prénom. Oui. Océane. Ah bah là, il y a un accent, écoutez. Oh oui, Océane. T'as dit Océane, oh, t'as un accent. On l'a tous entendu. Pareil, tu viens de la même ville? C'est ta sœur. Bah vous pouvez vivre, vous êtes pas obligé de vivre dans la même ville non plus. Ah, si. Vous êtes sœur, faites voir. Vous êtes jumelles? Ouais, je pense. Non. Ah bon? Ouais, non, il y a un truc. Non, quand il y a même. Un truc. Hein. Bah, c'est normal, elles sont sœurs, Pietre. Je t'en parlerai. Ah, c'est ça la ressemblance. C'est la ressemblance. D'accord. Je voudrais parler d'un énorme problème. Un problème grave. C'est pas MC Solar. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, tous les autres sont là. Vianney, tout le monde arrive. J'ai lancé une connerie que nous allons faire tout à l'heure dans l'émission. Il y aura des surprises ce soir et je voulais faire un délire tout à l'heure et j'avais besoin d'un objet un peu dingue. Une pince à linge. C'est fou. Et là, mon équipe d'assistants est partie pendant 2 heures et ils sont revenus en me disant cette phrase incroyable. Il n'y a pas de pince à linge dans le 8e arrondissement. Les mecs, ils nous ont trouvé parce qu'on leur a demandé plein d'autres trucs. On leur a trouvé des trucs de fou. Du jus de papaye. du boulgour. Des légumes que tu connais pas, mais une pince à linge. Oh, non, c'est, non, pour ça, non. Ah, c'est pour les beaufs. Où est-ce que tu veux que je trouve ça, une pince à linge? Vous savez quoi? Je vérifie immédiatement. J'appelle le Carrefour Market. Ah bah je vais vérifier, je vous préviens. Mais ils ont pas pu, nous ont compris. Le mec me dit, on a un stock de pince à linge. Carrefour City, rue de la Trémoille, bonjour. Oui, bonjour, le Carrefour City, rue de la Trémoille, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il se trouve que j'ai urgemment besoin de pince à linge. De pince à linge. Je répète, de pince à linge. D'accord, malheureusement, nous n'en avons pas. Vous m'envoyez, désolé monsieur. C'est fou ça. Mais pourquoi si je vais tendre mon linge? Pour étendre votre linge, honnêtement, je saurais conseiller dans le secteur, je sais pas où vous pourrez en trouver. Oh mince! Mais on est dans le 8ème, les gens ils jettent leur fringue. Merci monsieur, après. Je vous embrasse. Sèche-linge. C'était Coé, on était sur Virgin Radio, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Bon courage, ciao ciao ciao. Ça c'est très parisien le ciao 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 ciao. Ciao. Allez, ciao ciao. Hop, le Monoprix des Champs-Elysées, je deviens ouf. Ah bah là, il est grand, en plus, il est immense. Là il fait 3 étages. Trois étages, t'as de tout là. T'as de la nourriture orientale, t'as du couscous onem, là t'as des trucs improbables. Couscous onem. T'as tout. Oui, j'en ai mangé une fois. Mais le mec, ils te font de la fusion, ils te font du cassoulet au houmous, ils te font tout. Tu vois, si les mecs, ils ont pas de pince à linge. Pince à linge, j'en ai une moi, une pince à linge. Ah, ils en font plusieurs. Bon, ils ont déjà pas de standardiste, alors. C'est normal que ça ne réponde pas à quelle heure les mecs qui nous écoutent. C'est le rush là. Vous avez demandé des pinces à linge, on n'en a pas. Mais mec, réponds pas. Les gars, ici le Monoprix, ne décrochez pas le téléphone, ils vont demander des pinces à linge. Ah non, mais il n'y en a pas du tout. Ah, il n'y a pas du tout. Ah, ça prendra le temps qu'il faudra, je m'en fous, je rendrai l'antenne à 23h, mais. On va meubler. Je partirai pas sans pinces à linge. C'est fou ça. Comment? Ils sont en travaux. Ils sont en travaux. Et alors, ils ont pas le téléphone? Ils sont en travaux, Pierre. Ça veut dire que c'est fermé, peut-être. Ah oui, c'est vrai, je suis passé devant, il y avait des... Vous ne pouviez pas me le dire avant, mais ça aussi. Mais si, mais c'est moins drôle, du coup. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. L'équipe que vous voyez là, ça sera pas la même à Noël. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, en tout cas. J'espère que tout va bien, vous êtes chez vous à la maison. Tout à l'heure, on aura donc Vianney. Ça y est, j'ai le bon morceau de Vianney. J'ai essayé de retenir les paroles de Vianney, je ne retiens pas les paroles. Il y a que des mots en plus. Oh là là. Écoutez, attendez. Monsieur et monsieur Cartman. Problème de pince à linge. Oh là là, excusez-moi. T'as un plan? Oh là là, mais tu sais, ce studio, assieds-toi. Comment ça va? Ça va, mon Cartman? Oh là 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 là. Mais t'es venu parce que t'as un plan pince à linge? Alors écoutez, les gars, vous avez pas été sur mon blog, le blog de la pince à linge? Non. Mais tu sais j'ai quoi, tous les bons plans pince à linge dans le quartier. Vous savez quoi, les amis? Je suis presque émotionné. Ah bah, ça fait quelque chose. Bizarre, hein. Je suis presque émotionné, toute cette équipe de mecs de 25 ans qui se retrouvent. Au bout de 25 ans. On est tous devenus chauds. Mec, c'est incroyable. C'est dingue, hein. Riez pas à ça. Il y a Pietre qui tient bon. Pietre, il est bien. Niveau du rush.
Il tient Bon. Non, il est carsemé. Hein. Ça me fait très plaisir parce que en fait, en gros, je vous explique. Il y a Artus qui va arriver d'ici quelques minutes. Il y a une pièce de théâtre qui va arriver. On va en parler dans quelques minutes. Mais je me suis dit, Cartman, il faut qu'il vienne nous voir avant. Ah bah avec plaisir. Mais t'imagines, tu te souviens de ce studio comme on a fait les Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'il y a notre semence partout. Ici, dans là. Oh mon Dieu, les gars. Et pas que. Juste là. Au premier rang. Non. Mais je. C'est, non. Bah, mais ils ont bien fait de changer la moquette quand même. Non. Tu sais ce qu'il a fait ce mec dans ce studio un jour? Attends. Non. Balance des doses. Il est 18h30. Je peux dire, mais il est plus sur la même station maintenant. C'est pas grave. Il y a Laurent Ruquier qui fait son émission ici, je crois. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la blague que t'as fait à Laurent Ruquier? Non. Non. Je me souviens pas que tu lui. Il avait enfermé un vieux clacos, un vieux camembert qui pue là, juste en dessous. Je crois qu'il est resté bien un mois et demi le camembert. Et tous les jours, Ruquier, il arrivait, il disait, mais qu'est-ce qui pue comme ça? C'était le camembert que ce mec avait mis. C'est vrai. Et moi, ça me faisait marrer parce que je passais devant la porte et à chaque fois, j'entendais « Il y a une odeur !» Je crois que tous les mecs de la maison sont devenus fous à chercher le camembert, mais qui était caché dans la table. Il était introuvable. C'est pour ça qu'ils ont tout pété. Et finalement, je crois que les mecs ont décidé de détruire la table. Je crois que le studio a failli fondre. Tu restes avec nous? Ah bah oui, avec plaisir. Artus sera là, tout le monde, le public, vous restez avec nous. À tout de suite pour l'émission en public en live sur Virgin Radio. Allez faire un tour aussi sur notre Facebook Live, à tout de suite. Le seul moyen de découvrir les sons pop, rock, électro avant tout le monde. Vous êtes écouté Virgin Radio. Offenbach. Imagine Dragons. Et Chiran. Virgin Radio. La playlist dont tout le monde parle. Aviva s'adresse à vous. Vous, dont les papiers à remplir remplissent les journées. Vous qui ne comptez plus les nuits à refaire les comptes. Vous, les passionnés, qui observez jalousement le soleil car ce soir, lui aura la chance de se coucher. Vous qui n'avez plus de temps pour passer du bon temps. Vous, les chefs d'entreprise. Parce que créer ou développer son activité est souvent complexe, Aviva agit pour que s'assurer ne le soit pas. Retrouvez toutes nos solutions d'assurance dédiées aux professionnels sur aviva.fr. Aviva, la bonne idée. Quick, en ce moment, le long est à prix mini. Alors forcément, ça fait maxi plaisir. Jusqu'au 18 septembre, chez Quick, le long fish, le long bacon et le long chicken sont à 3 euros seulement. Le long à 3 euros, ça va faire des heureux. Quick, un goût de légende. Sous réserve de figuration du long bacon à la carte habituelle de votre restaurant. Pour votre santé, bougez plus. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est fou, les extras économies débarquent chez Carrefour. Aujourd'hui, il y a 80% offerts en bon d'achat sur la lessive Ariel Pods. En plus, ça sent trop bon. Résultat des courses, toutes les filles de ma classe veulent s'asseoir à côté de moi. Jusqu'au 11 septembre, profitez chaque jour de 80% offerts en bon d'achat sur une sélection de produits, comme par exemple aujourd'hui sur le pack de lessive Ariel Pods. Carrefour. Original ou Alpine, 3x16 capsules, soit 1,422 kg. Bon d'achat valable du 12 au 18 septembre. Toutes les offres et modalités sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Et si on parlait Renault Occasion? Alors vas-y, raconte ta soirée avec Julien. C'était vraiment bien, on a plein de points communs. D'abord, il a lui aussi une Twingo d'occasion, c'est génial, non? Ah, top! Sa Twingo d'occasion a 5 ans comme la mienne. Il l'a achetée à petit prix comme moi. Et attends, en plus elle est aussi garantie 6 mois. Eh oui! Avec l'offre préfutée, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2017. Voir conditions de l'offre préfutée sur Renault.fr. Mais non, toi aussi tu le lis. Ouais, t'as vu ce qui se passe à la page 228? La baisse de prix sur la suspension IKEA PS. Ah non, je n'ai pas encore lu ça. Sans supplier toi. Le nouveau catalogue IKEA 2018 est là. Avec tous ses nouveaux prix baissés, comme la suspension IKEA PS 2014 couleur argent à 59,90€ au lieu de 69,90€. Rendez-vous vite en magasin et sur IKEA.fr ou téléchargez la nouvelle application catalogue pour découvrir toutes les nouveautés. IKEA. Cette semaine, scoop public. Jennifer et Ambroise, la demande en mariage. Aussi, M. Pokora et Christina Milian, une vraie histoire de sexe. Et en plus, cette semaine, public, un numéro spécial mode grand format avec plus de 16 pages sur toutes les nouvelles tendances de la rentrée. Public, actuellement en kiosque. Cuit.
Cultura. Éparpillé par petits bouts façon puzzle. Eh ben c'est ça la rentrée des classes. On court aux quatre coins de la ville pour mettre la main sur des fournitures, sur un cartable, sur des bouquins. C'est l'éparpillement, la course contre la montre et l'angoisse. Alors que chez Cultura, eh bien on regroupe, on se concentre. Mais oui Fabrice, chez Cultura, on trouve toutes les fournitures et les livres de la rentrée. Des produits à prix imbattable et les services qui vont avec. En magasin et sur cultura.com. La rentrée, autant ne pas la rater. Cultura, l'esprit jubile. Virgin Radio et les clubs Bellambra vous envoient vous détendre dans les plus beaux endroits de France. Les pieds dans l'eau ou au pied des pistes, vous êtes toujours les mieux placés pour profiter de vos vacances. Plus de 15 sports, 24 activités différentes par jour et des clubs enfants dès 3 mois. Avec 58 clubs pour se détendre en famille, il y en a pour tous les goûts. Écoutez tous les matins Virgin Tonic entre 7h et 10h et repartez avec votre semaine de vacances pour 4 personnes en demi-pension dans un club Bellambra grâce à Virgin Radio. Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, un pack de Vittel acheté, un pack offert. Là, mon père est super content. Ah bah carrément, un pack de Vittel acheté, un pack offert. J'adore cette promo. Je confirme, il est super content. Du 5 au 16 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour un pack de 6 bouteilles d'un litre et demi d'eau minérale naturelle Vittel acheté, le deuxième est offert. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Les grandes marques sont au meilleur prix chez Leclerc. Et voilà. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Je vends ma voiture. 5 ans, 110 000 km. Une affaire. Parfait. Mais avant, vous devez effectuer le contrôle technique de votre véhicule. C'est obligatoire. Ah, j'avais un peu zappé, moi. En ce moment, en passant commande sur oscaro.com, bénéficiez de 15% de remise sur votre contrôle technique avec Sécuritest et Autosécurité. 15%? Merci, Oscaro. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Menu essentiel à 19,90€, on fait quoi ? En entrée, la chaîne Canal+, avec plus de 200 films récents par an, accompagnés de plein de films inédits. Ensuite, un pêle-mêle de 20 nouvelles séries et créations originales par an. Et pour finir, les grands matchs de Ligue 1 Conforama et de l'UEFA Champions League, le top 14 et les grands prix de Formule 1. Tout ça dans 19,90€ ? Oui, chef ! Avec l'offre essentielle, profitez de Canal+, avec le meilleur du cinéma, des séries et du sport, pour 19,90€ par mois seulement, sans engagement et sur tous vos écrans mobiles, avec MyCanal. Appelez vite le 3910, service payant 25 centimes la minute plus prix appel, offre soumise à condition. Virgin Radio à Paris. 105. Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Depuis le 22 juillet, vous avez été plusieurs milliers à participer à notre opération Ligne ouverte SNCF. Alors merci à vous tous qui avez partagé vos priorités, vos attentes et vos idées. Votre participation est essentielle car c'est ensemble que nous voulons construire la SNCF de demain. Vous aussi, donnez votre avis. Rendez-vous spécial le 7 septembre dans vos gares d'Île-de-France et jusqu'au 15 septembre sur ligneouverte.sncf.com. SNCF, rapprochons-nous. Pourquoi Coé a choisi le mardi soir pour faire son émission en public ? Vous aimeriez le savoir ? Ouais ! Eh ben moi aussi, ce garçon est imprévisible et c'est pour ça qu'on l'aime. Coé slash en public de 18h ouais. à 21h sur Virgin Radio. Ouais. Je sais ce que vous vous dites, mais pourquoi le mardi soir ? Cartman, tu te dis pourquoi ? Mais pourquoi le mardi soir ? Eh ben, je sais pas. Parce que j'ai eu l'idée, de, je me suis dit, on va pas faire le vendredi. Donc j'ai dit, on va faire. Ah bah non, c'est Shabbat. Ah bah oui. Ah bah attends, je peux pas. Donc après j'ai dit jeudi, on m'a dit, bah non, c'est la veille de Shabbat. Bon, d'accord ? J'ai dit mercredi, on m'a dit, oh, lundi. Bah, il restait mardi. Donc ouais, voilà. C'est très bien mardi. Mais les choses peuvent bouger. Ça peut être la semaine prochaine. Moi, je veux dire, l'émission bougera quand MC Solar viendra. Voilà. S'il vient. MC Solar qui a fait un petit burn-out, hein, on le rappelle. Hein. C'est ça. Oh, c'est ça. Hein. Au malaise, malaise. Non, un petit malaise. Petit malaise. Moi, j'ai un petit message. Claude, si tu m'entends. Allez, s'il te plaît. Bouge de là. Non, mais c'est ouf. On était contents. On s'était fait un plaisir. On avait tous appris les chansons d'MC Solar. Ah oui. Caroline n'était pas le microphone. Bon, on l'avait pas appris celle-là. Mais bouge de là. Bouge de là, j'avais tout appris, moi. C'est vrai, il s'est entraîné comme un dingue. Je connaissais tout. Tout le monde la connaît, bouge de là ? Bah, bien sûr. Bah, évidemment. Oui. Je suis plus qu'un classique. Ça sent l'interrogation. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Moi, chez Zorro, va faire un tour. J'étais pas née. J'étais pas née. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que déjà qu'il a fait un petit malaise, en plus tu dis qu'il est vieux, il va mal le prendre. Donc, MC Solar sera notre invité la semaine prochaine. T'as vu ce rire ? C'est son rire. C'est quoi ça ? C'est un vrai rire. Mais ça, on tolère maintenant, Radio 2017 ? C'est permis. Ok, putain. C'est vrai que c'est un rire chelou. Hein. Ah ouais. C'est... Oh ouais, c'est avant, pas... ça passait pas le contrôle technique. Comment ça rentrait pas ça. Maintenant, si.
Non, non, il a raison. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte que je suis devenu laxiste parce qu'avant, j'aurais pas supporté. Hein. Avant, alors, je voudrais quand même. On a fait venir Miko qui, en théorie, réalise l'émission pour que vous la voyez sur Facebook Live parce que je ne pouvais pas ne pas avoir tout plein de gens qui ont fait la méthode Coé avec moi pendant des années. Il y a Pietre qui a bossé, il y a Jeff, il y a Miko, il y a Cartman. Eh ouais, hein. Il en manque une. Ah bah oui. Le fauteuil. Non. Marie. Oui. Mets ça, tu seras Marie-Cécile. Mets ça. C'est une perruque blonde. Mets ça. Comme voilà. Comme ça, on est au complet. Comme ça, sur la photo de classe, vite fait, avec les yeux plissés, on verra que on verra pas la différence. C'est parfait. On verra pas la différence. En plus, la perruque est de bonne qualité, je crois. C'est une bonne facture. Je crois qu'elle a été assise à 12 euros. À la méthode. Perruque de l'époque, je crois. Voilà. Et ben non, reste les cheveux devant. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est nickel. Et tape tes deux mains sur la table. Voilà. Et là, on a tout le monde. Baisse un peu ton siège aussi. Voilà. Tu souris trop, par contre. Arrêtez. Arrêtez les vannes, parce que c'est encore moi qui vais me faire défoncer tout à l'heure. Donc, c'est toi qui vas recevoir les textos. C'est moi qui vais recevoir les textos, donc arrêtez les vannes, parce que merci beaucoup. Non, mais ça me fait très plaisir que vous soyez là. Ça y est, au complet. Non, mais attends, quand même, là, c'est un fait un peu ancien combattant, mais on est quand même content de se retrouver. Hein. Eh, ça va. Ah, c'était l'année dernière. Oui. Ça va. Oui. Dans quelques minutes, il y aura Vianney qui sera notre invité. Il est déjà venu répéter. Il est là. On l'a vu. Tout va bien. On va passer un bon moment, mais celui qui est au théâtre avec Cartman, il est au théâtre. Au théâtre. Voilà, présente-le. Ah bah c'est simple, c'est un mec qui a écrit, mis en scène la pièce. Ça s'appelle Duel à David et Jonathan. Je vous demande d'accueillir Monsieur Artus. Ouais oh là là. Et là, il y a que des gens que j'aime bien. Je vous assure. Hein. Voilà. Et là, au moins, il y a tout ton plateau d'avant, puisque j'ai le corps que t'avais à l'époque. Tout est réuni, ça y est. Il est très bas ce micro. J'ai un stock de chemises noires. Ou c'est ton siège qui est très haut. C'est un des deux. Faut checker. C'est le... pas con. Parce que je me disais comment je vais remonter le micro. C'est ça. Donc je te présente. Je crois que tu connais pas tout. Tu connais tout le monde. Jeff, Miko, tu connais Cartman évidemment. T'es au théâtre avec lui. Marie-Cécile. Noël Malagré. Ça marche aussi. Je regarde si les SMS passent. On l'a perdu, ça y est. C'est bon. Les SMS ne passe pas, ça va. ça va être l'enfer. Est-ce que tu n'as jamais fait la méthode Coé, évidemment, Artus? Non. Il est trop jeune. Eh bien, puisqu'on est tous réunis, j'ai envie que tu la fasses avec nous. Ah, okay, avec plaisir. D'accord. Revival. Fauteuil. Faites rentrer le fauteuil officiel. On l'a, l'original. Faites rentrer le fauteuil. Allez. Plus vite que ça. Il est gros. C'est qu'à l'époque, ça allait plus vite que ça. Allez, c'est le mec qui est pas patient. Regardez. Très bien. Voilà. Non mais les gens font un bruit, j'ai l'impression qu'on est en train de faire rentrer un le Yukun-kun. C'est le nombre de cul connu. C'est ça exactement. Là-dedans, il y a eu de la vedette. Ah, y a eu de la fesse, là-dedans, il hein. y a eu des gens morts. Ouais, c'est vrai. Là-dedans, il y a eu de l'actrice X. Ouais. Il y a un mec qui a pissé sur le fauteuil. Oui, c'est vrai. C'était Steve-O de Jackass. Sur le fauteuil, sur mon bureau, il a pissé partout. Parce que le mec, il a marqué son territoire. Là, il y a eu Will Smith. Aussi, ouais. Les gars, mais vous vous rendez pas compte. 50 Cent. Stallone. Bon, ça va y avoir Artus. Il y a eu la SketchUp. Eh bien, c'est une bonne transition. Maintenant, il y aura Artus. Viens t'asseoir dedans. Attention, c'est quand même une pièce de musée. J'ai enlevé le cordon rouge, mais tu passes derrière. Ouais. Donnez-lui un micro. Ah, c'est que les capteurs à ta gauche. Artus, tu es dans le fauteuil de la méthode. Assieds-toi. T'as le capteur qui est là. Tu veux pas me sucer le doigt, que j'ai l'impression d'être comme sur la. Je vais prendre un stagiaire. Maxence. Il y avait un petit capteur. C'était pour la sensation. C'est Maxence. C'est un mec. Je t'appelle Maxence depuis des mois et tu t'appelles Maxence. Il n'ose pas te le dire. Comment tu veux qu'il le sache? Ça fait que 3 ans que t'es là, mec. Ça va le melon? Ça fait 20 ans de ma vie que tout le monde décorche mon prénom. Non mais mec, attends, t'es sérieux? Je te vois tous les jours au bureau et tu t'appelles comment? Je m'appelle Maxent Luigi officiellement. Hey, joder, tu es de Juan Ontario. Estás loco, te mato. Chico. Et j'ai un troisième prénom aussi. Ouais, on s'en fout. Mais non. J'ai déjà du mal à reconnaître le premier. Non mais attends, je vaux le coup. Attends, chaque vanne en son temps. Tu t'appelles Maxent et tu me laisses t'appeler Maxence depuis des mois. Franchement. Mais mec, mais arrête d'être soumis comme ça. Pourquoi t'es pas passé à côté de moi en disant mais ferme ta gueule connard, je m'appelle Maxent. Vas-y, on va le refaire. Parce qu'il tient sa place. Et Maxence. Non, ferme ta gueule connard. Il a pris la confiance, ça y est. Là, attends, je te nique ta merde. Eh ben t'es viré, tu veux savoir, t'es viré. Voilà. J'ai de la famille en Colombie, là. Engagé.
nager. Tu sais que dans certaines émissions de télé, tu dirais j'ai de la famille en Colombie, les mecs ils disent tu restes. Tu es engagé. Tu es engagé. Et tu nous amènes ta famille ainsi que les cadeaux qui viennent de là-bas. Max, et c'est quoi le troisième prénom? Toyotes. Toyotes. Comme une Toyota mais mal foutue, une Toyotes. Ouais, comme un anti-radar mais mal prononcé. Ah, c'est des Chinois, t'as mis un Toyota. Toyota. C'est Toyota. C'est un con. Je peux t'appeler. Est-ce que ça te dérange que je t'appelle Toyota? Toyota. Toyota. Putain, on dit la raison. On dirait un coyote, mais fabrication chinoise, c'est un Toyota. C'est Toyota. C'est que les mecs, c'est mort jusqu'à la fin de l'année. Tu sais ça. Ouais. Ils vont t'appeler comme ça jusqu'à la fin. Ouais, Toyota. Dédié cette émission à mon père et ma mère qui. En Colombie. Voilà. Et puis, ma fille. Qu'elle en embrasse. La famille en Colombie. Ils font quoi tes parents? Non, je ne peux pas le dire. Ils sont cultivateurs. Mon père conduit des petits avions. Ils sont cultivateurs, ils fabriquent de la farine qui donne les patates. On mange des pains au chocolat, on grimpe au plafond de la famille. Deux pains au chocolat, tu fais la semaine. Bon, Artus, bienvenue dans la méthode. On l'a perdu, Toyota, là. Il est... Toyota, qu'est-ce que tu venais faire ici? Tu faisais quoi avant que je t'interrompe? Tu devais me sucer le doigt. C'est vrai, on était là. À la base, c'était ça. C'est vrai, il devait faire le capteur. Mais sinon, on a un capteur. Voilà, c'est une pince à linge, Pierre, arrête, t'es ridicule. Ouais. Content. Attention. On a trouvé c'est une. Pour ça la pince à linge? Non. Ah bon, il m'a fait je rappelle que je cherche toujours une pince à linge dans le 8e arrondissement. Alors j'en appelle aux gens d'Europe 1, puisqu'on est collé aux gens d'Europe 1. Si quelqu'un à Europe 1 est pince à linge au fil. Si Ondelat a une pince à linge. Si Christophe Ondelat a une pince à linge. Parce que c'est l'émission de Christophe Ondelat en ce moment. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il fait sécher son linge dans le bureau. C'est génial. Oh putain! Oh. Alors c'est pas pour cette séquence, c'est pour plus tard. Tiens, voilà. Artus, concentration. Est-ce que tu alors vas-y. Tu n'as jamais pu être invité à la méthode Coé, mais est-ce que tu l'as déjà regardé? Oui, je la regardais à chaque fois. Eh bien, c'est le moment de voir, puisque je vais te parler que de gens qui sont autour de cette table. Okay. À toi de faire appel à ton bon souvenir. Est-ce que tu es prêt? J'étais vraiment jeune, moi. Ouais, bah écoute, attends, le public peut t'aider. Mais, on t'emmerde. Attention, c'était un vendeur de roses du Boultikistan, très accro à l'argent. L'argent. Il s'appelait comment? Mademoiselle Herpin. Non. Mauvais élève. Bon, mais je sais pas, il y avait un perso de bon. Mopral, je t'enlève Mopral, un point. Mopral. La survivante de Koh-Lanta avec un chapeau de trappeur. Putain, mais c'est des persos. Fais-lui. Ah oui. Alors, Tony. Ah oui, bonjour. Tony le Koh-Lanta. Oui, Tony le Koh-Lanta. Exactement. Numéro 3. Il faut toujours préciser. Numéro 3. C'est un gendarme. Miko, fais-moi Mopral deux secondes. Oui, agent. L'argent pour l'émission de Mokouet. Kouet Virgin Radio. Plus l'autre radio, fini. Plus d'argent, l'autre radio. Vous savez que moi... Tu mets trop des problèmes, toi. Fini, problème. Ça capte pas? Ça capte pas. Oh, ouais. Vous savez que pendant des années, les gens, des fois, ils passaient à côté de Miko, ils disaient « Oh là là, je t'adore, argent !» Argent, ouais. Et lui, il leur répondait « Va te faire enculer, je m'en souviens. » Parce qu'il n'en pouvait plus. Non, uniquement quand j'étais bourré. C'est une nymphomane avec de gros problèmes cutanés qui veut embrasser toutes les stars sur la bouche. Ah, de minibus. Mademoiselle Herpès. Bon, ça capte pas, mais je vais l'éteindre par sécurité. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Je pense que... Qu'on termine l'émission. Personne ne pourra m'appeler. J'ai brisé la puce. Attention. Oh là là, j'ai hésité entre les deux. C'est une cantatrice capricieuse à la voix insupportable. Ah, putain. Hein? C'était tu une cantatrice. Bien, si tu c'est une cantatrice capricieuse à la voix insupportable. Oui, connasse. La connasse. Ah non, pas la par rapport à la connasse. Connasse. Et enfin, c'était un stripteaseur au surpoids évident avec un penchant sadomaso. Ah bah. Mais pourquoi? Eh bah putain, pourquoi moi? C'est Jeff direct. Parce que surpoids évident, mec. Enfin, ouais, c'est pas faux, mais c'était quand même Jeff. Mentir. C'était Jeff, le surpoids évident. Une évidence. Je suis désolé, Jeff. Non, c'est vraiment Jeff, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, on te faisait faire le gros dancer. Oui, c'est vrai. Alors que t'étais plus mince que maintenant. Mais oui, j'avais 20 kilos en moins, mec. Oui, mais comme quand on était visionnaire. Bon, Artus, parle-moi de la pièce parce qu'on va se faire plein de jeux tout à l'heure. Il y a la pièce qu'il faut absolument que vous alliez voir. Vas-y, les dates et tout, parce que j'ai rien. C'est tout. Alors c'est à partir du 27 septembre. À partir du 27 septembre au Palais des Glaces, voilà. Donc il y a Cartman, il y a Sébastien Chartier. On est 5, on tourne sur scène. On fait 13 personnages. Sébastien Chartier que tu connais d'ailleurs. Qui a fait ton voilà. Sébastien Chartier, s'il y en a qui regardaient une émission qui s'appelait Bienvenue chez Coé, c'est le mec qui faisait le mec de la sécu, le concierge. Voilà, qui faisait Je te défonce. C'est un petit, je l'adore. Du haut, c'est 1m45. J'adore. De où à où, quand, comment ils font les gens?
Palais des Glaces, 27 septembre. Palais des Glaces, 27 septembre, du mercredi au samedi, exactement. Dont deux le samedi. Oui. C'est rigolo. C'est la galéjade. C'est irrévérencieux, voilà. C'est poil à gratter. Et ça finit en énorme gangbang à la fin. Non, restez avec nous sur Virgin Radio, mais seulement le samedi. Nico, tu vas retourner à ta petite avec console. Grand plaisir. Dans un instant, Vianney sera notre invité. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Sonotone, MC Solar. Bah, il va mieux alors. Allez, Vianney chante tout là-haut. Poches sous les yeux. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde. Le mardi soir, c'est en public avec dans quelques jours Nicolas Sirkis, spécial Indochine. Ce sera un mardi soir et ça va être un gros kiff. Il y a plein d'invités qui arrivent aujourd'hui. Donc on fait vraiment un bisou à MC Solar, hein, que vous venez d'entendre sur Virgin Radio, qui devait être avec nous. Mais MC Solar, voilà, petit souci de santé, il sera avec nous la semaine prochaine. Oui, oui, Artus, oui, à moi de dire. Non, pas du tout. Eh bien, ça tombe bien. Voilà, Cartman est là, Artus est là, il y a plein de gens qui sont là. J'espère, le public, vous êtes beaux. Il y a plein de gens qui déboulent des bureaux à côté parce qu'ils terminent, ils viennent nous dire un petit bonjour, ils sont là. Ils ont des bonnes têtes et ça me fait plaisir. On a mis un petit écriteau sur la porte en disant vous pouvez venir dans le studio, nous dire un petit bonjour. Tout le monde peut venir ici et il y aura des surprises jusqu'à la fin de l'émission. Je ne peux pas tout dire, sinon, mais j'ai envie de le dire, mais je peux pas le dire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air surprise. Artus avec un H. Non, je t'écoute, je bois tes paroles. Artus. Ah, oui. C'est comme Toyota. Faut qu'on en parle. Oui, parce que hier, sur Instagram, ils ont mis Artus. 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 A-T-H-U-S. Artus. Oui, c'est vrai qu'hier, on est devenu un menu. Hier on a fait un visuel et il y a eu deux fautes d'orthographe. Il y a eu Atus et Nawer Madani. Ah ouais. Nawer Madani. Voilà, je suis désolé. Ça arrive, c'est que ça, c'est quand on est heureux, on fait vite, on prend pas le temps. Ouais, il a fait 18h58, je pense. Tu vois, il avait envie de se barrer. Je suis désolé. En plus, c'est ça. On a tout changé et tout. Et si on accueillait un autre invité, t'aimes bien ce que fait Vianney?
Non, je suis pas. C'est juste avant que j'arrive. Fais-le extrêmement sérieusement. Tu sais, genre, bonjour. Est-ce que tu vous excuses pas qu'il aime ce que fait Vianney? Alors, honnêtement, c'est pour moi vraiment. Enfin, désolé, en merde, il y a lui et Louane. Voilà. Donc, j'espère ne jamais le croiser de ma vie. Non, vraiment. Non, mais c'est une vanne. C'est une vanne. Pour le coup, je connais toutes ses chansons. Et voilà. J'avoue qu'au début, je me suis dit, oh non, je vais pas aimer. Puis au final, je me suis pris à écouter. Et maintenant, ouais, je l'écoute à donf dans ma bagnole. T'en fais pas un peu trop là, légèrement. Bah le pire c'est que c'est vrai, mais je te fais écouter ma playlist, ça fait peur quand même. Et bah moi je non mais pas non. Je te remercie. Mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Pardon, Vianney. Je veux dire que quand tu fais le mec, il essaie de dire un truc sympa, mais faites du bruit pour Vianney, que notre invité. Mais moi j'adore. Assieds-toi. Il disait qu'il écoute toutes les merdes qui passent à la radio. Mais non. Je veux dire, attends, il faut que j'explique. Je fais 130 kilos, d'accord. J'ai pas une tête à écouter du Vianney. Ouais, t'es au-dessus de moi. Pour une fois, ça du bien, quoi. Non, mais j'ai pas une tête à écouter du Vianney et ce rêve bleu que j'écoute aussi, voilà. Ah ouais. Comme quoi, y a pas de. Comme quoi, il n'y a pas de physique à écouter du Vianney. Voilà. Ça va, mon ami? Je suis surtout flatté d'être rangé avec ce rêve bleu. Ouais, ben ouais. Ah bah il veut se faire une soirée de fête, c'est soirée vœux bleus, il enquille les deux. Et comment ça va toi? Super bien. Ça me fait plaisir. Comment était l'été? On s'est même pas demandé l'été, c'est bien passé? Ouais, c'était trop cool. T'étais où? Beaucoup de routes de festival quoi. Ah, c'est pourri comme vacances quarantaine. En fait. Non, c'est bien, c'est costaud. Quel était le concert le plus génial? Ah, je crois que c'était les Vieilles Charrues en Bretagne. C'est ouais. Ouais, il était ouf. J'ai suivi sur toute la tournée. Vraiment. Vraiment. J'adore toutes tes chansons. En fait. Il est où le bonheur? Non, arrête. Vianney, c'est ça. Et moi, c'est cette chanson que je chante à chaque fois que je l'entends. Et je n'arrive pas à retenir les paroles, ça me rend ouf. Ah, mais je t'ai vu sur Twitter. C'est les chansons qui rendent heureux, ça. Je vous assure, quand je suis dans ma douche, je suis comme tout le monde. Suis-moi. Je suis là et j'essaie de la chanter et les paroles je ne les retiens pas. Si ben moi j'ai besoin des paroles. Mais je te les filerai. Mais moi-même sur scène ça m'arrive. Lui aussi il fait 6 mois, 6 mois, 6 mois, moi. En plus elle te parle ces chansons. Moi là, sa première là, elle me parlait. C'est un peu le rapport que j'ai avec mon. Laquelle? Avec mon zizi. Mais t'es où? Voilà. T'as connu ce problème? Oui, il a toujours été là, excusez-moi, mais. C'est très bien, t'as compris. De loin, mais. Il a toujours... Vas-y, donne-moi les paroles du refrain de moi, aimez-toi, que je le fasse bien. Si moi, aimez-toi, blessez-moi. Oui. Si moi, aimez-toi, blessez-moi. C'est bonne sexe. Si moi, aimez-toi. Hey! Si moi, aimez-toi, blessez-moi. Et la suite? Comment aimez-toi, blessez-moi. Ouais, c'est là que... Comment aimez-toi. Bah c'est là que je chie moi. C'est là. Il y a un mot en plus. C'est un mot qu'on remplace. Ouais mais j'y arrive pas. Je bloque. Je fais un blocage de ouf. Laquelle on chantera tout à l'heure parce qu'il est venu avec sa guitare. Qu'est-ce qu'on se fera? Tu me diras. Écoute franchement. Oh non, j'oserais pas. Oh non, ça me gêne de demander. Bon tu feras la nouvelle. Ouais. Je suis chaud. D'accord. Très bien. Je me gêne de demander. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Putain, franchement, ce que tu veux en vrai. Du Booba. Il est où le bonheur? Rêve bleu du Booba. Tu chantes celle-là? Je m'en vais. Ah ouais. Je m'en vais. Le public veut je m'en vais tout à l'heure. Je m'en vais. Ils veulent je m'en vais. Très bien. Ouais, carrément, je suis chaud. Il est chaud. C'est là que le mec fait non, j'ai pas. Non, celle-là. Non, celle-là, j'ai pas envie. Bon, en attendant, puisqu'on est tous là réunis, dans un instant, on aura la suite de nos invités. Je peux avoir. Ah, ça y est, j'ai tout. Je cherchais la promo de mes invités, je ne l'avais pas. Oh, c'est beau. 58 millions de vues sur YouTube. Oh putain. 9 millions de vues pour le clip Moi et toi, 3 millions pour le nouveau clip. D'accord, tournée en monde entier ce mois-ci, Tahiti, Tokyo, Séoul, Singapour, Bangkok. Waouh. Pourquoi tu regardes Artus quand tu dis ça? Parce que j'étais en train de me dire quand la pièce de théâtre sera Séoul, Singapour, Bangkok, on en reparle. Bah, on est en train de voir Ike Mulhouse déjà. Reprise, ça va se faire. Hein. Reprise de la tournée en novembre, il sera à Paris le 22 novembre où monsieur Vianney? Zénith. Ouais, ah pardon, pareil. Excusez-nous. Le 14 décembre à Toulouse, où? Zénith, je crois. Le 15 décembre à Montpellier, où? Zénith. Le 16 mars 2018 à Lyon, où? Zénith. Non. Tony Garnier? Je sais pas, je l'ai pas. Ouais, et le 9 juin à l'Accor Hotel Arena. Wow. À Paris-Bercy. Alors là, bravo. Voilà, merci. C'est non, c'est beau. Moi, c'est dès qu'un artiste fait Bercy, je trouve ça génial. Je me dis que ça doit être un truc de malade. Ouais, je crois que c'est un truc de malade, j'ai jamais fait. Vas-y, on va répéter ce soir. Tu vas dire, est-ce que ça va, Bercy? On va le faire. Ils sont presque autant les six ce soir. Ouais, ils sont aussi nombreux. Vas-y, prépare-toi, vas-y.
Ah ouais, en vrai de vrai. Vas-y, ah ouais. Vas-y, prépare-toi. Vas-y, mais je le ferai tout à l'heure. Bah non, maintenant. Non, maintenant, entraîne-toi parce que tout à l'heure tu vas faire un claquage si tu vas d'un coup. Vas-y. Est-ce que ça va, Bercy? Vas-y. Est-ce que ça va, Bercy? Non, c'est non. Pardon. Non. C'est Bercy. Faut y aller là. Ah mais tu viendras me voir en concert, je parle pas beaucoup plus fort mais que ça. Mec, tu peux pas me faire ça à Bercy. Même à Bercy. Mais même si tu fais ça, moi tu m'entendras, je dirais plus fort, putain. T'es à Bercy, merde. Bercy, c'est Bercy. Et après, il va falloir que t'attaques en coréen, après, pour un Séoul. Hein. Faire la même chose en coréen, ça va être Non, je vais pas faire une imitation raciste. Non, tu as raison. Vas-y, fais-moi un petit. Vas-y. Le petit Bercy, on le fait bien, là. Je le tiens, ils sont bons, là. Vas-y. Est-ce que ça va, Bercy? Ouais. Ça répond, hein. T'es à fond, hein. Ils sont arrêtés. Là, t'es à fond. C'est même bizarre. c'est même bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi, t'as trop fait de France Culture en chanson, toi. Nous, on a un public de ouf. Hein. T'as vu ou pas? Bah, je suis chaud, carrément. Tout à l'heure, tu vas être bien. Voici le concours des rimes riches. Puisqu'on devait avoir MC Solar, on avait prévu un jeu. Et comme il n'est pas là, on le fera quand même. C'est le jeu de la rime riche. Le principe est simple. Je vais faire un début de phrase. Tous les gens de cette équipe, on passera par Pietre, devront me faire une phrase avec une rime. Riche. Tant qu'à faire. Et Vianney, tu joues. Faut trouver une rime. Donc, définition de la rime riche. Bah, la rime riche, faut que ça rime. Ouais, non. Faut que sur les deux dernières syllabes. Oh non. C'est ça une rime riche. Sinon, c'est trop facile. Non, une rime. Sinon, c'est impossible. Franchement, on va miser là. Pour prendre des photos en panorama. J'ai Conforama. Oui, bah, c'est ça. Bon, tu dis que le dernier mot en plus, tu fais pas chier, toi. On va faire une rime. Si jamais c'est mauvais, le public aura le droit de huer. D'accord? C'est le public qui choisit, mais du beau ou hein. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça, mais là, j'écoute les règles. Montrez-moi comment vous huez. On se croirait à Bercy, quoi. On va commencer par Jeff. Oui. Et ensuite, Cartman, Vianney, ça repasse par Artus, Marie, Pietre, et ça refera le tour. Si vous avez des rimes riches, vous êtes les boss. Hein. Attention. Ok. J'adore le nouveau titre d'MC Solar. Et quand je l'écoute, je mange toujours du lard. Non, tu aurais dû dire, je mange des saucisses au lard. Au lard. MC Solar, saucisses au lard. Rime riche. Non, c'est vrai. Mais j'aime pas les saucisses. Bon. Ah ouais. On continue en A. Cartman. Après tout, MC Solar, est-ce que ce serait de l'art? Même. Vianney. Moyen. Chier. Il est tard. Non. C'est pas toi qui dit ça. C'est toi qui écris tes chansons? Artus, il en avait une? Oui, mais sa musique me donne envie d'avaler mon molard. Oh! C'est une rime riche. Ouais. Ouais, elle a un peu de deg, mais elle peut être riche. Attention, on repart par Pietre. Et c'est aussi bon avec. Non, on en fait un autre. D'accord. On s'en fout. Mais j'en avais une! Le chat voit dans la nuit, donc il est nyctalope. Ah ouais, mec. Ah ouais. J'en ai une. Et. Ah, mais non, c'est dégueulasse. Et c'est aussi bon à manger que des escalopes. Ouais, bien, Marie. Et dans ce cas-là, mangeons des escalopes en faisant le tour d'Europe. Bien, Artus. Et je vais le lire, sinon personne va le lire, grosse salope. Non, je savais que j'allais pas le faire. Rime riche. Vianney. Grosse salope. Non. Mais c'est pas le fin de Marie. J'aurais préféré le terme d'antilope. Oh, bien! Monsieur Doumbia Issa, comment allez-vous? Attention! Salut! Tu reprends le truc en fil. Issa, comment ça va? Ça va et toi? Attention, tu reprends le jeu en cours de route, on est sur nos rimes. Je suis là, je vois une rime en hop. Rime riche. Clope. Oui, avec une phrase. Regarde, Cartman va te montrer, Cartman. Il aurait-il fallu encore que je fume une clope? Bah, bim, il te l'a piqué. Allez, garde, Jeff. Je vais pas arrêter de jouer, sinon je vais faire un flop. À toi. Je viens de croiser une grosse salope. Non, arrêtez avec ça. Déjà utilisé. Déjà utilisé. Attention. MC Solar n'a pas pu venir car il a fait une syncope. Ah, d'accord. On s'arrête là, attention, voici le dernier. Il faut boire de l'eau pour lutter contre la canicule. Oh non. Comment veux-tu que je t'encule? Ça! Putain, ça fait 3 minutes! Oui. Bah bonjour! Ah, si, oui, t'as raison! Bah attends, t'es venu sur Virgin, maintenant on va tout dire. Non, on va pas tout dire. Ah, Vianney, dans un instant, dire. Première chanson, on se fera laquelle, mon ami? Je m'en vais. Le mec, il commence par je m'en vais, on va faire toi, je m'en vais. Toi, tu t'es bien assis ici parce que tu vois bien en face de toi, je crois. Ça va, mon Issa? Bah dis donc, il y a un beau décolleté, bonsoir! Ça va, madame?
C'est vrai, mademoiselle, que je comprends pourquoi tout le monde se met là-bas. Restez avec nous dans un instant. On sera de retour après Coldplay. C'est ça qu'on écoute, Bichette. Exactement, voici Info Coldplay. The Weekend. Vous nous suivez en live sur Facebook, le Facebook Live, et en live sur Virgin Radio. On est en public. Mets-moi du Coldplay. Vas-y, c'est parti. Tous nos invités sont là. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio. C'est là que ça se passe, Virgin Radio, on est en live, vous êtes en live, vous nous suivez aussi sur Facebook Live. Je vous fais un coucou pour tous ceux qui nous voient en même temps, j'espère que tout va bien. On aura des surprises tout à l'heure, on aura des jeux avec le public. Je ne peux pas tout vous dire, mais cette émission est loin d'être finie. Mais Coé, je vois un truc là, quand je regarde l'écran, oui, il monsieur écrit Coé slash, mais c'est, on dirait que t'as un lâche, tu vois, c'est horrible. Alors que c'est pas horrible. Tu vois, ça fait Coé se lâche, quoi, tu vois ce que... T'as un... bah, non, tu vois bien le S apostrophe. Non mais je sais, mais ça fait dans la tête des gens, ça va faire genre c'est un lâche. C'est pas bien, je pense qu'il faut pas mettre ça, quoi. Il faut changer. On va changer. Donne des conseils. Tu sais ça. Qu'on a mis 4 mois à le trouver. C'est... Ouais, mais c'est... vous êtes des bâtards alors parce que vous avez pas dit. Parce que ça fait c'est un lâche, alors que c'est pas du tout un lâche. C'est le même mec qui a fait Atus et Nawer. Donc, non, mais arrêtez. Ce mot est très joli parce que ça, c'est un peu moderne, c'est un slash, les gens qui tweetent et tout ont compris. Ah, exact. Slash. Vous voyez c'est fort. Et non pas Coé barre oblique, ça ne veut rien dire. Non. Coé tiré du bas. Non. C'est Coé slash. Dans un instant, on aura le live de Vianney. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Oui. Je vais vous faire une confidence. Marie, qui bosse avec nous, qui est dans cette équipe. Marie, ne le dis pas parce qu'elle est extrêmement polie. Quoi mais elle est en
en mode un tout petit peu deg parce qu'elle rêvait depuis le début de l'émission d'être à côté de Vianney, elle est à côté d'Artus. Alors, elle est fan maintenant. De Vianney. Mais elle a un rire, mais elle a un rire de cochon. Jamais, ça, pas lutter. Oh, non, mais je t'aime bien. Mais alors, si ça peut te rassurer, moi je préfère être à côté de Cartman. Ah bah vas-y, alors tu peux venir, Vianney. Non, Vianney, tu bouges pas. Vianney, tu bouges pas. C'est Cartman qui bouge. D'accord. Non, parce que ça fait deux noirs côte à côte, c'est pas bon. On ne sait jamais, peut-être qu'un accident va arriver. Excusez-moi, en plan de table, j'ai toujours été à chier. J'ai jamais su placer ni ma belle famille, ni personne. Alors, Vianney, tu vas aller où? Je vais à côté. Ok, très bien. Artus, tu viens là. Sortie du numéro 4, Vianney, entrée du numéro 8, Artus. Oui, mais là, ça fait un maigre entre deux gros, ça marche plus. Non. On le voit plus, on voit plus. Là, c'est chaud. Ça fait un burger. Ouais, Cartman, il va disparaître. Oh là là. Attention, resserrez les reins. On va pencher là. Attends, il y a Jeff. Putain, il y a Jeff aussi. Ok, attends, ça fait. C'est le clan des gros. Ça fait trop de gros du même côté. Jeff, tu bouges, on met piètre. Alors, vas-y, viens. Va de l'autre côté. Me bouge pas. Mais non, mais c'était le clan sauciflard ici. Ah bah non, je reviens. Oui, reste là. Finalement, tout le monde reste. Marie, bon, oui. Je t'ai mis avec Vianney. Ouais. Je te laisse parler avec Vianney. Tu as 30 secondes pour lui dire tout ce que tu aimes. Tout à l'heure, je fais la même chose avec Nawel Madani. Je ne la connais pas. Donc on va faire la découverte tout à l'heure. Vas-y. Salut Vianney, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. On chante tout à l'heure? Ah, tu veux chanter? Ah, tu le mets dans l'embarras dès le début. Comment non, on dit ça? On chante. Je vais te pourrir ta chanson. On chante. Si chanter, on chante. Non, on chante avec le public. Je ne parlais pas de moi. Bouille-le, fais-toi plaisir. T'as encore. Mais je sais pas draguer. Sinon, je serais pas célibataire depuis un an et demi, Coco. Tu sais pas te vendre. Hein. Un an et demi. Tu vois, non, mais je suis honnête. Tu vois. Bah écoute, moi, je vais chanter en tout cas. Ouais, c'est bien. Voilà. Ça veut dire ferme ta gueule. Écoute, Vianney. Écoute, Vianney, c'est simple. Est-ce que tu veux Ken ou pas? Voilà. Je veux chanter. C'est le râteau le plus classe non. que j'ai eu. Vraiment. Friendzone. C'est vrai que. Friendzone de ouf. Vianney, c'est un mec adorable. Je l'aime beaucoup parce qu'en plus, il est super drôle. Mais ce que tu viens de faire à Marie, c'est horrible. Non. Est-ce que tu veux la ken? Il fait non, je veux chanter. Tu commences à avoir pitié de moi et tu me caresses le dos en mode. C'est vrai. Mais tu sais, tu vas trouver quelqu'un, Marie. Hein, c'est pas grave. Alors que le gros, il était peut-être moche, mais il était prêt à te cartoucher. Putain. C'est bon, on a rattrapé. Vous lui avez mis un siège de maigre. Donnez-lui son siège de gros. Dans un instant, on va s'occuper de. On va redémarrer avec le live de Vianney. Mais il y aurait un petit truc avant, une petite question. Je vous en parlerai. Première consultation, ça va jusque quand, monsieur Doumbia? Ça va jusqu'en 2018. En 2018, mais ça n'arrête pas. Le 7 octobre à Montbéliard, le 30 septembre à Villeparisis, du 24 au 28 janvier à la Cigala. Paris. Est-ce que tu peux me refaire pour me faire plaisir? Mais attends, tu sais quoi? En plus, là, je sais ce que tu vas me demander. Je sais pas, quoi. Mais c'est un truc de fou, parce que la Cigale, la première fois que j'ai joué à la Cigale, c'est quand j'ai fait ta première partie, mec. Ah, c'est vrai. Et j'avais rien. Il m'a dit, tu veux faire ma première partie? Je dis oui. Il me dit, tu sais ce que tu vas faire? Je dis oui. Je suis monté sur scène, j'ai pris la scène pendant un quart d'heure, ça s'est super bien passé. Et après, à la fin, il m'a dit, ah, bien, tu l'as bien chauffé, hein, merci. Et j'avais rien préparé. J'ai tout improvisé dans la salle et là maintenant je vais jouer mon spectacle à la Cigale. Bien. C'est un truc de ouf. Donc t'es en train de me dire que t'aurais pu niquer mon spectacle. C'est ça. Voilà. Parce que t'avais rien préparé. Non. Comme je trouverais ça classe que tu fasses sa première partie. Moi je dis ça, je dirais. Oh, il est gêné, c'est mignon. Non, j'ai pas gêné, ça me fait chier. Non, mais il me l'a pas demandé surtout. En plus. Non, mais je sais pas moi. Non, parce que, excusez-moi, là t'es en train de gêner les deux parce bien que vrai. Moi je suis pas au courant et lui il a peut-être pas envie. Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que. Eh bien, c'est d'accord. T'as quelqu'un en première partie? Pas encore, ça s'est pas encore programmé. Eh ben, on en discute. Pas de soucis. Ah non, mais attends, c'est pas chaud. Hein. On t'appelle, Non, mais j'ai plusieurs jours, donc oui. Et l'électrochoc, ça se fait ou pas, en fait? Ah oui, alors, j'essaie de m'incruster aussi à l'électrochoc, vous savez, avec Virgin Radio. Oui. J'essaie de m'incruster à Bercy, vous savez, ça a changé de nom, mais je ne retiens jamais le nom de l'hôtel. Donc, hôtel Accor, Arena. Avec petit déjeuner, chambre 23, je ne retiens pas. Donc, Bercy pour tout le monde. Je crois que ça a l'air très bien parti pour que je mixe. C'est pas vrai. Pour que je mixe là-bas. Ça a l'air bon, bien parti. Je vous en parle dans un instant. En fait, c'est mal parti, mais dans ma tête, c'est bien parti. On revient dans deux minutes. Vous voulez assister à la plus grande soirée électro de France? Écoutez, une seule radio. Ah, j'y crois pas. Wow, Virgin Radio. Le 30 novembre. À Paris. Les plus grandes stars électro de Virgin Radio viennent faire la fête. Avec vous. À l'Accor Hotel Arena. Martin Solveig, Kooms,
Yaveneur, Feder, Félix Jean, Offenbach, Orlinski, Lost Frequencies. Il ne manque plus. Oh non, c'est pas vrai, je vous aime. Que vous. Ah, c'est trop bon. Envoyez un SMS au 7-12-13, code électro. 65 centimes plus coût des SMS. Et repartez avec vos places. Pour Electrochoc à l'Accor Hotel Arena. Electrochoc. La plus grande tournée électro gratuite de France. En partenariat avec Ibis. Aviva s'adresse à vous. Vous, pour qui les pauses déjeuner ne ressemblent ni à des pauses, ni à des déjeuners. Pour qui le week-end rappelle de plus en plus le reste de la semaine. Vous, les passionnés, que l'on n'attendra pas ce soir et qui n'aurez pas vu ce truc dont on vous parlera demain. Vous qui passez votre temps à courir et qui courez toujours après le temps. Vous, les chefs d'entreprise. Parce que chaque activité est différente, Aviva agit pour vous trouver la solution d'assurance qui vous correspond le mieux. Votre agent général Aviva est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Aviva ? La bonne idée. Il est triste, Jean. Triste de découvrir que ça y est, le prix de sa fibre a doublé. Eh oui, Jean, il y a des prix qui doublent au bout d'un an. Oui. Alors qu'en ce moment, chez Red, la fibre, c'est 10 euros. Et c'est comme ça, et pas autrement. Ah bon ? Sans engagement, sans mauvaise surprise pour ton portefeuille, et sans gluten. Non, non, vraiment. La fibre à très haut débit pour seulement 10 euros, c'est chez Red, et c'est maintenant. Oh, merci. Avec Red by SFR, vous profitez de la fibre à 10 euros par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients, valable jusqu'au 2 octobre. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49 euros. Détails sur Red. L'instant Darty. Je viens de voir la facture d'électricité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait tourner une machine ! Ah bon ? C'est le moment de changer. Jusqu'au 1er octobre, chez Darty, le lave-linge Hublot Indesit BWE 61-252 classe A2+, est au prix exceptionnel de 299 euros. Bonjour à tous. Cette semaine, avec Téléstar, ne manquez pas la collection de livres Les plus beaux villages de France. Ils sont authentiques, vrais, attachants. Redécouvrez leur charme et regardez leur beauté avec les yeux du cœur. Le volume 1 Provence-Alpes-Côte d'Azur est au prix exceptionnel de 90 centimes en plus de votre Téléstar. Regarde le look de cette Mini. Oh, c'est la nouvelle édition Blackfriars. Superbe les jantes. T'as vu le toit ouvrant panoramique? Et les phares à LED. Mais c'est Paul au volant. Je suis fan. De Paul? Mais non, de sa Mini. Salut les gars, vous en faites une tête. Décale-toi, on voit plus ta voiture. Mini Hatch, édition Blackfriars, 3 ou 5 portes, avec toit ouvrant, projecteur full LED, radar de recul, GPS, Bluetooth, à partir de 295 euros par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Blackfriars en LLD, valable jusqu'au 30 septembre 2017. Conditions sur mini.fr. Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50% en ticket Leclerc sur le paquet de 54 dosettes de café Senseo avec au choix classique, doux ou corsé. Une promo de dingue. Du 5 au 16 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de dosettes de café Senseo de 375 grammes est à 5,17€, soit 13,79€ le kilo, avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Virgin Radio présente. Hi, it's London Grammar on Virgin Radio. London Grammar. En France. Après un premier album certifié disque de platine, retrouvez le phénomène électropop pour une nouvelle tournée française. Le groupe anglais sera au Zénith de Lille le 19 novembre, aux Libertés de Rennes le 20, au Zénith de Strasbourg le 2 décembre, au Zénith de Paris le 3, au Zénith de Toulouse le 5 et à la Altène Garnier à Lyon le 6. Plus d'infos et réservations, point de vente habituel et sur virginradio.fr. London Grammar en concert en France avec Virgin Radio. Monsieur Antoine Griezmann en personne à Montmoreau, dans mon magasin Sport 2000. Tu vas te faire repérer, Antoine. Fais-toi petit. Oh, tu me chames sur ma taille ou quoi? Ah non, non, non. Te fatigue pas, si je suis là, c'est justement pour les petits. Pour voir si tu as aussi pensé au bébé. Bien sûr. On a pensé à tous les enfants avec notre sélection de marques pour la rentrée des classes. Et d'ailleurs, jusqu'au 24 septembre, chez Sport 2000, les achats textiles enfants sont remboursés à 50% en deux bons d'achat. Ah, ça c'est géant. Sport 2000. Ça match. Voir conditions.
conditions en magasin. Ah, toi aussi, tu lis le nouveau ? Alors, ça te plaît ? Trop ! Mais je suis restée scotchée, page 33. Ah ouais ? Attends, le prix du fauteuil Strandmon ? Je pouvais pas y croire. Fallait vraiment que je vois ça. Hein. Et alors ? Bah alors, j'ai craqué. Le nouveau catalogue IKEA 2018 est là, avec tous ses nouveaux prix baissés, comme le fauteuil Strandmon gris foncé à 249€ au lieu de 299. Rendez-vous vite en magasin et sur IKEA.fr ou téléchargez la nouvelle application catalogue pour découvrir toutes les nouveautés. IKEA ! Soche présente. Ah, mais c'est Sébastien Chabal ! Vous êtes là pour le match de rugby ? Ah non, moi c'est chez Bastien Chabal. Rien à voir, je suis là pour la promo Soche. Ah ouais ouais, vous voulez pas jouer avec moi ? Mais c'est même pas moi. Allô, tu refuses, comment il fait sa star ? Jusqu'au 18 septembre, le forfait 40Go est à 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€ par mois avec le code YOUPI. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses ? Rendez-vous sur Soche.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur Soche.fr. Soche ! Direction Dublin, ses parkings d'entreprise inoubliables, ses halls d'accueil typique, sans oublier ses ascenseurs, ses machines à café et ses imprimantes laser. Dublin, on y est bien. En voyage d'affaires, découvrez plus que des bureaux. Partez à Dublin et plus de 80 destinations à partir de 30€. Transavia. Partez, volez, souriez. Prix TTC au tarif basique, voire conditions sur le site. Espoir au 72021. Aura-t-il pris le temps de réfléchir ? Espoir, E-S-P-O-I-R au 72021. Nos experts vous diront si votre ex peut revenir. Peut-être vous aime-t-il toujours. Envoyez Espoir au 72021. 99 centimes plus prix du SMS DGP. Dimanche 15 octobre, Virgin Radio vous lance un défi. Sortez vos rollers du placard et inscrivez-vous à la première édition du Virgin Radio Paris Roller Marathon. Un marathon à roller plus facile et sympa qui partira au pied de la Tour Eiffel. Seul ou en relais à deux, vous aussi devenez marathonien à roller pour un parcours exceptionnel dans la plus belle ville du monde. Inscription sur parisrollermarathon.com. Le Virgin Radio Paris Roller Marathon. C'est le dimanche 15 octobre avec Virgin Radio. Virgin Radio à Paris. 103.5. Mardi soir, Koé fait son émission en public du Grand Studio. C'est pareil, mais en pire. Koé Slash en public de 18h à 21h sur Virgin Radio. Gardez vos applaudissements pour faire du bruit pour Issa Doumbia. Salut. Il y a Vianney, Arthus Cartman, Nawel Madani d'ici quelques minutes et plein de surprises. Je rappelle que nos camarades... Et Toyota. Ah, c'est notre ami Maxent. Je sais même plus Maxence. Comment l'appeler. Maxent. Toyota. Ouais, c'est celui qui fait les photos et qui fait, nous fait tout ça. Dans un instant, je rappelle quand même que le deuxième album de Vianney est quadruple disque de platine. Oh là là. Ça fait 400 000. Pas 400 000. Là, ça fait, c'est ça, non? Quadruple disque. 400 000.
je parle dans le truc. Ouais, oui, c'est, ouais. C'est pas parce que t'as 400 000, faut plus parler dans le micro. Attention. 400 000, c'est beaucoup. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Wow. Hein? Ça gagne bien. Hein. Ouais. C'est toi qui écris paroles et le musique? Le truc gênant. Ouais. Ah, en plus! Oh, c'est pas ça, c'est oh, non, oh là, bah, c'est lui qui invite tout le public à boire un verre ce soir. Ah, c'est sympa. Ça, c'est un mec. Viens, viens, viens. J'adore ça, c'est un mec. Mais hey, rentrez pas dans le truc, là, ça va pas ou quoi? Voilà, il a gagné beaucoup de sous, mais il est radin. Donc, en attendant, juste un truc, vous nous suivez en live sur Facebook Live. Tu me promets que tu me feras. Fais-moi même un Conakry. Ça fait longtemps que tu me l'as pas fait, Issa. Je t'en supplie, juste pour moi. Ouais, ça va, Chloé? Tu te rappelles quand je t'appelais Chloé? Ouais, j'aime bien. Tu vas bien, Chloé? Ah, j'aime bien. Ça va bien? Ah, j'aime bien. Ça va, ton papa? Ça va, tout le monde? Ça, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, ça va? Vous me manquez, maman. Ouais, ouais. Bien sûr, je vais te gifler aussi. Il va te gifler, il a dit là. Tu fais attention à ce qu'il t'a dit là. Sois sage, hein. Ah, ça c'est Tata là, Cameroun. Ah, dis. Je t'ai dit, me fais des bêtises du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir, il est là. Oh, Marie fait ci, oh, Marie fait ça. Il faut que tu lui donnes une correction là. Non, si tu gifles Chloé, je te gifle toi. Donc tu préfères gifler moi que Chloé? Oui. Et moi, je préfère gifler toi. On fait une nouvelle chanson, on mélange tout. Bon, en attendant, tout le monde est là. Dans un instant, on va se faire le titre en live. T'es prêt à le faire? Ouais, carrément. Voilà, le nouveau s'appelle Dumbo. Oui. D'accord, ouais. On se fera le en rapport à. On est d'accord? À l'éléphant. À l'éléphant. Bah oui. Yes. Bah, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Oui, oui. Il y en a qu'un, hein. Le prochain s'appelle l'anaconda. Alors, c'est le moment d'en parler. J'ai installé un truc qui s'appelle la cagnotte à coco. Le principe de la cagnotte à coco, c'est simple. Chaque personne qui dit un mot de trop, une mauvaise vanne, ouais, met 10 euros dans la cagnotte à coco pour le donner dans 3 semaines à un auditeur. On est déjà quasiment à 300 euros. Ça commence quand? Ça aurait dû commencer. M'en bats les couilles, m'en bats les couilles, m'en bats les couilles, m'en bats les couilles. Et bim. Non mais je dis tout de suite, comme ça après. Bah ça te fait 30 euros là. Non, non, mais non, justement. À partir de maintenant. Ah, c'est à partir de maintenant. La blague limite, le mot de trop, le machin, 10 euros. Ça okay. Y est, maintenant je peux plus dire. Voilà, tu ne peux plus rien dire. D'accord? T'es prêt? Tu te mets en position? Ouais. Voilà, attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Trop de vannes? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est deux putes. Non, 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 tu ne les pas. Je les mets dedans pour un auditeur, mais tu dis rien. Mais il a payé. J'ai mis 10 balles, oh! Il a mis 10 balles! Je paye, j'ai droit de faire ma blague! Donc, prix ou paye? Eh bien, je vous les rends! Non, il a mis 10 balles! Je fais ma blague sur les putes! Il a mis 10 balles! Il est fou! Tiens, c'est deux clodos qui sont en train de fumer. Non, non! Je prends les 10 euros, mais vous la fermez! Donne-moi les 10 euros! Alors, elle me fait pas de problème la première semaine, non, les gars! Et arrête de rire comme un con, toi! Bon, ça va, on peut rire un peu! Ça vous dérange pas s'il y a M. Vianney qui se met en live? Voilà, mettez-vous en position, M. Vianney, on se fait Dumbo? Si la chanson est pas bonne, tu mets 10 balles, hein. T'es con. T'es prêt? T'es en place? Hey, attends, est-ce que tu peux me faire plaisir avant? Vu qu'MC Solar devait venir et qu'on s'était tous ambiancés, mais qu'il a un petit souci, je sais que c'est très gênant de demander ça à un artiste, mais si je te file 10 balles, tu peux me faire Caroline? Non! Merci. Ah putain, le mec, il s'est gavé, il est franc! Il est franc! Il les rend! Quadruple disque d'or. Regardez. Et après, on fera Dumbo, mais un petit bout de Caroline pour me faire plaisir. Ah, mais attention, un petit bout de Caroline. J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants overdose. De tout service, joue comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Mais à la suite, une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tiens nos billes, tiens nos débits, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repensais à nous, à nos cornets vanille. À sa boulimie de fraises, de framboises, du myrtille. À ses délires futiles, à son style. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Claude, je siffle le microphone dans leur tour, il raille dans le fil. Je veux parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vie. Ta mine, elle était ma drogue, ma dos, ma coke, mon crack. Mon amphétamine, Caroline. Oh, c'est ouf. Bon, salut, et mon frère. Oh là ça là. Y est, tu t'es chauffé, la guitare est prête. Ouais. C'est vrai. Non mais tu vois, ça va être un peu chelou. Tu vois pourquoi il mérite ces 400 000, ces disques d'or, de platine. Eh bien, je vous demande. Déchire ce mec. Voici pour nous en cadeau ce soir. On se fera l'autre titre tout à l'heure. Voici Dumbo, le nouveau titre de Vianney, l'homme quadruple platine.
Virgin Radio, Vianney en live. Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder quand elle attendait gentiment que je vienne au monde. Je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foi dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Les plus bruyants, les plus coucous, je suis là, ne sont pas les plus aimants. Enfin, ça dépend, je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Oh 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 oh. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Vianney qui est avec nous. Tout à l'heure, on aura un autre titre en cadeau de Vianney d'ici quelques minutes. C'est bien, non? Bah ouais. Il est génial, ce mec. Oui, bah, je dis, il les mérite, ces 400 000. Il les mérite. Oui. C'est un vrai kiff. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Tu fais déjà, je te jure, tu fais l'hélicoptère depuis tout à l'heure, je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Pub? Non, ça va, on est là, on est entre nous. Ah, si, tiens, pub pour le spectacle d'Artus. Voilà, vas-y. Ah. Les dates. À partir du 27 septembre, 27 oui. septembre, à la, 27 au septembre. Palais des Glaces, oui. Palais des Glaces, les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, samedi, avec deux séances le samedi en première partie, Vianney, gratuit pour les filles avant minuit. Et du 24 au 28 janvier, vous allez retrouver celui qui est également notre invité, puisqu'il y a Issa Doumbia qui Issa. Sera du 24 au 28 janvier, Issa Doumbia, Doumbia. À la Cigala, Cigala, à Paris, avec Paris. En première partie, Coé. Ah ouais, c'est acté donc. Ah, c'est pas acté. Je veux dire, le principal intéressé, notamment, il l'a pas acté. Hein. Moi, j'ai encore rien dit. J'ai putain, mais rien... comment tu te la racontes? Mais non, c'est pas je me la raconte. C'est pas ma c'est ma production qui gère tout ça, c'est pas moi. T'as un numéro, on peut les appeler? Oui, bien sûr. Madame, tu sais, tu connais la maison, on va les appeler tout de suite. Hein. Attends, mais pourquoi Il s'appelle Arthur. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oh, bah, s'il y en a bien qui va te dire oui tout de suite, c'est Arthur. Hein. Ouais. Alors ça, avec les liens d'amitié qui nous unissent depuis tant d'années, je pense qu'il va dire oui. J'ai même pas besoin t'as de lui demander. T'as un Bourville, tu le fais bien. J'ai même... c'est bluffant. Écoutez-moi, monsieur Jérémy, pas de vanne. On en parle dans un instant. Tu bouges pas, vous restez là avec nous. Dans un instant également. Jusqu'à non, quelle heure? Comment? Jusqu'à quelle heure? T'es libre jusqu'à quelle heure? Faut que je rentre chez moi à un moment. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que t'as prévu chez toi? Je vais voir ma femme. T'as une femme? Oh. Bah ouais. Elle est très belle en plus, je la connais. Madame Doumbia? Ouais. Ah, mais il a changé alors. Partez à Montréal. Oh my God. Imagine Dragons. This is Dan from Imagine Dragons. Écoutez Camille Combal de 7h à 10h toute la semaine. Décoller à deux direction Montréal, applaudir Imagine Dragons sur scène. Et gagner votre MacBook Air. We are Imagine Dragons. The song is called Radioactive. Les meilleurs concerts se gagnent sur Virgin Radio. Soch présente. Hé, hey, mais c'est Miss France! Vous êtes là pour le bal de promo? Ah non, moi c'est Miss Franche. Et je suis là pour la promo Soch. Ah, d'accord! Ça veut dire que t'aimes pas les balles? Bah si,
mais je préfère les promos. Pourquoi pas? Jusqu'au 18 septembre, le forfait 40 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, au lieu de 24,99€ par mois, avec le code YOUPI. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rendez-vous sur soche.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soche.fr. Il est triste, Jean. Triste de découvrir que ça y est, le prix de sa fibre a doublé. Eh oui, Jean, il y a des prix qui doublent au bout d'un an. Oui. Alors qu'en ce moment, chez Red, la fibre, c'est 10€. Et c'est comme ça et pas autrement. Ah bon? Sans engagement, sans mauvaise surprise pour ton portefeuille et sans gluten. Non, non, vraiment. La fibre à très haut débit pour seulement 10€. C'est chez Red et c'est maintenant. Oh, merci. Avec Red by SFR, vous profitez de la fibre à 10€ par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients, valable jusqu'au 2 octobre. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49€. Détails sur redbysfr.fr. Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, un pack de Vittel acheté, un pack offert. Là, mon père est super content. Ah bah carrément, un pack de Vittel acheté, un pack offert. J'adore cette promo. Je confirme, il est super content. Du 5 au 16 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour un pack de 6 bouteilles d'un litre et demi d'eau minérale naturelle Vittel acheté, le deuxième est offert. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Les grandes marques sont au meilleur prix chez Leclerc. Et voilà. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Alors, pour le menu essentiel à 19,90€, on fait quoi? En entrée, la chaîne Canal+, avec plus de 200 films récents par an, accompagnés de plein de films inédits. Ensuite, un panel de 20 nouvelles séries et créations originales par an. Et pour finir, les grands matchs de Ligue 1 Conforama et de l'UEFA Champions League, le top 14 et les grands prix de Formule 1. Tout ça dans 19,90€? Oui, chef! Avec l'offre essentielle, profitez de Canal+, avec le meilleur du cinéma, des séries et du sport, pour 19,90€ par mois seulement, sans engagement, et sur tous vos écrans mobiles, avec MyCanal. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr, offre soumise à condition. Antoine Griezmann dans mon magasin Sport 2000 de Nîmes. Mais tu vas créer une émeute, Antoine. Arrête, ici la seule star que je vois, c'est toi. Oui, enfin moi, on m'a encore jamais appelé en sélection. Tu fais mieux, c'est toi qui sélectionnes et à chaque fois tu cartonnes. C'est vrai qu'on a fait fort à notre sélection de marques pour la rentrée des clubs. Par exemple, jusqu'au 24 septembre, chez Sport 2000, les chaussures de foot Nike Mercurial Junior sont à 29,95€ au lieu de 45, soit 33% de remise. Oh, mamma mia. Sport 2000. Ça match. Voir conditions en magasin. Cette semaine, scoop public, Jennifer et Ambroise, la demande en mariage. Aussi, M. Pokora et Christina Milian, une vraie histoire de sexe. Et en plus, cette semaine, public, un numéro spécial mode grand format, avec plus de 16 pages sur toutes les nouvelles tendances de la rentrée. Public, actuellement en kiosque. Regarde le look de cette Mini. Oh, c'est la nouvelle édition Blackfriars. Superbe, les gens. T'as vu le toit ouvrant panoramique? Et les phares à LED. Mais c'est Paul au volant. Je suis fan. De Paul? Mais non, de sa Mini. Salut les gars, vous en faites une tête. Décale-toi, on voit plus ta voiture. Mini Hatch, édition Blackfriars, 3 ou 5 portes, avec toit ouvrant, projecteur full LED, radar de recul, GPS, Bluetooth, à partir de 295€ par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Blackfriars en LLD, valable jusqu'au 30 septembre 2017. Conditions sur mini.fr. Secret Story est de retour. La voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux habitants. La maison se transforme en campus des secrets. Mais surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, du lundi au vendredi et chaque jeudi à 21h sur NT1. Aviva s'adresse à vous. Ceux du matin, levés à 4h, ouverts à 7, 7 jours sur 7. À ceux du soir, qui servent les couches tard. À vous, dont le travail, ce sont les vacances. Et à vous, les passionnés, phobiques du rideau fermé, même les jours fériés. Vous, les pros. Parce que créer ou développer son activité prend du temps, Aviva agit pour que s'assurer en prenne moins. Retrouvez toutes nos solutions d'assurance dédiées aux professionnels sur aviva.fr. Aviva, la bonne idée. Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, on fête le grand retour de Nawal Leroy avec son nouvel album « J'aime ». Du 5 au 16 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le nouvel album de Nolwenn Leroy, J'aime, est à 14,99€. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Virgin Radio à Paris. 103.5. Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Depuis le 22 juillet, vous avez été plusieurs milliers à participer à notre opération Ligne ouverte SNCF. Alors merci à vous tous qui avez partagé vos priorités, vos attentes et vos idées. Votre participation est essentielle car c'est ensemble que nous voulons construire la SNCF de demain.
Vous aussi, donnez votre avis. Rendez-vous spécial le 7 septembre dans vos gares d'Île-de-France et jusqu'au 15 septembre sur ligneouverte.sncf.com. SNCF, rapprochons-nous. Coé, en live et en public. Déjà que la semaine, c'est le bordel. Là, je vous laisse imaginer. Coé Slash, en public, tous les mardis de 18h à 21h sur Virgin Radio. Tous les mardis en public avec des surprises depuis de vendredi. De mardi en mardi, Vianney, notre invité Arthus est là. Il y a Cartman qui est notre invité aussi, ça me fait très plaisir. Il y a Issa Doumbia qui est là. Il y aura Nawel Madani dans quelques minutes. Il y a M6 Solar qui nous écoute de la maison. Est-ce qu'on a des nouvelles d'M6 Solar? Est-ce que quelqu'un. Je crois que Solar pleure là. Oui. Oh, tu peux reprendre 5 euros. C'est que c'est beau ce que tu viens de dire. Tu le reprends, tu le reprends. Non, ça c'est une vanne. Vous avez mis des sous tout à l'heure dedans? Ah, bien sûr. Oui. Moi j'ai mis 10 balles. Ouais, mais il y a eu du trafic, ça s'est reparti. Non, j'ai tout gardé. Jamais pu finir. J'ai donné 10 euros à Vianney qui les a gentiment rendus. Des réactions, plein de réactions sur le Facebook Live puisque vous nous voyez en même temps de chez vous. On vous fait un coucou sur le Facebook Live en même temps que vous nous écoutez sur Virgin Radio. Et juste un truc, le public, il y aura aussi peut-être une petite surprise tout à l'heure, mais je ne peux rien vous annoncer. Je garde tout ça pour moi. Oui, alors quelles sont vos réactions? Partout dans le monde. C'est Australie, Canada, Algérie, Abidjan, Asie, États-Unis. On a des bisous de partout dans le monde grâce au Facebook Live. C'est marrant, ce manque de charisme quand tu parles, c'est ouf. Ouais. T'imagines, c'est terrible. Pourquoi il y avait de l'annonce, quoi. Mec, c'est riche, mec, t'annonces un truc, le monde entier nous écoute, et ça fait. Les étoiles là. Insolence. Il y a de l'insolence. On l'a répartie de ouf. Miroir, tout ce que tu dis, ça revient contre toi, mon gars. Première consultation, le spectacle d'Issa Doumbia que vous irez voir et que vous irez voir du côté de la Cigale à Paris. Alors, refais une petite intervention quand même, merde. Non, c'est une dernière. Ça, c'est vrai. Guillaume, un dernier mot. Ouais, mais c'est toi, là. Attends, Si vous courriez sur le retour de la méthode Coyote aussi. Petit revival, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Mais quel commentaire? Alors, on a Xander qui s'en fout, dit... on s'en fout. Ça va aussi. Décide-toi au bout d'un moment, Jeff. Ça m'aurait pas plu. Bienvenue au Rap Contenders. Il est là. Putain, on a passé un cran, les gars. Invaincu. Allez, Vianney, à toi. C'est con. Première consultation, le spectacle d'Issa Doumbia. Attention, Issa, test de rapidité. Je vais te donner des maladies, tu me dis si elles existent ou pas, puisque première consultation, évidemment, tu vas pas y couper. Un syndrome qui fait que lorsqu'un malade éclate de rire, il s'évanouit. Est-ce que ça existe ou pas? Ça existe. Ça existe. Ça s'appelle, vous verrez, ça s'appelle la syncope du rire spasmodique. Non. Ça existe, c'est ça la différence. Notre émission maintenant sur Virgin Radio, on apprend des choses. C'est beau, hein. Eh oui. Attention, une maladie qui se caractérise par le fait que lorsque les patients transpirent, ils sentent le poisson pourri. Ça existe ou pas? Ouais. Yannet? Sérieux? Ouais. Il y a une petite fille, j'avais vu un reportage sur une petite fille comme ça, la peau. Non, mais je te jure. Mais il a raison. Pas de vanne, pas de rigolade. Si. J'ai travaillé beaucoup avec Jeff et ça existe, non, ça s'appelle la triméthylaminurie. Oh là. Tu connais le nom de ta maladie maintenant. Ouais, c'est gentil, tu le sens mieux. Un état qui fait que les gens peuvent devenir fous dès qu'ils sont dans un embouteillage en voiture à Paris. Oh, oui, c'est dans le centre. Ça s'appelle la Parisienne. Voilà. Aninalgotit. Non, ça n'existe pas. Un trouble du langage qui fait que les malades inventent des mots qui n'existent pas sans s'en rendre compte. Ouais. Ça peut être possible. C'est moi, je dis vrai. Genre, carbonatite. Dis donc, espèce de armoirure. Ragout. C'est une évangélique. C'est ce qu'il a, le mec Facebook, c'est ce qu'il a, non? Ça existe vraiment, ça s'appelle la jargoaphasie. Une maladie qui fait grossir le sexe des hommes. Est-ce que ça existe vraiment? Ça existe. Non. Ça s'appelle un film de boule. Ça s'appelle la Nissa Kate. Non, évidemment. À part ça, ça n'existe pas. Un syndrome qui touche les touristes japonais qui idéalisent tellement Paris et son romantisme qu'ils deviennent dépressifs et anxieux quand ils viennent nous visiter. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Et ils se suicident même. Et ça s'appelle le syndrome de Paris. Vraiment, c'est vrai. Il y a les mecs qui trouvent que Paris est tellement génial, ils en rêvent et quand ils arrivent, Non, mais pas que ça. Ils se font les vols à l'arraché et tout ça. Donc, du coup, après, ils dépriment. Bravo, monsieur Doumbia. On continue. Une maladie qui pousse les patients à manger leurs cheveux. Une femme a même été opérée parce qu'elle avait 1 kilo de cheveux dans l'estomac. Si, c'est vrai, existe ça. C'est ce qui m'est arrivé. À Koé aussi. Je crois qu'on était à la même soirée. Oui, ça s'appelle le syndrome de réponse. Ouais.
Il y a pas de vanne, il y a pas de vanne. Si, par rapport à la princesse. Bah oui, il y a pas de vanne par rapport à la princesse. Un syndrome qui pousse les patients à manger leur crotte de nez. Non. Non, ça existe pas. C'est un tic, un tic. C'est pas une maladie, Marie. Ça existe. Ouais. Ça existe. Eh ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Vous avez remarqué qu'on a changé les gens. Pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, on a mis, on va dire, trois costauds côte à côte. Oh là là. Puisque Issa doit nous quitter dans quelques minutes. Artus reste, évidemment. Nawel Madani sera là tout à l'heure. Nous aurons encore une chanson avant 20h de Vianney. Mais nous avons dit, puisque nous avons trois bonhommes, des vrais, Cartman, c'est un petit peu... Viens avec moi, mon Cartman. Viens avec moi, t'es une crevette. Viens, viens sur le genou et ton coco. Oui, avec plaisir. Viens là. Nous avons Artus. Nous avons Jeff. Oui. Et nous avons Issa. Oui. Voici. Ne me faites pas bouffer des trucs, hein. Non, je me mets derrière toi, ça me fait bizarre. Ah bon? C'est vrai que t'as jamais été sur mes genoux. Non, ça me fait bizarre. Après toutes ces années de collaboration, tu n'as jamais. J'ai jamais même touché ta peau. Ouais, ni mon sexe. Non, c'est rien. Vrai. Ah, rien du tout. Levez bien la tête, sinon les gens voient juste une paire de couilles. Levez bien la tête. Vraiment. Eh, hey, te moque pas des cheveux, mec. Vraiment. Je te jure. Pas les cheveux, pas les. Pas tout ça. Pas tout ça. Avec le pubis, là. C'est la barbe, ça fait pubis. Le pire, c'est que ça me fait rire. Comment? Il est bon de. Non, il est con. Il est con. Vianney, ne ris pas, ça. Non, c'est vrai que c'était limite. Non, mais voilà, merci. Merci. C'est pas bien contre les gens chauds. Je disais, voici. C'est pas bien contre les gens chauds. Mais maintenant qu'on a l'image dans le trou, c'est horrible. Non, on est costaud, il a dit. Fais ta chronique pour les gros, vas-y. Connard. Voici le duel de Jean Costaud. Vous n'entendrez jamais le mot gros dans ma bouche. Costaud. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Tout à fait. Issa, est-ce que tu es prêt? Tout dépend de ce que tu veux nous faire faire. Jeff, est-ce que tu es prêt? Ah, je suis costaud, je suis prêt. Artus, est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Jeff, t'es mon champion, t'as putain intérêt à gagner si tu veux rester la semaine prochaine. Amenez les verres. Ah. Le plus... Allez, pause. Allez, oh là, mais pas là, là. Ah non, 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 mais me fais pas boire des trucs bizarres. Hein. C'est pas de l'alcool. Bizarre. C'est de l'alcool? Non. Le plus rapide des trois à boire trois shooters d'huile essentielle de basilic. Ah, ah bah ce sera deux par personne. Hein, deux. Le plus. Oui, ce sera quoi, deux. Quoi le plus rapide des trois à boire deux shots d'huile essentielle. Il n'y a pas d'alcool. Ça sert à quoi de l'huile essentielle? Mais comme ça, tu sentiras bon tes intestins. Voilà, ce non, sera mais bien. C'est quoi les effets c'est de ce qu'ils mettent dans le Febreze. C'est après que tu manges tes pâtes, ça fait des pâtes au pesto. C'est ce qu'ils mettent dans les bougies qui sentent bon. C'est, oui, c'est bon pour la santé. Mais c'est si pas ça mauvais. Se met dans les bougies, c'est pas. Non, ça se mange, ça se mange. Mais c'est ça se mange, les huiles essentielles, bien sûr. Ils font des pâtes aux huiles essentielles. Ça pue. Pourquoi ça pue, mais ça se mange. On les fait cramer chez nous, on les bouffe pas. On n'est pas là pour négocier pendant une heure. Merde. On est là pour savoir lequel des trois est le meilleur. Bah aucun. Voilà. On est costaud, mais on est un peu fragile. Et on... Pardon. Et on a planté ton jeu. Le but du jeu, c'est de niquer mon jeu. Non, on va les niquer. Artus. Mais en quoi le fait d'être gros fait que tu bois ça plus vite? Mais c'est une compète, putain, mais c'est une compète, ça n'a rien à voir, Cartman et moi. Non, alors, là, non en fait, il sous-entendrait pas que vous étiez gros, comme il disait que vous étiez costaud, vous êtes censé être un peu téméraire. Donc il dit téméraire, ben là, dit un petit concours, là, voilà. Là. Donc là, c'est le meilleur. Vas-y. Attention, vas-y. Oh là là. Le plus fort des trois. Ah oh putain, il va, Artus. Oh non, il va pas, non, il va pas, il va nous faire une fin. Issa, petit joueur. Issa, petit joueur. Il a mis de l'eau, Issa. Qui va y arriver en premier? Attends. On va tous poser les verres. Tu vas négocier pendant une heure ou quoi? Pose les verres parce qu'il y en a, ils sont déjà comme ça, il y en a, ils sont là. Bon, pose ton verre. Pose, enlève la main. Main sur la tête. Eh, tu veux pas qu'il rentre chez lui aussi? Attention. Vous m'avez saoulé. Mais j'ai perdu. Est-ce qu'on vous a dit que ça filait la chienne? Ouais, on vous l'a dit ou pas? Ah ben j'espérais. Mais ça fait des caca basilic. Le plus rapide des trois. C'est pas basilic. Si, c'est du basilic, non? Bah il a pas vu du basilic depuis longtemps celui-là. Le plus rapide des trois. C'est pas bon? C'est pas bon à ce moment-là. Attends, fais voir. C'est voir. Mignon quand t'éternues. Ah putain, il a la truffe chaude. On dirait un petit chat. Fais gaffe, on est sur Facebook Live, tu vas nous sortir un business tout à l'heure. Attention, le plus rapide des trois. À faire quoi? Il y a d'autres trucs? Ouais. Oh putain. Amenez les noix. Le plus rapide des trois. Non, personne ne rentre de noix. Non, il n'y a pas de. Ah merde, j'étais prêt, putain. À casser des noix avec son front.
Ah ouais. Oh là là. Oh, mais lui, mais il est... Ou une partie de son corps. Mais moi, tu me connais pas, hein, je peux finir tu en peux sang. Le faire, non, mais c'est avec le front. C'est avec le front, avec le front. Ah non, Issa forfait. Issa forfait. Mais pas avec le front, mais vous êtes. Mais si. Issa forfait. Attends, 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 attends. Il y a une compète là, il y a une compète. Oh là là. Attendez, les mecs, ils ont mis les noix sur la table. Conseil, vous ne trompez pas de côté. Est-ce que je peux donner un truc? Cette table, j'y tiens, c'est la première fois qu'on utilise ce studio. Donc t'as voulu qu'on joue, maintenant on va jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Stouff qui me dit les trois en même temps, vous allez péter la table, c'est pas faux. C'est on, pas faux. On s'en bat les couilles, c'est pas nous le budget. Mais non. Non, pas avec la main, pas avec non, la pas main. Avec la main, pas avec la main, pas avec la main. Pas, problème. Pas avec la main, avec la main c'est trop facile. On l'est pété, non c'est trop facile avec la main. Facile avec la main. Trop facile. Non. Attention, non, je ne validerai que le front. C'est comme le Guinness Book des records. Je ne validerai on que le front. Le moi je vais mettre des patates dedans. Attention. 3. Bon, moi j'ai déjà cassé mon fauteuil, je sais pas. C'est vraiment de la merde. Un bout de fauteuil. Si il y a quelqu'un qui cherche la couloir du fauteuil, il est sous la table. Allez. 3, 2, 1, go. Artus, c'est Artus. Et Jeff, il arrive toujours pas. Jeff, il continue. Putain, Jeff, je crois qu'il a pas pété la noix. Il a pas pété la noix, par contre, il s'est pété le front. Jeff, je crois qu'on va te rendre à tes parents avec une marque sur le front. Reste. Allez, maintenant on casse des verres. Non, non, c'est bon, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous demanderai d'aller voir mon camarade Issa Doumbia, les restes des autres restent avec nous, qui est en tournée dans toute la France et qui sera à la cigale du 24 au 28 janvier. Salut tout le monde. Bisous mon ami. Je vais t'embrasser. À bientôt. Dans un instant, on va finir avec. Allez, on va finir juste avant 20h. On va se faire le titre de Vianney. À bientôt mon. Ouais. Salut. C'est vrai que les deux quand même, ils saignent du fond. Qu'on fait, on écoute un truc. Là, on va se faire Vianney en live. Ça, les gars, vous êtes fracassés le front. C'est ils se sont fracassés le front. C'est génial. Non, ça y était déjà ça. Oh merde, je suis désolé. Mais le basilic, ça cicatrice, vous inquiétez pas. Ça qui est super, c'est que c'est lui qui vous a fait péter des noix sur la table et après il fait oh dis donc, ils se sont fait mal au front. Ils saignent. On a fait du rugby toi aussi. Mais oui, dans quelques minutes. Je crois qu'on a pas saigné du front. Oh, mais ouais, désolé les mecs. Dans quelques minutes, il y aura Nawel Madani qui sera notre invité. Moi je ne la connais pas. Vous la connaissez déjà? Oui, moi j'ai fait une série avec elle. C'est que une web série qui s'appelle Couscous c'est nous. C'est très bien. Elle est très jolie en vrai aussi. Oui. Ah, je la connais pas. Ça va être une première. Elle est très belle. Je ne la connais pas. Je crois que. Elle est très belle. Elle est gentille. C'est vrai. Elle est gentille ou pas? Elle est très gentille. Et elle est très belle. D'accord. Bon, ok. Vous avez vu, faut toujours faire une bonne impression. Vous allez être bien les mecs avec vos deux marques sur le front. C'est crédible. Attendez, excusez-moi. Vous comptez bouffer des noix pendant oui, toute l'émission? Il y a rien à bouffer. Frère, on s'est ouvert le front. On va aller bouffer tes noix quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'attends que tu lances la pub pour partir. Mais fais ça bien. J'ai pas de pub avant 25 minutes. Ah d'accord, bah, je me barre. Mais putain, mais ta meuf, elle te tient comme ça, quoi. Elle t'a dit, c'est qui le patron? Tu rentres à la maison. Eh, faut que t'arrêtes de faire tout ce qu'on me dit, hein. Moi, on me dit de pète des. Bon, pas un bon exemple. Ta meuf, elle t'a dit, rentre à la maison, tu rentres à la maison. Non, ma meuf m'a rien dit, c'est juste qu'elle me manque. Oh. Eh bien, ça mérite de partir sous des applaudissements. Pars par là. Ah, un beau mensonge. Vas-y, vas-y. Enfin, cette émission, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Kartos, est-ce que tu te souviens de la chanson qu'on avait fait ensemble, Façon Sexe? Attends, ça c'était une parodie des... Il y en a qui s'en souviennent. Non, ça c'était le vrai titre, ça. Non, ouais. Non. Des Tribal King. On rigue tous. C'est ça? Non. La ville, hein. Non, il y avait ça. Attendez, elle est où notre chanson? Elle est là-dedans? Ouais. C'est nous, ça? Non, c'est celle-là. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original, ouais. L'original, c'était ça. Elle est où, la nôtre? C'est bien de la merde. C'est l'original. Mais le mec il l'a refait vendredi soir à la télé. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait? Il a failli rentrer dans Secret Story. Tribal King. Et nous on avait fait une version qui s'appelait Trout Battle King. Oui. Oh, on avait de l'imagination à l'époque. Hein. Et on avait fait hey mec, je me tape ton ex. Exactement. Ah oui. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette chanson? On l'a même pas retrouvée. On l'a même pas en son de hey mec, je me tape ton ex, on l'a pas? Si, mais si, elle est partout sur YouTube. Bah, excusez-moi, elle est partout sur YouTube, mais elle est pas partout sur mon ordinateur, par contre. Merde. On l'a pas? Il faudrait bah, qu'on... si, normalement si, on doit l'a. Mais bah, non. Sinon, vous refaites-la en live, sinon, à ce moment-là. On a les paroles. Moi, je me souviens de rien. De même pas de la mélodie. Moi, je me souviens des paroles, il va peut-être falloir biper quelques trucs. Est-ce que t'as le refrain? Fais voir le refrain, voir si ça passe toujours. Fais voir le refrain. Attendez, ouais, on va s'en mettre l'original. Et nous, qu'est-ce qu'on avait fait comme connerie? Attends, viens voir, c'est ici. Faites-moi voir. Et nous, on avait fait quoi? On avait fait... Attends, bouge pas. J'ai même en plus, vous la chantiez tous les deux pour le coup. Attends, je sais. Oui, aussi. Oui, gars, je me tape ton ex.
avec elle je fais du sexe sans complexe. Oh yeah. Oh yeah. On avait des idées, hein. Grim riche. Attends, on va essayer. T'es prêt? Ouais. 3, 4. Oui, gars, je me tape ton ex. Avec elle, je fais du sexe sans complexe. Ah oui, c'est vrai. Oh ouais. Je sais que ça te fout les boules quand elle frotte son joli boule sur mon. C'est bon. Et oui, il fut un temps où on pouvait faire des rimes avec le mot sexe. Oui, et boule aussi. Et maintenant, on ne peut plus. C'est un truc. C'est interdit fou, maintenant. Hein. Et on peut plus. Même genre... si on fout 10€ dans le. Même. Ah, à 10€, vous pouvez la rechanter. J'ai 10€ ou pas? T'as 10€? Je te les annonce. Sinon, je les mets, hein, je m'en fous, moi. Attends, j'ai 10€. T'as 20€, on reprend la monnaie. Attends, je sais pas. Non, je vais mettre 10€ parce que les mecs de la compta, ils vont pas calculer. Je mets 10€, voilà, comme ça, je peux la faire avec la version sexe. On y va, qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Tu vas me faire mes mains ou la parole toute la soirée, putain. Tu me fais l'hélicoptère, tu me fais la guitare, ça va. Pourquoi tu fais la guitare? Tu m'as enlevé les bacs, donc je peux plus te parler en talkback. Le truc qui intéresse personne. Je peux pas te parler en talkback parce que t'es hors fenêtre au niveau du timing, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bah Vianney doit chanter parce qu'après il doit partir. Ah. Voilà. Ouais, tu voulais que je chante ce truc là. Non, attends. Ah, ça peut être drôle. Déjà ce chef-d'œuvre. Ça n'a pas 10€ ou pas? Ça n'a peut-être pas fait 400 000 ventes, mais c'est un chef-d'œuvre. Mais sur YouTube, la vidéo avec sans le clip, juste les paroles, à 8 millions de vues. La note de trop de balles qui... sans le clip, hein. J'ai des paroles qui défilent. J'ai pas touché de thunes. Non, c'est normal, j'en parlerai, c'était sur tes contrats, mais c'était autre chose. Vianney, t'as quoi de prévu après? Parce que moi j'aime bien savoir pourquoi les invités s'en vont. T'as quoi de prévu après? J'ai un concert ce soir. Est-ce que c'est vraiment important? Excuse. Je te jure. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tu veux que j'appelle pour dire que tu ne viens pas? Non. C'est quoi comme concert? À l'Alhambra. Bon, ouais, quoi c'est avec quoi? C'est quoi ce concert? C'est pour une autre radio. C'est quelle radio? C'est MFM. Mais je les connais, je vais leur dire que tu viens pas. Non, mais les gens, je vais y aller pour les gens. C'est pas sympa ça, je vais y aller pour les gens, radio. Non, je m'en fous. La radio. Mais non, tu seras à l'heure. À quelle heure il est le spectacle? Je sais pas, ça par contre. Ouais, ça, je... Il y a une heure. Je sais pas si c'est aujourd'hui. On sait à quelle heure il doit être sur scène? On sait ou pas? Et on sait si Solar il chantait avant ou pas? Il est peut-être là-bas en fait. Bon, on a payé 10€, on peut le faire en entier. T'es prêt? T'as les paroles? Ok. Attention, 3, 4. Oui, gars, je me tape ton ex. Avec elle, je fais du sexe sans complexe. Là, je disais, ouais, des capotes au courant. Oh, ouais. Je sais que ça te fout les boules quand elle frotte son joli boule sur mon sexe. Oh ouais. Et oui, à l'époque on pouvait le faire, monsieur. Monsieur Vianney, ready pour la dernière chanson? Je passe après ça. Allez, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas une transition de ouf, mais on a pas trouvé mieux. Tu te mets en place. Laquelle on se fait? Allez, on peut demander ce qu'on veut à Vianney. Laquelle on fait? Le douanier Rousseau. Remarque, comme c'est la dernière chanson, on pourrait faire Je m'en vais. Oui. Ah bah oui. Non, parce qu'après il a un concert. C'est vrai, c'est raccord. Et il part en chantant. Il faudrait que tu puisses caler Je m'en vais à l'Alhambra pour un concert avec une autre radio. Est-ce que t'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. On sait à quelle heure il joue sur scène là-bas ou pas? Non. 21h, t'es large. L'Alhambra, c'est à. Ça commence jamais à l'heure. Ça commence jamais à l'heure. Il est 17h, t'es large. Non, puis attends, non. Ça va, t'as le temps. Tu me dis quand t'es prêt, moi je te laisse. Parce que je sais pas quand t'es. Je suis prêt, j'y vais. En fait. Ah non, parce que je croyais que tu meublais. T'es prêt? Sûr? Attends. Attends, coupez-le. Mais non. Mais j'ai pas fait applaudir. Faut qu'il te présente. Mais prépare pas comme ça, toi. Enfin, le commissaire de course, il va arriver avec un concert. Mais je vais te faire un mot. Attends, bouge pas, je te fais un mot. Je sous-signais Sébastien Coé. Vianney a du retard au concert à l'Alhambra. Parce qu'il a raté son bus. Son Vélib, parce qu'il vient en Vélib. Voilà. Faites du bruit pour Vianney. Trop qu'aimer, cliquer mes claques contre des claques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Ou ma route, ou ma plaine. Dieu que je l'aime. Tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête.
Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne d'eau et l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, oh Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable, toi et tes apôtres. Je m'en vais. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable, toi et tes apôtres. Je m'en vais. Je m'en vais. Vianney qui s'en va parce qu'il a concert. Voilà, c'est bien de terminer par une chanson qui s'appelle Je m'en vais. J'aime bien cette histoire. Merci monsieur Vianney. Merci c'était beaucoup à tous. Non, c'était cool. C'était un kiff, un gros merde pour ce soir. Et ouais, je voudrais merci. Que tout le monde se lève parce que là ça fait un peu bibliothèque machin. Allô. Tout le monde se lève pour applaudir Vianney parce que je kiffe ce garçon. Et il le mérite, bravo. Alors là, 400 000. Attends, restez debout, restez debout, restez debout, restez debout, parce que Vianney s'en va, mais une très belle demoiselle va arriver. Parce que comme ça, tant qu'on est debout, c'est bien, ça fait bien pour applaudir tout le monde. C'est vrai, non? Ouais, faites vrai. Du bruit pour Nawal Madani. Je demande Nawal Madani, s'il vous plaît. Il faut tenir, il faut tenir. Mais ils sont en train de discuter. Ah, quand même. Ça discutait, ça faisait des photos avec Vianney. Je refais un bisou. Ça va, bienvenue, j'ai fait un bisou il y a deux minutes là hors antenne parce que je ne la connaissais pas. Et eh ben vous aviez raison, monsieur Artus. Redis les compliments que tu disais sur Nawal. T'as entendu les compliments qu'il disait sur toi ou pas? Ah bah tout le monde te fait bisous, wow. D'accord, ok. Dis bonjour. C'est l'émission des bisous. Ben est-ce non, que tu as entendu ce que Artus a dit sur toi tout à l'heure? Non. Eh ben c'est pas plus mal. J'ai dit qu'elle était belle, qu'elle était gentille, qu'elle était drôle, que. Voilà. Moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle, et voilà. Parce que moi, je disais, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est vrai. Je ne la connais pas, je ne sais pas comment elle est. Allumez-moi le micro de Cartman, s'il vous plaît. Non, parce que depuis tout à l'heure, quelqu'un ne veut pas qu'il parle. Et je ne t'ai jamais rencontrée, je disais, mais comment elle est? J'étais inquiet. Parce que tu ne balades jamais dans des clubs de strip, tout simplement. Eh bien, détrompe-toi. C'est là qu'elle m'a rencontrée. Dis-toi, voilà, c'est là où j'ai très bon client. Avec Artus, on en a beaucoup fait, mais elle n'est pas si belle. Alors, restez avec nous. Allez, notre invité revient dans un instant. On s'écoute Bruno Mars, mon ami là-haut. Bichette. Oui, je suis là. Mais nous, Bruno Mars, on aura plein de surprises. Artus, tu faisais quoi avant d'être humoriste? Je cassais des noix avec mon frère. Non, avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais cuisinier. Ah bon? Ouais. Oh, bah dis. Oh bon! Pourquoi t'as un dos? Non, j'ai rien dit, mais moi Bruno Mars, on en parle dans 3 minutes. Bienvenue sur Virgin Radio et suivez-nous en live sur Facebook Live. Je bouffe plus rien. Tu vas me le mettre, clair. Bruno Mars, ou tu me le mets pas? Ah bah quand même. Je te le mets.
Slash. 18h-21h sur Virgin Radio. Faites du bruit pour Nawel Madani. Faites du bruit pour mon copain depuis approximativement 20 ans, Cartman. Bonsoir. Faites du bruit pour celui qui va reprendre à partir du 27 au Palais des Glaces à Paris pour duel à David Jonathan avec Sébastien Chartier et plein de copains, quoi. Respire, tu vas éclater. Mais je respire plus depuis 88, moi, monsieur. Faites du bruit pour Artus. Bon, ça y est, je disais, j'étais un peu anxieux. Vous savez, j'ai reçu les plus grands dans ces émissions, mais je suis un peu anxieux. Alors, je suis un peu. Qu'est-ce qu'on t'entend? Stouf. Ah, Steph, elle est en train de vendre du poisson là-bas. Je sais pas, ouais. Hey, elle met rien pour la 24. On t'entend, hein. Non, parce qu'elle fait dame pipi également, donc elle, excusez-nous, elle fait plein de trucs. Je disais, c'est donc la première fois que je recevais Nawel Madani, donc j'étais un peu. J'étais timide, il fait son mais timide. Oui, je fais mon timide. T'as peur des Arabes? Alors, ni des Arabes, ni des Belges. Ah, ah oui! Ni des Arabes belges. Ouais, mais en ce moment, tout le monde a peur des Arabes belges. Je suis le seul qui n'a pas peur des gens de Molenbeek, tout va bien. Je n'ai pas peur. Je n'ai rien peur du tout, de pas peur de vous. Alhamdoulilah. Tout va bien. Moi, je vous trouve très bien. Quand vous faites l'accent belge avec une telle sensualité, Nawel. Ah oui. Ça, hein? Qu'est-ce que tu veux, là? Vas-y. Genre, attends, je ferme les yeux. Parle-moi comme ça, ah, vas-y. Mec, t'as maigri en plus. Qu'est-ce que t'es sexy comme ça, frère? T'as fait du crossfit? Hein? C'est vrai que t'as commencé du coaching du bootcamp? Qu'est-ce que t'en fais? Du quoi? Du bootcamp? Du bootcamp! Fractionné, muscu cardio, je veux dire. J'aime bien quand tu me parles comme ça. J'aime bien. C'est excité. J'aime bien. Ça, c'est l'accent de Bruxelles ou c'est l'accent de Liège? Une différence. Ouais, parce que Oftus, c'est plutôt Liège. Voilà. Et Bruxelles, c'est le R est bien roulé, tu vois. Alors, toi, t'es plutôt doux. Et alors, le rebeu Bruxelles, moi, je viens d'Anderlecht. Bruxelles. Et le rebeu Bruxelles? C'est toujours aussi. C'est aussi. Moi, elle peut me le dire. Pardon, je me tourne vers la droite, Arthus, vous êtes en train de saigner terriblement de du front. Il a voulu péter des noix depuis tout à l'heure. J'ai voulu péter des noix. Oui, tu as voulu. On est vraiment là. J'ai voulu péter des noix. Ok, je finis ma blague sur les putes. Non, tu ne la finis pas. Arthus, puisque tu nous as dit. Arthus, écoute-moi bien. Tu étais cuistot. Tu as travaillé où? J'ai travaillé à Montpellier. À Montpellier, quel restaurant? Alors il y en avait plusieurs, le Sequoia, chez les Frères Poncel. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une surprise. Quoi? Rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais ici nous avons une cantine. Beaucoup plus classe. Nous avons une cantine. Puisque je ne connaissais pas Nawel Madani il n'y a pas 5 minutes, je vais te demander d'aller dans la cantine de Virgin. D'accord. Qui est la même que la cantine d'Europe. Donc fais pas le bordel, sinon Christophe Ondelat, tu te casses la gueule. Donc le principe est simple, tu nous prépares un petit plat là-bas, tu as approximativement 4 minutes pour revenir et nous avoir préparé un petit truc, 2 belles assiettes de ce que tu veux. D'accord? Okay. Mais tu dois mettre ça, qui n'est pas un petit sachet envoyé par la famille de Maxent. On dirait pourtant. Non, on dirait. Vu d'ici, on dirait que ça vient de Colombie, mais ça n'a rien à voir. C'est un petit truc pour se mettre sur la tête, parce qu'attention, l'hygiène, c'est l'hygiène. Tu te lèves, Arthus. Je suis invité de l'émission ou je suis une pute? Tu fais tout. Tu es l'invité de l'émission. Tu es l'invité de l'émission et tu es une pute à son papa. Alors tu te dépêches. Non, mais tant que c'est clair. Tu te dépêches, tu cours, tu vas là-bas à l'entrée. Quelqu'un va te remettre un micro. Tu peux bien faire ce que tu veux, mais courir. Non. T'es fait du crossfit, s'il te plaît. T'as fait du fractionné, tu te dépêches. Vas-y, cours. Non. T'as 4 minutes, on va te donner un équipement. Comme ça, tu vas nous entendre, tu vas pouvoir nous parler en même temps et nous décrire la cuisine. Tu es prêt? Attends, faut l'équiper. Ouais, on va l'équiper. Mais allumez son micro, qu'on l'entende au fur et à mesure. Vas-y, cours. Tu m'entends? J'ai un peu besoin de faire attention sur France 3 à la fois. Je cherche une église. Tu l'as trouvé la clé? Attention, il y a une araignée. C'est l'émission sur France 3. La meuf qui a pas compris. La chasse au trésor. C'est la chasse au trésor. Il est où Passepartout? Tu l'as vu? Ah, c'est des noirs, ils parlent pas la même langue que nous. Mais arrête, c'est le mec de la sécu, t'es pas bien ou quoi? Tout ça, là. Ça c'est un humoriste, c'est pour rire. Alors, hein, je viens le dire okay. Parce que alors faire une grande assiette, c'est pour t'es qui où, l'assiette? T'es où là? Je suis dans la cantine. Ah, c'est bien, le mec, c'est le plus essoufflé du monde, elle est à 6 mètres, la cantine. C'est quand même à le dire, on a l'impression qu'il a traversé un c'est drôle. Tu nous fais ce que tu veux, Nawel, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je veux un vaginopréno avec une épaule. Attention, mi-cuite. Bah, t'emballe pas parce que j'ai mis des ingrédients et pourra jamais faire ça. Il pourra jamais faire ça. Vas-y, Cartman, qu'est-ce que tu voudrais manger? Il nous fait manger. À moi, un petit ossobuco ou alors des pâtes à la bangolée. Soufflé au fromage. Les mecs, je vais vous dire un truc maintenant, vous vous calmez, j'ai vu les courses, il peut pas faire tout ça. Avec des carottes et des radis, tu peux faire un soufflé au fromage? Une petite salade, allez, une petite salade. Écoute ce comme il souffle, écoute-moi ce sportif. Ah, mais je croyais que c'était une interférence. Non, le mec il souffle.
Eh, je vous entends, hein. Ah merde, pardon. Ah, quand même. C'est un peu gênant. Ah ouais, ça va? Ouais. Parle-moi de ton spectacle, Noël. J'ai commencé, moi. Parle-moi de ton spectacle. Ça marche pas du tout. Moi, je veux un deuxième, c'est bien pour la première session. Il m'a eu. Écoute, mon spectacle, il sort en DVD bientôt. Oui, il sort, si je dis pas de bêtises. Il sort, j'ai la date, ne dis rien, j'ai la date. Putain, il est où? Elle est où, Arthus, la date? Retire le micro de ton nez. Exactement. 10 octobre, le DVD. Ouais, c'est ça. On a été diffusé le 31 août dans plus de 150 salles de cinéma. Ouais. Donc c'était génial. Et les 13 et 14 décembre à l'Olympia. Ouais. Bim, je sais pas. Bon. Non, le 29 novembre, il y a mon film qui sort. Et qui sort et qui s'appelle C'est tout pour moi. Bim, je sais tout. Voilà, maintenant vous êtes deux. Ok. Quoi cette respiration? Arthus, tu vas faire du sport dans ta vie. C'est impressionnant. Mais c'est que je tiens mon micro tout seul. Arthus, excuse-moi, il y a Véronique. Il y a 4 techniciens, il y en a pas un qui tient le micro. Il y a Véronique et Davina qui viennent d'appeler, ils ont dit c'est pas possible, on peut s'en occuper. Ils sont prêts à sortir de leur maison de retraite pour s'occuper de toi. Donc s'il te plaît, je te jure, tu peux pas souffler comme ça. Le mec, on est en direct sur Virgin. Je peux pas le faire. C'est trop chaud, il souffle. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous fais d'ailleurs? Fais-nous rêver. J'en ai aucune idée. T'as mis quoi dedans? Je sais pas du tout. C'est dégueulasse. Il a tout perdu. Alors les gouttes de sueur, c'est pas la vinaigrette. Hein. Pas de saloperie. Parce que je tiens à dire que ce soir, il y aura des surprises pour le public avant la fin de l'émission. Et Nawel, comme on ne se connaissait pas, je me suis dit dans quelques minutes, rien de mieux et on sera en live sur Facebook Live quand on ne connaît pas quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Un date? Bravo! On parle la même langue! Je l'adore! C'est bon. On parle la même langue. Un petit speed. C'est bon, j'ai trouvé une recette. Un speed dating? Une petite date dating speed machin. Date dating. D'accord? Ça se voit, ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Ouais. Un speed date never, never. Ok. Ça se voit un peu que je suis en galère là-dessus. Ça se voit un peu. Donc on le fera tout à l'heure, mais attention, on le fera en mode sérieux. Arthus, il te reste 1 minute 30. Par contre, il faut que tu mettes un petit son de Lionel Richie, quelque chose. Bien. Tu auras le petit son. Tu mets un petit legging. Pourquoi tu veux que je mette un legging? Parce que tu t'es fité, on veut voir ou pas? On veut voir les résultats du crossfit. Il s'est fité, on veut voir un legging sans culotte, parce qu'un legging sans culotte, ça gratte. Oh, le public, un legging sans culotte. Non, ça non, jusque-là, non. Non, on aura les petites roses. On aura la petite table romantique. On aura le petit moment entre nous, on baissera la lumière. On aura Lionel Richie. On va essayer de me trouver un legging. J'ai quelqu'un un legging? Non, personne. Je prendrai un legging de la fille du public. C'est un legging ça? Qui a un legging dans le public? Il y a des rideaux derrière, c'est pareil. Ouais, je prends un rideau. Dans un instant, speed dating Arthus, il te reste 1 minute. Arthus, vas-tu arriver à nous finir le plat? Top, c'est parti le chrono. 60. Je l'entends. 59. 58. 56. 56. 55. 54. J'ai peur du résultat quand même. Bravo. Oh putain, merde. Oh merde. J'espère que vous avez pas très faim. Oh merde. Il arrive en moto-taxi. Désolé. À un moment, je vais pas être la seule victime de cette émission. Non. Je t'ai préparé un petit sandwich. À la mayonnaise, apparemment. Alors, dedans, il y a des épinards, des carottes râpées, un petit peu de mayonnaise et une pointe de moutarde. Oh. Une poire. Allez, celle qui doit prendre des forces pour l'Olympia, c'est Nawel. Non, mais c'est votre idée du speed dating, ça. Non, j'aurais jamais fait ça, Nawel, c'est pourquoi. T'as faim? Non. Ah ouais, t'étais en train de boulotter tous les gâteaux, tu crois que je t'ai pas vu? J'étais plus sucrée, mais j'ai. Il y en a une qui a besoin non, de. Non, je t'assure que tout va bien. Elle m'a dit, j'ai pas assez de boules. Elle veut prendre du boule. Je t'assure que tout va très bien. On est en train de toucher du doigt un problème. Marie, qui est avec nous, effectivement, pense qu'elle n'a pas assez de boules. C'est vrai. Non mais attends, Koé, j'ai cassé une noix avec ma tête, ok? J'ai bu des huiles essentielles. Tu m'as fait courir, déjà, ouais. Ça fait 12 ans que ça m'est pas arrivé, ok? Pas de problème. Et il a encore essoufflé. S'il te plaît, voilà, tu goûtes mon sandwich que j'ai fait avec amour. J'ai pas de problème. En une bouchée. Allez. Pour le faire. Vas-y. Avec Usain. Ah, c'est très bon. Non. Tu sais. Non, attends. Moi, je sais où est-ce que fout ses doigts Arthus. Et les personnes peuvent témoigner, elles sont au téléphone. Non mais l'hygiène, c'est des conneries en vrai. Hein. Mais j'ai pas de soucis, moi. Ouais, Arthus, c'est un ami, j'ai confiance en lui. Allez, régale-toi. Allez. Oh, c'est beau. Voilà. C'est beau. Oh, man. Oh, c'est très beau. Si t'as encore faim, je peux t'en faire un autre. Hein. Alors, on sent bien les œufs. Hein. T'es en train de reprendre les 25 kilos que t'as mis 2 ans à perdre. Voilà. Ce nutritionniste là, vient de se mettre une balle dans la tête. Très fort de continuer à animer aussi rapidement avec un truc dans ta bouche. Je comme les meufs, elles font tous les jours. Vas-y. Arrête. Enfin, reste avec nous sur Virgin Radio. Nawel Madani dans un instant. Un moment intime et romantique. Pardon, j'essaie de rester digne. On reviendra là-dessus dans un instant. Nous aurons également une énorme surprise. Et encore une surprise tout à l'heure.
Tu m'en veux pas, Arthur, si je te casse la gueule pendant la pub? Reste avec nous, on revient dans deux minutes. À tout de suite. Bougez pas, à tout de suite, emmerde. Dans un monde où les radios n'avaient plus la foi. Et tout de suite, on s'écoute, je sais pas. Une équipe s'est lancée une mission très simple. Réveiller la France. Réveiller la France. Pour de bon. Bonjour, bon réveil, c'est le Virgin Tonic. Et pour ça, ils vont réaliser l'impossible encore une fois. Dans quatre villes différentes, devant des milliers de personnes en une seule journée. C'est juste dingue ce qu'on est en train de vivre. Rouen, Grenoble, Nice et Poupée en Vendée. Pour leur ultime saison du Virgin Tonic, Camille Combal et son équipe refont un World Tour de France. C'est le 29 septembre, entre 7h et minuit, sur Virgin Radio. Virgin Tonic. L'instant d'Arty. Eh oui, mais si je veux être un blogueur influent, il faut que je sois équipé. Bien sûr. Jusqu'au 1er octobre chez Darty, le PC Acer ES1 523 625G est à 349€ au lieu de 429€, soit 80€ d'économie. Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, un pack de Vittel acheté, un pack offert. Là, mon père est super content. Ah bah carrément, un pack de Vittel acheté, un pack offert. J'adore cette promo. Je confirme, il est super content. Du 5 au 16 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour un pack de 6 bouteilles d'un litre et demi d'eau minérale naturelle Vittel acheté, le deuxième est offert. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Les grandes marques sont au meilleur prix chez Leclerc. Et voilà. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Chérie, mais t'étais en train de regarder la télé? Hein? Non, pas du tout, je... Tu regardais la télé? Non, enfin oui, mais je regardais un film sur RTL 9, tu sais. Du cinéma? Mais oui, enfin, tu sais bien, RTL 9, c'est plus de 100 films par mois. Bon, alors ça va. Quand ailleurs, c'est de la télé. Sur RTL 9, c'est du ciné. RTL 9 est disponible chez Canal, Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR, Numéricable et Bis Télévision. Regarde le look de cette Mini. Oh, c'est la nouvelle édition Blackfriars. Superbe, les gens. T'as vu le toit ouvrant panoramique? Et les phares à LED. Mais c'est Paul au volant. Je suis fan. De Paul? Mais non, de sa Mini. Salut les gars, vous en faites une tête. Décale-toi, on voit plus ta voiture. Mini Hatch, édition Blackfriars, 3 ou 5 portes, avec toit ouvrant, projecteur full LED, radar de recul, GPS, Bluetooth, à partir de 295€ par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Blackfriars en LLD, valable jusqu'au 30 septembre 2017. Conditions sur mini.fr. À l'occasion du 25e anniversaire de Disneyland Paris, découvrez le nouveau Hyperspace Mountain et plongez en vitesse lumière dans l'univers de Star Wars. Et en plus, jusqu'au 27 septembre, le billet adulte est au prix du billet enfant. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Virgin Radio, partenaire de Studirama. Vous êtes à la recherche d'une formation pour la rentrée? Studirama vous donne rendez-vous au salon où s'inscrit en septembre. Vendredi 8, salon de la rentrée étudiante et plus de 500 formations de bac à bac plus 3. Samedi 9, salon des masters 1 et 2, MS, MBA et tous les établissements de bac plus 3 à bac plus 5. C'est la dernière chance pour trouver votre formation pour la rentrée. Dernières inscriptions sur place. Les salons Studirama où s'inscrit en septembre, vendredi 8 et samedi 9 septembre à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Invitation gratuite sur studirama.com. Les salons Studirama avec Virgin Radio. Pour tout savoir sur votre avenir, Astral, AST, RAL, au 72021. Nos astrologues vous disent tout. Astral, au 72021. 99 centimes plus prix du SMS DGP. Virgin Radio à Paris. 103.5.
s'agrandit tous les mardis avec des stars et du public. Avec que des potes, quoi. Quiz Slash en public tous les mardis de 18h à 21h sur Virgin Radio. On est tous là. On est sur Virgin Radio. Avec que des gars à ma droite, nous avons Jeff, Cartman et Artus. À ma gauche, la sensualité avec Marie. Merci. Non, pas toi, tu dis ça. J'allais dire à part Pietre. Marie qui est avec nous tous les jours. Salut. Et Nawel Madani. Merci pour elle. Nawel Madani, le premier long métrage, c'est tout pour moi, le 29 novembre au cinéma. C'est bien ça, raconte-nous l'histoire, donne-nous envie, vas-y, fais-nous rêver. Ben, c'est l'histoire d'une petite provinciale qui vient à la conquête de Paris, qui part sans l'accord de ses parents pour vivre de sa passion, le stand-up, la danse et compagnie. Elle rencontre un pygmalion, c'est François Berléand dans le film qui interprète le rôle de Fabrice. Je vends mal mon film. Ouais. C'est vrai c'est un truc de ouf ou pas? C'est vrai. Alors, je vois que le public écoute, c'est l'histoire d'un mec. Ah. Il est beau, il est grand. Il a la plus grande tub de. Dans cette émission, quand on dit les mots couille, tub, sexe et d'autres. Mais déjà, mais 40 euros, toi, là. Parce que. Mais 10 euros. C'est vrai. Du coup, bitch chat, on a le droit. J'ai pas un mal, mais je vais te les avancer. Bah, tu... Je te les avance. Qui va les avancer? C'est la première fois qu'une Renoir me passe de l'oseille. Je sais pas, mais bah, tu sais quoi. Excusez-moi, pardon. Qui va les avancer? T'es venu dans une émission sans thune. T'es venu sans thune. T'es sans thune. Bah oui, attends. D'où t'es sans thune? J'y crois pas une seconde. Je te jure. Mène tes poches. Approche-toi ici. Ouais, là, tu elle est blindée. Elle est blindée. Viens ici. Je suis sûr que t'as. Je suis sûr que t'as du blé. T'as du blé. Tu vas me faire croire que t'as les poches vides. Je te préviens, je ne prends aucun plaisir à ce que je vais faire. J'ai rien. Là, y a rien. À part une pince, j'ai rien. Hop. Bon, ça, c'est un détritus. Tu laveras tes jeans, s'il te plaît. T'as laissé des papiers dedans. Mets 10 euros. Allez, c'est pas les tiens, mais tu les mets quand même. Je rappelle que dans la cagnotte à coco, le principe est simple. Elle grossit de jour en jour. Et dans cette cagnotte, nous offrirons tout à un auditeur d'ici quelques jours. C'est sympa. Dépasse tout. On doit être à 350 euros pour l'instant. C'est déjà pas mal. Hein. À peu près. C'est 350 euros de saloperie. Il faut le savoir quand même. Ouais. Ça en fait des gros mots. Hein. Là-dedans, c'est que des gros mots. Ouais. À chaque fois. Ouais, c'est pour ça. On met tout là-dedans. Ils ne ressortiront plus. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, refais-moi la vente de ton film, s'il te plaît. Sans mot tub, sans mot machin. Une jeune fille qui a décidé de vivre de sa passion. Qui quitte tout pour vivre de ses rêves. Elle quitte tout. C'est nul, j'arrive pas à dire. Non, mais on a compris par contre. Artus, il va te le faire mieux que toi, regarde. Donc, c'est une jeune fille qui. Fais-le avec la voix de Nawel Madani pour que les gens chez eux à la maison pensent que. Donc, c'est une jeune fille qui rêve de. De scène, non, mais qui rêve de scène, de spectacle, voilà, et qui quitte donc sa Belgique natale. Exactement. Pour tenter de conquérir Paris. Est-ce qu'elle va rencontrer un pygmalion? Elle va rencontrer des amis français, des amis qu'elle va rencontrer dans le métier qu'elle va pratiquer, des amis cuisiniers, des amis serveurs, excellent cuisinier. Joué par Artus. C'est pas faux. Il est dans mon film. Il est excellent. T'es dedans, toi? Je suis dans tout le monde. Moi. Et tu fais pas dans. C'est ce que j'ai lu dans les journaux. Et ça va poser problème un jour, monsieur. Il y en a eu d'autres qui étaient des fois dans tout le monde, ça leur a posé des problèmes. En tout cas, ça sort le 29 novembre sur tous les écrans. Dans un instant, nous aurons notre rendez-vous romantique. Nous aurons notre moment romantique. Et selon comment se déroule ce moment romantique, je ferai une magnifique promo pour le film. Si ça se passe mal, Il ira sorti le 22 septembre. Voilà, con. Voilà. Ça se passera bien, j'en suis sûr. On aura une surprise dans un instant. Une autre dans la foulée. Mais puisque la pièce d'Artus s'appelle Artus, duel à David et Jonathan. Ouais. Voici le blind test dans lequel tout le monde va jouer. Personne ne regarde mon écran. Okay. Le principe est extrêmement simple. Je vais vous mettre des chansons. Si par exemple vous aviez entendu Est-ce que tu viens pour les vacances, vous auriez dû me dire David et Jonathan. David et Jonathan. Town. Town. On doit remplacer un. Okay, ah, faut remettre un on à la fin. T'as pas compris. Nawel, regardez, elle fait un arrêt sur image. Elle a pas compris. Sylvie Vartan. Si par exemple on met une chanson de Sylvie Vartan, tu devras dire Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Town. Ok. Town. Okay. C'est cool. Vous êtes prêts? Attention. Vous mettez pour la peine, vous mettrez duel devant. Ce sera encore plus dur. Allez. Okay. Oh putain. Duel à Sylvie Vartan. Ok, j'ai compris. Duel à Peter Sloan. Comment? Duel à Peter Sloan. Duel à Peter Sloan. Et bim. Vous souvenez cette chanson? Vous souvenez cette chanson? Regarde. Attends. Donc il faut nous dire tout de suite, il faut avoir 50 ans pour... En fait, on s'est basé sur David et Jonathan. Nawel. Ne zappez pas, vous êtes toujours sur Virgin. Exactement. Nawel. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Ça y est, t'as 50 ans aussi. Très grave. Tout ce que j'aime. Tout le monde. Envie de toi.
Ouais, gros. Allez, dans un instant, c'est la pièce montée qui va faire son entrée. Attention, deuxième titre. Vous êtes prêts? Je rappelle, il faut mettre Bienvenue à. Et non, derrière, pas Bienvenue. Duel. Ça va, bah non, c'est pas Bienvenue, c'est Duel A. Pardon. Ok, je ferme ma gueule. Merci. Duel à de Jean-Luc Lightown. Duel à Jean-Luc Lightown. Femme Lightown. Simplement je te dis que je t'aime. On y va, on continue. J'ai le même souci que lui. Rapidité. Devant l'école. Voilà. Oh. Avec des bonbons. T'es venu avec combien d'argent sur toi? 10 euros. Pardon, 10 euros? Ouais. Je t'attends devant l'école, ça se dit pas, 10 mais euros. Y a pas de... J'ai mais pas y a dit pas je t'attends dans l'école, la vie d'un. Non 20 euros. C'est pas bien, mec, je t'envoie des huissiers chez toi. On continue. Ah ouais, duel à partenaire particulier. Town. On continue. Attention. Ah oui. Duel à David et duel à Emile Image Town. Ouais, duel à Emile Image Town. Tu peux laisser jouer Nawel. Les ténons de minuit. Maintenant, je vous demanderai de. Je vais. Eh, hey, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, tout au bout de la nuit. Les ténons de minuit. Oh, non, c'est des vrais sons, ça. Ça, c'est des chansons de karaoké. Ah oui. T'as envie de... Est-ce que t'as remarqué que l'accent, il est ressorti sur ces chansons de karaoké? Sur cette chanson de karaoké. Allez. Chanson de karaoké. Je m'adore, celle-là. Vous êtes prêts, on reprend? Oui. Oh, c'est facile, c'était... Tu es la Jeanne Mastown. Ouais, mais Jeanne je me suis trompé de bouton. Ah, c'était Jeanne Mas, mais c'était trop facile. Attention. Duel. L'autre, il est comme ça, Gilbert Montagnard. Le duel de Gilbert Montagnard. Toi, tu l'as fait en version portugaise. L'autre, il est comme ça! Moi, est-ce que. C'est quoi cette imitation où elle lui met un masque de plongée? Elle fait ça! Elle fait comme ça! Surtout pour dire Gilbert Montagnard! C'est parti au Brésil! Gilbert Montagnard! Attention, elle a la plus dure. Ah, plus dure! Duel à l'italienne là! Sabrina! Est-ce que quelqu'un peut calmer? Quoi? Sabrina! Comment? Sabrina Town! Non, c'est pas elle! Cherchez pas, arrêtez de gueuler, c'est pas elle! Samantha Fangs! C'est la ferme ta gueule, c'est pas elle! C'est pas elle! Mais j'ai copié sur lui! Jeff! Duel à Melody Town! Duel à Melody Town! Mais ouais, Melody, y'a pas que l'écran! Oh merde, t'as vu l'unité, Jeff, fais gaffe! Elle est flippante! Ce mec est flippant, il connaît que les chansons. Chansons écrites par Guy Carrier. Tu dégoûtes quand tu chantes. C'est vrai. Et ils s'en vendent pas. On continue. C'est vrai. Mais je vais rien trouver. Hein. Ah, c'était pas mal ça. Non, mais tu est-ce que tu remarques que ton public il connaît pas? Ah, bah si, il connaît. Duel à Marc Lavoine. Vas-y, le public qui chante. Bah alors, Marc Lavoine. Mais c'est parce qu'elle a répété. Mais quel mytho, elle connaît pas. Elle connaît. Elle a 6 ans, elle connaît pas. C'est pas possible qu'elle connaisse. Elle nous a tellement méprisé, elle a fait bien, Marc là. Oh, les nazes. C'est la 2 de l'album. Attention, attention, je demande de la concentration. Duel à Désir Lestown. Duel à Désir Lestown. Désir Lestown. Tu vas m'entendre une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Désir Lestown. Depuis tout à l'heure, je dis toutes les réponses, tu m'ignores. Qui êtes-vous? Non, mais ça fait chier. Et alors oui, les invités Monsieur, si vous consommez pas, faut partir. J'ai caché les noix. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez une bouteille à l'intérieur? Mais je vous emmerde, mais depuis tout à l'heure, je donne les réponses. Tu me regardes pas. C'est toi qui l'as écrit, tu les connais les réponses, Richard. Eh bien, je mets un point à Nawel Madani. Désirless. Voilà. Voilà. Bah, je joue plus. Voilà. Voyage, voyage. On continue, attention. M'en fous, je joue plus. Tais-toi, tu souffles. Moi, c'était pas clair. Duel à Jermaine Jackson et Piazza Dorata. On a bon. Eh bien, Cartman, ça, c'est une bonne réponse. Elle est claire, elle est limpide. Ah, je crois que Piet est en train de partir. Je crois que Piet vient de se mettre dans le public. Voilà, il ne joue plus. Je crois qu'il s'est exclu lui-même. Piet. Tu l'as vexé. Eh ben, c'est pas grave. Bon, Piet, hein, on continue. Attention. Duel à Jean-Jacques
Non, Marie, Marie. Duel à Balavoine. Mais non, non. Duel à Jean-Jacques Goldmatown. Eh, tu vas chez l'orthophoniste à quelle heure, quoi? Je ne sais pas. Duel à Jean-Jacques Goldman Town. Oui, oui, Artus. Duel à Jean-Jacques Goldman Town. Va avec lui. Je crois qu'on perd des gens de l'équipe les uns après les autres. Vous nous suivez en live sur Facebook, Facebook Live, hashtag Koé/Virgin Radio sur Twitter pour réagir. Beaucoup de messages pour l'instant qui disent Nawel Madani est très, 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 très pas bonne à ce jeu. Attention. C'est dommage que ton équipe soit aussi nulle à ce jeu parce qu'il n'y aurait pas de concurrence. C'est dommage. C'est écoutez bien, celui-là, il est un peu plus pointu années 80. Je sais. Non mais regarde même ton public il connaît pas. Non mais celle-là elle est pointue. Ils étaient deux. Duel à Modern Talking Town. Oh, duel à Modern Talking Town. Il y a que les. Non mais sincèrement. You're my soul. N'arrêtez pas les mythos. Qu'est-ce qu'il y a Nawel? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que des sons pour des gens qui ont plus de cheveux. C'est pas possible. Excusez-moi, non, mais, j'ai bah, regarde autour de la table. Tu peux refaire cette phrase en me regardant dans les yeux? Non. Si, s'il je te plaît. Parle avec que des gens qui ont des cheveux. Pour non, l'instant. Mais, non mais attends. On continue. Non, regarde pas la réponse. Ah, yeah, yeah, duel à Rita Smithtown. Allez, on va faire beaucoup plus facile pour la jeune fille à cette table qui nous traite tous de vieux cons. Okay. Personne ne joue, laissez-la répondre. Jules. Donc. Non mais quoi? Mais putain, y'a rien qui va. C'est Chiquita. Mais c'est non, mais je mets des trucs. Non mais je mets des trucs des années. Duel à Chiquita. Mais non, Jewel, elle Jewel Town. Ah, duel à Jewel Town. Allez, allez, encore ça, une facile, encore une facile pour la jeune fille. Tais-toi. Non mais arrête-toi là. Nawel, Nawel. Il a dit. C'est Duel à Despacito. Non, c'est pas le nom du groupe. Mais non, il faut trouver le nom. C'est. Ah, Duel à Louis Fancytown. Duel à Louis Fancytown. Décidément, qu'est-ce que c'est que cet accent chinois qui ressort tout le temps? Duel à Louis Fancytown. Reste avec nous dans un instant, quelques surprises. Cartman, je sais que tu dois partir à 30. Oui, je dois y aller. Mais j'ai encore besoin de toi dans 3 minutes. Bon, alors je reste. Pour un cadeau qui va te faire plaisir. Ah bah, ensuite, le rendez-vous de romantique, je demanderai au public de pas faire trop de bruit. Ce sera un rendez-vous romantique au milieu de 60 personnes avec Nawel Madani et moi. Je demanderai d'être. Il me faudra quelqu'un qui fasse une musique d'ambiance, les roses, les petites lumières et tout. Et on aura le jeu du public où il y aura peut-être 2 ou 3 personnes qui partiront avec nous après sur une petite surprise. Non. Je peux pas vous en dire plus. Le tout en live sur Facebook Live. Restez avec nous, on vient dans un instant sur Virgin Radio. À tout de suite, bougez pas. Le seul moyen de découvrir les sons pop, rock, électro avant tout le monde, c'est d'écouter Virgin Radio. Offenbach. Imagine Dragons. Et Chiran. Cascadez. Virgin Radio. La playlist dont tout le monde parle. Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50% en ticket Leclerc sur le paquet de 54 dosettes de café Senseo avec au choix classique, doux ou corsé. Une promo de dingue. Du 5 au 16 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de dosettes de café Senseo de 375 grammes est à 5,17€, soit 13,79€ le kilo. Avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Il est triste, Jean. Triste de découvrir que ça y est, le prix de sa fibre a doublé. Eh oui, Jean, il y a des prix qui doublent au bout d'un an. Oui. Alors qu'en ce moment, chez Red, la fibre, c'est 10 euros. Et c'est comme ça, et pas autrement. Ah bon? Sans engagement, sans mauvaise surprise pour ton portefeuille, et sans gluten. Non, non, vraiment. La fibre à très haut débit pour seulement 10 euros, c'est chez Red, et c'est maintenant. Oh, merci. Avec Red by SFR, vous profitez de la fibre à 10 euros par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients, valable jusqu'au 2 octobre. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49 euros. Détails sur redbysfr.fr. Secret Story est de retour. La voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux habitants. La maison se transforme en campus des secrets. Mais surtout, n'oubliez pas,
Méfiez-vous des apparences. Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, du lundi au vendredi et chaque jeudi à 21h sur NT1. Virgin Radio présente. Hi, it's London Grammar on Virgin Radio. London Grammar. En France. Après un premier album certifié disque de platine, retrouvez le phénomène électropop pour une nouvelle tournée française. Le groupe anglais sera au Zénith de Lille le 19 novembre, au Liberté de Rennes le 20, au Zénith de Strasbourg le 2 décembre, au Zénith de Paris le 3, au Zénith de Toulouse le 5 et à la Alten Garnier à Lyon le 6. Plus d'infos et réservations, points de vente habituels et sur virginradio.fr. London Grammar en concert en France avec Virgin Radio. Chérie, mais t'étais en train de regarder la télé ? Hein ? Non, pas du tout, je... Tu regardais la télé ? Non, enfin oui, mais je regardais un film sur RTL 9, tu sais. Du cinéma ? Mais oui, enfin, tu sais bien, RTL 9, c'est plus de 100 films par mois. Bon, alors ça va. Quand ailleurs c'est de la télé ? Sur RTL 9, c'est du ciné. RTL 9 est disponible chez Canal, Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR, Numéricable et Bist Télévision. Concert exceptionnel à Paris. Salut, c'est Thomas de Phoenix. Forcément, avec Virgin Radio. Retrouvez Phoenix, la référence pop, sur scène le 29 septembre à l'Accor Hotel Arena à Paris. Infos et réservations, point de vente habituel et virginradio.fr. Phoenix, en concert à Paris le 29 septembre à l'Accor Hotel Arena. C'est avec Virgin Radio, la radio des plus beaux concerts. Koé en public dans le grand studio, c'est un peu son goûter d'anniversaire. Mais tous les mardis. Koé slash en public de 18h à 21h sur Virgin Radio. D'accord. Je voudrais faire une bise à Dom qui a produit l'habillage de cette émission, qui à mon avis revenait de soirée, va falloir qu'on se parle. C'est sur Skyrock. Les jingles de Dom, là, il s'est dit, allez, on y va, la musique à fond. C'est gros son. C'est là, du gros son, là. C'est le retour de Coco en public, on fait du gros son. Tous les mardis sur Virgin Radio, c'est là que ça va se passer, ça va être énorme. Arthus, si tu te fais chier, tu le dis, tu n'hésites pas à bouger, bien sûr, de ta place. Dans quelques jours, il y aura avec nous Nicolas Sirkis, on se fera une spéciale. Si vous êtes fan d'Indochine, je crois que c'est déjà surblindé de chez Surblindé. Il y aura des surprises, il y aura peut-être MC Solar qui sera là la semaine prochaine. On fait tout pour, je vous le dis. Moi j'adore le nouveau Solar, je le trouve kiffant. J'arrive à lui faire chanter du Vianney quand même. Pour ouais, on verra bien. Il faudra qu'il fasse Je m'en vais de Vianney, ouais. Il faudra inverser tout ça. N'oubliez pas que Nawel Madani est notre invité. Ça va être un plaisir d'aller la voir au cinéma. Le premier long métrage, c'est tout pour moi, le 29 novembre. Oh cinéma, c'est ça que je vais vous dire. Le DVD du spectacle sortira le 10 octobre et à l'Olympia les 13 et 14 décembre. Me trompe pas ? Yes. Je peux venir ou pas ? Je suis invité ? Je suis bien placé ? Je serai comment ? C'est VIP. Waouh ! Mais c'est 25 euros quand même. C'est le tarif VIP. Voilà, c'est ça. C'est la totale. De champagne. Avec. Dans quelques minutes, justement, nous ferons notre moment intime tous les deux. C'est mais mignon. Cartman, j'ai une petite surprise pour toi. Oui. Je sais que tu dois rentrer parce que maman t'attend, elle est prête. Elle est là, elle a commencé à préparer le balai, elle dit encore. Non, j'ai reçu un SMS. En plus, pas du tout. Elle dit encore deux minutes, sinon je frappe. Je t'éclate. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure. Tu te souviens, on a parlé de la chanson qu'on a mis, comment il s'appelle Tribal King. Ouais. Remettez le morceau, remettez ce qu'on mettait tout à l'heure. Remets l'extrait, s'il te plaît, Bichet. C'est bien de la merde. Mais le mec, il l'a. Mec. Le mec, il a des tocs, il se souvient même plus l'avoir dit. Remets-le. Tu dis quoi ? J'adore ce que tu dis du morceau. Remets-le. Ah non, je sais ce qu'il va faire. Remets-le. Bichette. Oui, bah, c'est compliqué en haut, hein. Oh, bah, dis-le. Vas-y, révolte-toi, oui. Oui, bah, c'est compliqué là-haut. Bah alors, dis, pourquoi souffle. C'est compliqué ? C'est bon. Remets-le, s'il te plaît, Bichette. C'est bien de la merde. Et le mec, qu'est-ce qu'il y a, Cartman ? Non, parce que je te connais très bien. Je sais ce qu'il va faire. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai toujours. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec les personnes qui sont dans ce studio, bon, on va pas se mentir, on a presque vécu ensemble. Ouais. Donc, il y a toujours un petit dose qui traîne quelque part. Et putain, j'ai du pif. Je sens qu'il est en train d'arriver. Je sais pas ce que ça va être, mais je sens qu'il y a un dose qui va sortir. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, est-ce que ça concerne la musique ? Ah, parce que bien de la merde sur le morceau, ouais. J'aurais sorti un truc de toi ? Ouais. Non. Ah bon ? Non. Alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que c'est une photo ? Non. Non ? Est-ce que c'est un son ? Ça sent un petit malaise quand même. Oh non. Ah si. Ça sent un petit malaise. Une petite gêne. Une petite gêne. Ça sent une petite gêne
marrante. Est-ce que c'est une MST? J'ai dit une petite gêne, pas une gratouille. Oh là là, putain. Qu'est-ce que ça pourrait être? Écoute, je sais pas. Refais-toi le truc. Refais-toi ce qu'on va faire. Non, refais-toi le truc. Je mets Tribal King, on est là, on chante. Ouais, mais tu te souviens de cette chanson? C'était allé jusqu'en Belgique, c'était allé partout. Et non, mais c'est vrai. Oh non, mais tu crois qu'il est là, le mec? Comment? Il est là, le mec? Ils sont là. Arrête tes conneries. Tu veux dire le mec à qui t'as dit que la chanson c'était de la merde? Non, 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 arrête tes conneries. Ah bah si, il est là. Non, 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 non. Si, si, il est là. Viens, viens. Alors, il y a dans Tribal King, il y a David et Noni, je vous demande d'applaudir exact. David. Merci, merci beaucoup. Ça va, putain. Ça va, quoi, ça va bien. Ouais, cool. Excellent. 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 Alors, tu vas te marrer. En fait, j'ai complètement. C'est une histoire un petit peu. Assieds-toi, prends sa chaise. En fait, non, c'est que j'ai. Tu te souviens. Assieds-toi à côté, David, assieds-toi à côté. Il va te le dire dans les yeux. Tu vois, comme je suis gaulé, donc il n'y a pas de problème. Vas-y, tranquille. C'est de la merde. Non, non, d'accord. Okay. David. Ouais. Oui. Putain. Merci d'être il est là. En face de moi. Le merci de pas être parti quand j'ai entendu. C'est de la merde. Non, mais parce que c'est vrai qu'il le pensait pas. Et donc. J'ai confondu avec les autres. Mais avec, oui, t'as confondu avec. Tragédie. Mais c'était deux. Mais ils sont là aussi. Ils sont là. Mais ils sont là. Oh la tête que t'as fait, mec. Tragédie, c'était de la merde, en vrai. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Et si on se le refaisait tous ensemble vite fait? Allez. Et si on se le refaisait ce morceau? Tout le monde se lève et on se refait ce morceau rapidement. Allez. Tu veux bien le faire? Ouais, pas de soucis. Mais on est en freestyle, hein. Je dis préviens pour ceux qui nous écoutent. Le Bichette là-haut, il met le son. On y va. Cartman, tu vas danser à côté. Avec plaisir. Voilà, voilà. Tu t'excuseras autant que tu pourras. Oui, oh, tu sais, il y a déjà un petit malaise. Donc non, non, ça va. Vas-y, mets le son, mon pote. Bichette, mets le son. Ah, oh, c'est ça! Tribal King, yeah, sur Virgin Radio, yeah, ok. Ma mission, faire bouger sans tabou, sans pression ni relâche jusqu'au bout. Vous partagez ma passion, cela vous donne des raies d'innover le maximum sur cette piste. Allons jusqu'au summum où j'insiste, sont toutes mes tensions. Yeah, oh, quand je prends le mic, je m'enflamme. Je vous sens bien, hop, mesdames. C'est ça que je veux mettre chant la chaleur qui s'installe. Certains talents se dévoilent. Oh non, je veux tout le monde bouger les fesses. Que les femmes oublient leur complexe. Façon, oh, oh ouais. Oui, maintenant faut que ça bouge. Que tout le monde soit dans le move. Façon, yeah, oh ouais. Oui, maintenant faut que ça bouge. Tout le monde soit dans le move. Façon sexe, yeah, oh. Oui, maintenant faut que ça bouge, yeah. Que tout le monde soit dans le groove. Façon sexe, oh, ouais, yeah, ok. Sex, everybody sexy. Take care of all the girls, they move your body, the body, see. Back, relax, when it's home, when I come, when I can, yeah. Get it home, when it's end of the sex, everybody sexy. Fuck them all the girls, they move your body, the body, yeah. Put that in, for the side to side, put it up, put that in, for the side to side. Bouge ton boule, ma belle, sur ce son, je t'emmène. C'était chaud. Je t'en vas d'hiver sur mon flot, je t'enlève. Yeah. Je veux que tout le monde bouge ses fesses. Que les femmes oublient leur complexe. Façon sexe. Yeah, oh ouais. Oui, maintenant faut que ça bouge. Que tout le monde soit dans le groove. Façon sexe. Oh ouais. Ses fesses, les femmes oublient leur complexe. Façon sexe. Oh ouais. Oui, maintenant faut que ça bouge. Que tout le monde soit dans le move. Façon sexe. Oh ouais. Bouge ton boule, ma belle. Sur ce son, je t'emmène. Bouge ton balai. Bouge ton balai. Yes, yes. Bouge ton body, babe. Sur mon flow, je t'emmène. C'est du son pour les go-man. Ce soir c'est pour les sexy woman. Danse la complexe, oublie ton ex. Du nouveau dans ta sonoman. Mon place à moi c'est Money One. Je veux que ce soir, je veux, oh non, non, yeah. Que les femmes oublient leur complexe. Façon, yeah, oh ouais. Oui, maintenant faut que ça bouge. Que tout le monde soit dans le move. Façon sexe, oh ouais. Je veux que tout
tout le monde ça dans le bouffe. Façon sec. Oh ouais, merci beaucoup. Tribal King, façon sec. Alors, David, qui c'est qui avait raison? Eh ben, vous savez quoi? Le public, il y a des jeunes dans le public qui connaissaient les chansons par cœur. Par cœur, elle les connaissait. Eh bien, David, merci à toi d'être venu, David. Bah, merci, David, je te demande de repartir et il te doit bien ça avec Cartman qui va te ramener jusqu'à chez toi. Voilà, c'est le minimum. Et qui t'invite à manger du coup. Okay. C'est le minimum pour s'excuser. Cartman, gros bisous mon poteau, David, merci. Merci les gars. Ouais. Avant de partir, juste, je voudrais dire quand même, franchement. Oh, ça fait plaisir de se retrouver quand même. Yeah, c'était rigolo. Allez, ciao les gars. Et là, il y a Miko qui filme, il est en train de pleurer. Il est en train de chialer dans sa régie là-haut. Bisous mon poteau. Arthus, reste un peu avec nous. On l'avait dit, j'aurai une petite surprise dans un instant avant de te dire au revoir. Une petite surprise où je ferai jouer le public. Alors, je serai peut-être un petit peu dur parce que c'est la rentrée scolaire. Mais à un moment donné, il faut savoir être dur. Et la Rousseau, c'est de la merde. T'as vraiment envie de la voir. Ça soit un kiff qu'elle vienne faire, qu'elle vienne chanter. Voilà, donc je le dis. Il veut trop. Eh bien, écoute. C'est les mecs, il y a plein d'artistes en dessous, ils sortent comme ça. Quelqu'un m'a parlé de moi? Quelqu'un? Bon, nous allons installer une petite table romantique. C'est le moment, Nawel. C'est le moment. Tu vas donc t'installer. C'est notre speed dating de rencontre. Mm-hmm. Alors, je sais que ça ne se fait pas parce qu'en théorie, quand des un gens speed se rencontrent, de rencontre. Ils se disent juste bonjour. Ils font pas un speed dating. Mais là, j'ai décidé de pendant quelques minutes faut essayer du de voir temps. Si on est compatible et si on pourrait bien s'entendre, toi et moi. T'as vu ou pas, regarde. Il y a du budget. T'as vu ou pas le budget? De ouf. T'as vu? Il y a deux coupes en total plastique. Il y a amené un siège, s'il vous plaît, pour Nawel. Il y a pas de siège là, non, les amis. Non, ça c'est trop gros. Non, regardez. Un lapin dans les phares. Regardez-moi ça comme il est perdu. Il cherche un fauteuil. Regardez-le. Voilà. Qu'est-ce qu'il cherche là? Il est là. Il cherche. Voilà. Alors, là, on il a un, trouvé son fauteuil. Voilà. On a les micros. On a tout ce qu'il faut. Est-ce que nous avons deux micros à chef ou pas? Ah, regarde, elle est bien la chaise. Voilà. Ah, si. Voilà, maintenant, les mecs sont en train de se dire où on a mis les micros. Si, ils sont là-bas. Oh putain, heureusement. Oh là là là. Nawel, va t'installer, je t'en prie. Je vais faire le tour. Arthus. Peux-tu, s'il te plaît, présenter ces deux candidats au speed dating le temps que je fasse le tour de la table? Arthus, tu es le maître de cérémonie. Bien sûr. Donc attends, je vais mettre un mec à la... J'ai besoin d'un mec au clavier pour jouer de la musique d'amour. Jeff. Va jouer de la musique d'amour. Allez, magne-toi. Mets-moi pendant que Arthus nous présente. Voilà, mais moi, ce que tu veux. Musique romantique, piano bar, il est 20h52. Il est en retard. Ouais. Voilà. Ah ouais, putain, c'est vrai que je suis en retard. Mesdames doucement. Et messieurs. Voilà, j'arrive. Bonsoir. Attends, je mets ma veste. Ah oui, faut pas... Ce soir, vous allez assister à... Vous allez assister à la rencontre. Voilà. Je peux présenter, bordel de merde. En mode détente. Je soigne sa présentation, là. Il est beau, mon pigeon, de ce soir. Elle attend. Elle attend le bel étalon. Malheureusement, le bel étalon n'a pas pu venir, mais Koé sera là. Oh, merde. Il est où, l'étalon tout court? Il est où? C'est comme ça qu'on m'appelle. L'étalon tout court. L'étalon tout court. J'arrive. Il vient de garer sa Twingo devant la porte et il rentre dans le restaurant. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Il me regarde, c'est lui. Elle a l'air déçue. Il s'assoit quand même. Bonjour. Il a l'air à l'aise. C'est elle. Ah putain. Bonjour. Bonsoir. Il y avait écrit Brad Pitt sur le profil. Il n'a pas pu venir. D'accord. Je suis son sosie non officiel. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sébastien. Sébastien. Oui. Khadija. Khadija. Ça va très bien avec les yeux. Khadija, où as-tu grandi? J'ai grandi en bas de chez toi. Je suis la fille de ta nounou. Est-ce que tu peux... Alors, au plein du jour, on a la dorade. Est-ce que vous pouvez... Le piano, il est plus fort que les dialogues. C'est où, ça? C'est quel? Ouais, merci beaucoup. Doucement. Dis-moi, Nawel. Oui. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Bien chiant, hein? Je serais une chatte. Pour que tu me caresses tous les jours. Bon, une chatte de la rue, hein. Avec des longs poils. Avec des longs poils. Si tu pouvais passer une journée dans la... Hey, excusez-moi. Les deux là, je peux draguer ou pas? Pardon, c'est que j'ai... Merci. Pas le budget, je donne des cours en même temps. Nawel, si tu étais une journée dans la peau d'une célébrité, à part moi bien sûr, qui choisirais-tu? Dans la peau d'Arthus, parce qu'il a beaucoup de peau. Parce qu'il y a de la place. Il est extensible. Allez-y, posez-moi des questions, parce que je vois que le charme agit. Et... Sébastien. Oui.
Ça fait longtemps que tu es là, je te vois partout, un peu sur scène, à la radio. Je me suis toujours demandé... Tout le monde se demande dans la salle quel âge tu as. Car 29. 29 ans. 29 ans depuis 20 ans. Oui, c'est à peu près ça. Tiens, justement, c'est une belle transition. À quoi ressemble ton homme idéal ? Un nombril. Hein ? Je te jure, Jeff, ça va mal se passer. Hein. Ça va mal se passer. Hein. Nawel, est-ce que tu crois au coup de foudre ? Je crois plus au coup depuis quelques années, mais... les coups de pute, les coups de... Les coups de coco, les 12 coups de minuit, tous les coups. Les coups de foudre... Sur une échelle. Donc il y a que toi qui poses des questions. Non, vas-y, je t'en prie. Alors moi, j'ai que des questions au niveau sexe, hein, donc... C'est-à-dire, moi, putain, tu t'as changé d'instrument, espèce de relou. Non, on t'a dit piano. Mais t'as dit arrêter le piano, j'ai arrêté le piano. Mais oui, mais c'était une façon de parler, j'étais obligé de prendre une guitare. Pardon. Respecte-moi. Excuse-moi. Joue de la guitare doucement. D'accord. Bientôt, il va se faire la Del Boca. Alors. Non, ça, il l'a pas. C'est quoi ton... Ah non, mais... On a Gad Elmaleh dans la salle, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Tu vas me faire chier longtemps? Tu vas me casser mon cou longtemps? Déjà, il y a du monde, c'est gênant. Mais merci. C'est quoi ton petit plaisir perso? Il y a un peu de monde pour en parler. C'est la question. Regarder ton spectacle. Oh. Et être là avec toi. C'est ça ton petit plaisir perso? C'est mon petit plaisir perso depuis 5 minutes. Pam, 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 pam. Oh, non, mais tu vas. T'imagines, tu rencontres un mec qui chante comme ça. In the mood, in the flesh, when you say. Il est beau l'accent aussi. At the night, and flow. Oh, at the night is flow. Check the moon, check the moon, check the pie, check the shake. Stand by me. Sauce sucrée ou sauce salée? Nawel, sur une échelle allant de 9 à 10, tu me donnes quoi comme note? Il y avait, non? Comment? De 9 direct à 10? De 9 à 10? Ah, d'accord. Oui, ça évite les mauvaises surprises. D'accord. Combien vous lui donnez? 10? Mais quelle bande de suceuses là devant, mais c'est un truc. Arrêtez là. Non. Quand je dis suceuses, c'est que vous lâchez les bottes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Si on va taxer les bottes. Oh le relou! Vas-y, continue, putain, c'était bien! Hey! Faites du bruit pour Nawel Madani qui est avec nous. Je rappelle qu'il y a plein de choses à savoir sur Nawel Madani, qu'il faut absolument aller à l'Olympia. Est-ce que tu as les dates, Artus? Oui, les 13 et 14 décembre. À l'Olympia, le DVD sort le 12 octobre, bien sûr. Quant au film, le premier long métrage, c'est tout pour moi, sortira le 14 octobre. Absolument. Le 29 novembre. Tu joues dedans, Artus. Je joue dedans en plus. Et tu joues dans la web série, Couscous c'est nous. Je joue dans la web série. Oui, c'est ma femme. Putain, tu joues dans le film. Bien, vous êtes amis, vous êtes. Je ne savais pas, moi. Bah oui, on est intimes. Bravo, bravo. Il joue bien. Il est extraordinaire. Non. Tu dis ça parce qu'il est là. Bah non, d'ailleurs, on l'a pris dans le film. C'était pas Artus Cussi aujourd'hui. Hein, on était content de l'avoir. Ah, parce qu'on avait décelé le talent. Le talent. Il est très talentueux. Il le sait d'ailleurs. Wow. Il rougit du front, grave d'ailleurs. C'est bizarre. C'est vrai que. En tout cas, je suis content d'être venu. Hein. C'est une belle émission. Hein. On peut casser des trucs encore. Alors, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'MC Solar? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Toujours rien. Ça va mieux? On sait des trucs ou pas? Non, on sait pas. Juste avant de finir l'émission, j'aurais voulu. Non, on sait pas. Pas de nouvelles. Bon, écoutez, tout va bien. Pas de nouvelles. On peut la faire mieux. Pas de nouvelles. Nouvelles. Nawel, tu viendras nous voir? Bah, avec grand plaisir. Tu me promets? Oui. T'es invité quand tu veux. Ah bah alors. C'est. Merci. Tu sais quoi? C'est. Vous voulez que je revienne? Oui.
C'est open. Un mardi, t'es là, même n'importe quel jour, tu viens, même si on n'est pas en public. Même si on n'est pas là. Eh ben même si on n'est pas là, on viendra. Tu viens, tu dis est-ce que Koé est pas là? Tu vois, il y a un agent de sécu là-bas, le monsieur, il est de la sécu, monsieur. Dès que vous voyez passer Nawel Madani, à n'importe quel moment, elle dit Koé, il est là, vous m'appelez et je viens faire l'émission, même si d'accord. On compte sur vous, hein. C'est quoi votre prénom? Tu vas voir Jordan, d'accord? Ah ouais. Jordan, la Jordan il attend que ça. En fait, Jordan, il attend que ça que tu viennes le voir. T'es chaud, Jordan? Dis donc, t'as rien à sécuriser à la sécu? Jordan, il sécurise la porte. Je dis, on sait jamais si elle bouge la porte. Je suis là et tout. Je suis là. Le public, Nawel Madani, t'es avec nous. Artus aussi, bisous, mon poulet. Mais bisous. Bisous, mais je vais maintenant faire un truc. Oui, toi, je m'y attendais pas. Il me reste 5 balles. Juste la dernière fois que j'ai vu le MC Solar, il faisait des panneaux solar. Ah, ça mérite. Ouais, 5 balles, ça va. Ouais. Et l'histoire des deux, on l'a à la fin ou pas? Ah oui, donc les deux. Non, c'est on l'oublie. Je veux juste savoir si c'est celles qui sont dans l'ascenseur. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Ouais. Non, bah, elle est trop chère, elle est trop chère. Vous voilà, il y a une jeune fille avec vous, il y a Nawel qui est là. Vous pourriez être classe quand même, c'est la première fois qu'on se voit. Le public, c'est la rentrée scolaire, j'ai besoin de 4 personnes. Je veux 4 personnes, c'est important. Je veux 4 personnes, écoutez-moi bien. Les 4 personnes, puisqu'à la fin de l'émission, là, je vais faire un truc étonnant. Je le dis si vous nous écoutez. Je vais faire un truc où je vais peut-être aller quelque part dans Paris et je vais prendre 4 personnes du public avec moi qui vont poursuivre la soirée avec moi. Il va falloir le mériter, par contre. Je suis chaud. À toi, t'es chaud ? Ouais, je suis chaud. Mais tu ne fais pas partie de ces 4 personnes. Mais sache que si tu es libre après, tu viens avec nous. Ouais. Et c'est pas un club libertin, vous Et je le dis aussi à Nawel. Ouais, je vais laisser tomber, alors je vais rentrer. Le principe est simple. Je vais prendre 4 personnes du public et si jamais vous avez la bonne réponse et personne ne doit souffler. Vous viendrez avec nous ensuite, avec l'équipe. Je vous emmène en vedette, sur les vedettes du Pont-Neuf. Vous voyez où c'est, sur la Seine. Oh, et on va se faire une petite croisière comme ça, à la cool, après l'émission, en train de se balader dans Paris, à la Belle Étoile et tout machin. Paris by night. Il y a à manger sur le bateau. Il y a à manger sur le bateau. Parce que ça, la dalle quand même, là. D'accord, levez la main, j'en prends. Ceux qui veulent jouer. Je vais prendre cette demoiselle, j'ai les questions avec moi. On se dit les 4 premiers qui donnent les bonnes réponses, tu les emmènes? Je dis les 4 premiers qui donnent les bonnes réponses. Allez. D'accord? Allez. Alors, pas toi. Jeune homme, levez-vous, quel est ton prénom? Bastien. Ça va, Bastien? Ça va et toi? Très bien. Bastien, attention, mauvaise réponse, tu ne pars pas. Bonne réponse, tu viens avec nous. Ça te fait kiffer? Bah oui, carrément. Soirée avec l'équipe? Ouais. On y va. C'est un édifice religieux parisien qui voit passer 11 millions de visiteurs par an et reçoit le double de fientes de pigeons. Situé sur les hauteurs de la capitale, il est accessible par un télécabine comme au ski, sauf que là-haut, il neige que des fientes de pigeons. La première partie du nom de ce monument, c'est un truc qu'on met sur les pattes. Le Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur. Tu viens avec nous, c'est bon ! C'est toi ! Culture. Allez, je prends une copine belge. Quoi, t'es dispo après ou t'es pas dispo? Allez, lève-toi. Vous êtes ensemble? Ah bah non, si elle gagne, tu restes là, on s'en fout. C'est quoi ton prénom? Marie. Elles sont belles, les Belges. Elles sont très belles. C'est un monument qui fut habité par un bossu, qui est entouré de pigeons sales juste à côté de la Seine. Et c'est la meuf la plus connue du monde, et même Garou l'a chanté. Notre-Dame de Paris. Tu viens avec nous! À toi, lève-toi. Attention, c'est un monument qui est au milieu d'un carrefour, qui est entouré de pigeons sales. Vous aurez remarqué que c'est le point commun. Hein. C'est running. Ouais, qui est entouré de pigeons sales, tu y restes bloqué dès qu'il y a de la circulation. C'est en haut de l'avenue la moins sûre du monde, c'est-à-dire les Champs-Élysées, c'est... Attendez, vous répétez. C'est un monument en haut des Champs-Élysées, c'est... Ne l'aidez pas, ça a l'air d'être un bon cas, c'est rigolo. C'est un monument, c'est... La Tour Eiffel en haut des Champs-Élysées. Le Stéphane. Comment? L'Arc de Triomphe. C'est trop tard. Tu t'assieds, tu resteras chez toi ce soir seul à manger une boîte de sardines. Voilà. Je vais prendre. Comment? En haut? Vous aviez qu'à vous mettre en bas. Alors donc, je vais prendre. Mademoiselle, lève-toi. Lève-toi, tu es prête à répondre à la question? C'est quoi le prénom? Cindy. C'est le monument qui est rempli de vieux trucs entourés de pigeons sales. Il se situe le long de la Seine, il y a plein de pickpockets près de sa pyramide. À la pyramide du Louvre? Quoi? Qu'est-ce que tu voulais souffler, toi? Qu'est-ce que tu voulais souffler? Tour Eiffel. Tu viens avec nous? Ouais. Allez, encore une. Allez, toi. Le prénom? Coralie. Voici la dernière. C'est un monument qui a presque le nom du pote d'Astérix. Les pigeons se posent dessus et le salissent. Son deuxième nom est presque celui d'un avion qui ne vole plus. Il se trouve en bas des Champs-Élysées. L'Obélix.
L'Obélix. Bah oui, non, l'Obélix. Obélisque. Ah, Obélix. C'est pas fini, c'est pas complet. L'Obélix qui est en face de. C'est l'obélisque de quoi? C'est l'obélisque de quoi? De quelle place? L'obélisque de là? De la Concorde. Voilà. La place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale. Voilà, en bas de la rue. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si j'accepte cette gagné. Réponse. Nawel, est-ce que je valide cette réponse? Bien sûr. Tu viens avec nous aussi. Vous savez quoi? Désolé les autres. Vous savez quoi? J'ai envie de dire désolé les autres. Hein, ouais. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est on le jeu. Et tu peux en prendre que 4 parce que je m'en veux vraiment d'avoir soufflé la Tour Eiffel. Ah, mais perdu, perdu, c'est perdu. Ah, ah c'est ta faute, c'est la soufflée Tour Eiffel. C'est pas compliqué. Apprends ta géo, bordel. Bon, est-ce que je peux vous dire un petit truc? Cette émission, vous la suivez sur Facebook Live? Vous allez continuer de la suivre. Le public, vous avez rien de prévu? Si je vous dis qu'on ouvre la porte et qu'on va tous faire un tour sur la scène. C'est beau ça. Et nous? Comment? Nous aussi? Quand je dis tous, Jeff, c'est tous. Wow. Quand même Jordan de la Sécu? Même Jordan de la Sécu qui va sécuriser. Même Toyota? Même Toyota va venir avec Toyota. Nous. Est-ce que vous avez vos affaires? Alors, je vais vous dire un truc. Grâce au bus Open Tour et aux vedettes du Pont Neuf, les amis, la porte, on peut l'ouvrir. On ouvre quelle porte? On passe par où? On passe par là? Eh ben, par là? On passe là? Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Nous allons partir directement en bus, puisque le bus est devant la radio. Le bus est devant Virgin Radio. Et on part tous ensemble. Je vais enlever mon casque. Allez. Je vais tout enlever. Je ne sais pas, je pense que je suis encore en direct. Voilà. Le public est en train de sortir. Moi, je voulais sortir, mais je crois que le public est passé avant moi. Donc c'est un peu compliqué. Attendez. Piet, t'as ton blouson? Moi, je suis comme ça. Est-ce que tu as ta sortie de territoire? Oui, monsieur. Marie, tu viens avec nous? Oui. D'accord, tout le monde vient avec nous. On va être en live sur Facebook Live pour la suite. Nawel, je te fais un gros bisou. T'as tort de pas venir avec nous. On va passer une petite soirée. Tu sais quoi? Ça aurait été notre soirée la plus romantique du monde. Pour ouais, une première. J'ai arnaqué tout à l'heure. C'est quoi? Pour la première soirée, je l'envoyais en speed. Je la prenais en speed dating avec moi sur la scène. Sur la scène. Bah, apparemment, elle a dit non. Apparemment, elle veut pas. Bon. Bah, j'ai essayé. C'est ça le. Ouais, j'ai même insisté lourdement. J'ai essayé, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Voilà, tout le monde sort. Où est le bus? Ça, c'est la police. Où est le bus? Bisous, Manalwen. À bientôt. T'embrasse. Attention. Je vais donc sortir devant Virgin Radio. Le bus est là, que tout le monde monte dans le bus. Allez-y, montez. Allez-y, on monte dans le bus. Allez-y, ceux qui... Non, évidemment. Allez-y, montez. Que tout le monde y aille. Que tout le monde bouge ses fesses. C'est vas-y. Allez, on y va, le bus est là. Tu es avec nous, toi? Non, je vous abandonne. Ouais, je te fais un bisou, t'as tort. Bisous. On va passer une belle soirée. Allez. Allez, on y va, on est en retard. Mais enfin, je ne sais moi qui... J'ai l'impression d'être celui qui gère tout, là. Je fais les colonies de vacances. Voilà, on monte dans le bus, restez avec nous. Victor, maintenant, mets-nous un morceau. Bichette, je te fais un bisou aussi. Restez là, le temps qu'on monte dedans, on se retrouve pour un Facebook Live juste après, d'accord? Allez, à tout de suite, regardez-nous. Bisous, on revient demain sur Virgin Radio, je vous embrasse. Allez, salut. Suivez-nous. Koé revient demain, 18h, 21h sur Virgin Radio. C'était un truc de ouf, vous allez d'ailleurs pouvoir continuer la soirée avec. Bonjour. Nous sommes de retour? Ouais. Je mange des dig-dacs. Ça y est, on est revenu grâce à la très bonne collection de M. Guillaume. Alors, on y va ou pas? Allez! Ouais! Il n'y a pas d'ambiance ou pas? Ouais! Ouais! On dirait une mouette. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qu'il fout? C'est toi qui m'as vanné? Ouais, c'est moi. Le mec est stagiaire depuis 3 jours, on dirait une mouette. T'as envoyé sur une autre radio, moi, ça va être vite vu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Attention, je vais donc emmener tout le monde. Je vais aller voir l'équipe. Jeff! Hey! Oh putain, tu me fais peur! Bienvenue sur Facebook Live! Il y a Nathan qui nous dit salut. Salut Nathan! Salut Nathan! Ah Nathan, nous allons partir maintenant sur la Seine. Non, c'est le Lyon à Paris. Non, c'est la Seine. Non. Ah, mais je sais, cette vieille, je sais, ce vieux truc, je sais. Ça nous fait chier avec tes histoires. Voilà, il y a Sébastien qui nous fait. Hey, il y a Noéline qui nous fait coucou. Salut Noéline. Voilà, où sont les autres? Ils savent que le bus, il va pas les attendre 1000 ans? On va à 1000 ans.
Excusez-moi, hein, je suis là en train de chercher Jeff. Fais un sourire, dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, putain, je vois rien que la lumière. C'est normal. Ah, y a qui? Y a Angélique qui est là, y a Samuel. Ouais. Il y a qui fait yé, il y a. Vous avez zéro imagination sur Facebook, hein, des yé, salut. Quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va? Tu pouvais essayer d'arriver. Mais c'est papa, s'il te plaît, vas-y, c'est long, me fatigue. Là. C'est chiant, c'est long, on y va là. Calme-toi, on va y aller. Oui, si, j'ai envie d'aller sur la scène. C'était bien cette émission publique, oui, c'était très très bien. On s'est bien éclaté. Mais rigolé. T'as kiffé ou pas, Pierre? Ouais. Et ben les gens devant, ils ont dit qu'ils avaient jamais on autant rigolé. Kiffé, oui, c'est vrai. C'était canon. T'as remballé 7 ans du notre radio. Oh. Tu viens de remballer. Ils sont mignons. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Ah, mais t'auras pas de problème. Attention, donc voilà. Hey, ça va? Oui, c'était ma première radio. C'est votre première radio? Oui. Alors, cette première fois? Toute première fois. Tu as kiffé? Ah, chouette. Et oui, si vous venez nous voir, la première fois se passe toujours très bien. N'ayez pas peur, venez ici, vous pouvez pas rater, regardez. Il y a écrit Europe 1, mais quand vous regardez à côté attentivement là, bah, vous voyez pas, mais il y a ma tête. Il y a ma tête là-bas. Là, il y a Camille, et là, il y a moi. Nous, on a eu droit aux petites fenêtres, les autres ont eu droit aux grandes fenêtres. Bon, un jour, on sera grand, on sera sur Europe 1, on aura des grandes fenêtres. Voilà. Ça va toi? Très bien. T'es en forme? Au top. Ah, je vais essayer de voir un peu qui fait partie de l'équipe de Virgin Radio, qui est un auditeur. Quoi que je t'ai pas vu, oui. Quoi que je t'ai pas vu en train de t'incruster. Voilà, là on a des filles. Ta mère va voir tout ça. Ça va? Ouais. On attend pour partir, vous savez quoi? Heureusement qu'on n'est pas en direct à la radio parce que je pense que cette séquence serait la séquence la plus longue du monde. Là, vous êtes chez vous, vous matez Facebook, vous avez rien à foutre de la soirée. Si vous êtes avec nous, c'est que vous avez décidé que la télé c'était de la merde. Et donc, vous êtes chez vous, du tiens, je vais regarder des mecs en train d'attendre que le bus démarre. On attend Bichette en fait. Parce que ça, c'est un bon concept d'émission télé, d'attendre que le bus démarre. Je voudrais faire les consignes de sécurité avant de partir. Ah oui, ah oui, c'est important. Alors. C'est quoi les consignes de sécurité? Eh ben les portes, l'évacuation. Voilà, les portes. Évacuation. Ceinture. Et au moment. Ceinture. Votre ceinture. Il y en a pas. Si, il y en a. Et les toboggans, ils sont où? Eh, qu'est-ce qu'ils foutent là, les autres? Enfin, il y a que 5 minutes à venir. Oh merde, je suis parti avec le. Je suis parti avec le truc de la radio, l'écouteur. Ah bah ça y est, Virgin ne marchera plus, je suis parti avec l'écouteur. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a un truc qui est tombé. Non mais c'est. Bon. On peut avoir des news ou pas? Et vont partir. Pourquoi ils sont pas prêts? Je veux des explications. Vous savez quoi, ceux qui sont pas là, j'ai décidé de façon unanime en tant que dictature cool, on s'en branle. On y va, allez. On y va, on a assez entendu, moi j'ai envie d'aller faire un tour sur le bateau. Allez, go! En avant! En avant, pour dire en avant en bus, il faut taper deux fois par terre. Mais... trois, c'est trois. Non, c'est deux, c'est deux. Non, c'est deux. C'est, non trois. C'est deux, trois, ça veut dire arrête-toi. Oh merde! Plus fort! Cours, Bichette! Bichette! Stouf, allez! Cours! Allez! Oh là, les vedettes américaines. Allez. Et où elle va? Où elle va? Ça y est, ils sont là, on peut y aller? Quand même. Allez, on y va, je retape deux coups. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est mort ou quoi le chauffeur? Est-ce qu'on a des nouvelles? On a des news du chauffeur ou pas? On y va! Jeff, ouais. Va voir le chauffeur s'il te plaît, dis-lui, on y va. Ah ça y est. Ça y est. Mesdames, messieurs, je vous emmène visiter Paris. Voilà.
allons visiter les monuments de Paris. Nous sommes où exactement, monsieur Pienne? Sur l'avenue François 1er, une des plus pauvres de tous les arrondissements. La rue François 1er, un endroit difficile où les gens doivent faire des petits boulots. Vous voyez, ils mangent le trottoir, regardez. Le trottoir rien est démonté parce qu'en fait, les gens mangent les tuiles, les cailloux. On demande si tu peux conduire le bus. On me demande si je peux conduire le bus. Ah, je peux conduire, mais je n'en ai pas envie. T'as pas le permis, surtout. Et j'ai surtout pas le droit. Ça va, un moment, je vais faire un petit snap. Sur Snapchat, Koyoff sur Snap. Hey! Bon, je l'allume, personne fait de bruit, putain, je L'effet est gâché. Les gens voient ce que tu filmes. Ouais. Parce que t'as un mec, t'as assez de pas de chance quand même globalement. Ouais. Dans ce que tu beaucoup. Fais. C'est pour ça que je voulais savoir, t'es sûr que tu fais pas un Facebook Live sur une autre radio? Non, c'est pas bon, trouvé, c'est t'es bon. T'es vraiment sur mon truc à moi. T'es bien cadré là, t'es sûr? Bien cadré. J'ai l'impression, mec, qu'à chaque fois que tu touches un truc, c'est un drame. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Mais pas du tout, même. Ouais, c'est vrai. Il tremble pas en plus. Mais arrête, putain, Jeff. Et on a l'impression d'être les champions du monde après un match. On a gagné. On a gagné. C'est comme ça que ça se passe. On a gagné sans jouer. Ce qui est assez rare. Salut! On est sur les champs là. Alors là, on n'est pas sur les champs. Bientôt. On n'est toujours pas sur les champs et on passera pas par les champs, c'est pas la route. Ah bon? Okay. Mais non. J'assume pas les attiques. Alors moi, j'ai jamais assumé les attiques. C'est notre stagiaire qui a lancé un attique. C'est pour ne pas responsable. Parce que le mec, il veut absolument rester, il est trop content d'être là et il a lancé un attique. C'est pas gérable un attique. Regardez le Georges V, alors quand vous n'avez pas de place au Formule 1, il dégage ses places ici. Au même prix. Au même prix, vous pouvez avoir une chambre à 40 euros. 15 idées. Une jolie voiture en bas. Regardez, filme les bagnoles. Filme. Je me suis mal garé. Regardez les pigeons qu'on chie dessus, comme ils ont dû être contents. Là, ils sont allés en disant, tiens, bim, allez, vas-y. Parce que là, le caca de pigeon là-dessus, ça te flingue la peinture. C'était un instant turbo. C'est mon moment où je donne des conseils comme ça pour les gens qui ont des voitures. Alors j'espère que ça va. Il y a des conseils. Il y a des gens qui veulent tester les messages ou pas, qui nous disent bonjour. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'on a des super ambiances, que tout est bien. Que tu me tapes. J'aime bien te taper. Il y a des gens qui demandent où est Stouff. Long sur le bateau. Je pense que je vais faire semblant de rentrer sur le bateau et je vais partir dans l'autre sens. Il y a des gens qui nous demandent de passer devant une ancienne radio et de mettre le feu. Non, on va passer devant une ancienne radio, c'est pas la route. Sinon, vous savez bien que je l'aurais fait. Ah ouais, merde, c'était trop de passer devant une autre radio. Il y en a une pas loin. Hein. Non, on peut plus là. On peut plus là. On a pas le droit de tourner à gauche. Et là, tu mets un oh, 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 on est là. Et ils vont sortir, ils viendront avec nous et on les emmène. Oui, parce que nous, on est pour emmener les autres radios avec nous, faire un tour sur la Seine. On n'est pas comme ça, on est des gens cool. Là, on arrive pas très loin parce que nous rejoignons la Seine. On a le monument de Lady Di qui est juste là. Là, fume le restaurant. Là, c'est un restaurant, c'est rempli de touristes, il n'y en a pas un qui comprend. Oh, I don't understand what is going on. I don't know what is happening. I saw one thing. I saw an amazing bus. Amazing bus. And the people say, Cowell. I didn't know this guy. And another guy, I think, is amazing. He's amazing. This guy is at the top of the bus. And he said, Cowell. Oh, it's amazing. Oh! Oh, you are so cute. Oh, I see the Eiffel Tower. Oh, I see the Eiffel Tower. Wow, this is so amazing. Oh, the Eiffel Tower is so big. Oh, yeah. Beautiful. Yeah, she's beautiful. She's so amazing. Amazing, the Eiffel Tower. Yeah. It's shining. Oh, yes, it's shining. It's shining at the hour. It's shining. Beautiful. Yeah, it's beautiful. And you know, it's for the lover. Voilà. It's for the lover. C'est ça. C'est la tarte au mur.
It's amazing. It's beautiful flowers. Of the three. Shut up. It's amazing. It's beautiful. It's not smoke. Not smoke. No, it's of the three and the three and the don't smoke the, that. The three is not. Smoking is not good. Not good. Up the step. Let's go. Okay, let's go. Vedette, we're going to Paris. Paris is go away. Put your hands up. Put your hands up. In the air. And touch the sky. Wish. Let's go. Alexandre the First. Yes. Alexandre the First. Yes. Beautiful. And c'est un valet 12. Yes. We are right. Amazing. Bulletin météo, on se gèle les couilles sur le point d'abus. Amazing. C'est bien, c'est vivifiant. On le parle. Respire un peu la pollution, tout ça. Je me baisse. Excusez-moi, je me dénude, pardon. L'obélisque de la Concorde. Alors, l'obélix, le copain d'Astérisque. Voilà. Donc tu continues à parler anglais. Ah, you want that? All right, no problem. Oh, this is National Assembly. It is the National Assembly. It's the place of the a lot of people sleep. Who don't go yet sleeping. It's a good place to sleep. And a lot of people don't know what they want to do. Shut up. Why you want me to shut up? Because shut up. No, I don't want to shut up. Shut up. No, I won't shut up. What? Are you? It's a typical French music. Yes, really phenomenal. Pierre Chassal. Beautiful song. You can sing this song when you have a people died. You know, people died. You are in the church and you sing "Everyman Phenomena," and the curate, yeah. Fait la 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 la. Fantastic. Sans encore une déconnexion. Non, du tout. Sans encore une déconnexion. I frap you. I take you face. I put your head. Your head is the same, and your body here. Alright? And all right. After, good luck to put the two pieces. Okay, no problem. And now it's a Musée du Quai d'Orsay. Beautiful place. I don't know what it is inside, but nobody said what it is inside. Inside. That is beautiful. Voilà, it's a beautiful. It's very warm. Very warm. For me, it was that. No! Are you sure it is in Paris? Yes, it's I have a doubt. It's a bridge new. All right. The bridge new? The bridge new? The bridge new? It's Pont Neuf. Yes, welcome. Welcome Wall Street Institute.
with us, you speak English in 10 years. Yeah. 10 years. Il y a des gens qui disent je comprends rien. Shut up and I'm out. Go to Babel. Go to Babel to learn English. Okay. Okay. Listen to. Is it a Babel? What is a Babel? It's a Babybel. Ah, yeah, that's a big Babybel. You are abonné à the Babybel. Yes, the cheese. We arrive in 5 minutes. The dance of the Père Noël. the dancing Père Noël. Pom, 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 pom. Tu aurais pu moins dire, toi. Je te le dis, c'est moi qui suis derrière. T'as de la chance, je sais pas chipper. Mais tu y es presque. Allez, essaye. Serre plus les dents. Dès que je sais chipper, je te chip. Ouais, bah, ça va faire un truc, hein. Je vais te chipper. Mat 7. Regarde la petite moustache, on dirait Silky Shy, des Tizzy Bones là, tu vois. Il y a Hélène qui dit... Don Diego de la Vega. Il y a Hélène qui dit je veux Coco en guide sur Paris. Eh bien, no problems, the lovers. Where you can see a mommy, you can see a Egyptian, you can see the pyramids, you can see... the Joconde. The Joconde is not beautiful, but... It is a Mika fan club, the Mika fan club. Mika, allez, allez. It's for Mika, allez, allez. Okay, it's my wife, it's my wife. Your ex is my wife. Je lui avais dit, tu fais pas cette pub. Eh mec, je te pique ton ex avec elle, je fais du sexe. Non, mais moi, je peux parler italien maintenant. Si, bonne journée à tous. C'est pas l'idée, c'est une grande city. Celui qui demande en allemand. Yeah. Paris, c'est night. Wunderbar. Das Pub, c'est deutsch. What? Wissen Sie Deutsch? Hast du Rolf und Gisela sind in die Garde. Aber wo ist die Katze? Die Katze ist in der Bar. Hast du den Aspen? Ja, wenn du schön heilst. C'est une très belle chanson. On passe des très belles soirées. C'est très beau. Attention, donc, nous continuons. C'est là, il est en train de gérer un dos, regarde. Ça, c'est un dos. Là, c'est un dos de 130 kilos. Je sais pas comment il faut. Je comprends pas non plus. J'ai pas osé réagir. Sa nouvelle copine fait 130 kilos. Je sais pas fatigué. On arrive quand? En fait, c'était une visite de la Seine, mais j'ai. À l'occasion, on s'est trompé, c'est peut-être une visite le long des bords de Seine. Ah, il y a le numéro, il y a le téléphone. Merde, il y a le numéro, il s'est affiché. C'est le numéro de qui? De qui? Avec Tony, du matin. Accent créole maintenant. Non. Je ne fais plus, je ne veux pas avoir de problème. Alors, en picard. Maintenant, on ne peut plus faire d'accent. Il y a Zako qui dit en picard alors. Vas-y, fais un accent. Fais-moi. Moi, je ne sais faire qu'un seul accent, je suis désolé. Belge, vous n'avez rien. Hey, c'est pas l'accent, belge. Très, très sûr. Là, je ne sais pas chipper. Mais moi, j'ai été élevé au chip aussi. Ouais, chip aussi, il a mangé beaucoup de chips. Chip. Hein, Jeff, t'as mangé des chips. Ah, what? Moi aussi, t'as chipsé beaucoup. Ah. Nous sommes sur le Bridge New. Le Bridge New. Le Bridge New. Le Bridge New. Bien sûr. Hello, the Bobos! Hey, it's a Bobo center. It's a place where there is a lot of Bobo. What is the Bobo? The Bobo is a guy with long barbs and he loves bicycle. Bicycle, the Bobo. And the Bobo fish it to the moon. He blocks the quay. He blocks the quay because he wants to make the bicycle. And a lot of people can't have a car. Because the Bobo he has no kids, the Bobo. The Bobo is in the center of Paris. No. And the Bobo loves the quinoa. The quinoa. On arrive? Bon, on va sur le bateau. J'ai une question. On est tout seul sur le bateau ou il y a des gens aussi chez vous? Je crois qu'il y a des gens. Ah, d'accord. C'était le but. En fait, le but, c'était pas de les ramener juste devant le bateau et de leur souhaiter bonne soirée. C'était... Non, mais les gens dans le bateau déjà. Ah, ça, je sais pas. Parce que sinon, on va un peu leur pourrir leur soirée. Ouais, c'est possible. J'étais en train d'imaginer ça. Vous avez raison, je ne me suis pas occupé de cette histoire. Mais je crois qu'il est pour nous. Ah, d'accord. Bon, bah ça va alors. Je crois qu'il est pour nous. Les amis. Bon, on y va ou qu'est-ce qu'on fait? On prend le bus? J'en connaissais la même avec mon... Ouais, mais non. On y va ou... Il y a une histoire avec un chien. Moi, je la connais pas. On y va.
Allez, Piet. Bah oui, mais je veux bien. Et pour Piet, allez, allez. Et pour Piet, allez, allez. Ah, il y a Miko qui nous a rejoint sur le Facebook Live. Miko ? Ouais. Il est pas avec nous ? Il est pas avec nous ? Non, il pouvait pas. Ah, il fait les vidéos. Il rate une belle balade. Il rate une belle balade. Il rate une balade. Sur le sein. Il a dit vous m'avez oublié. Ah, on l'a oublié non, en fait. On fait une bise aux vedettes du Pont Neuf, hein. Bravo les amis. Hein. Ouais. Bon, on peut descendre ou pas? Pas de patience. Ne tente pas. Ne chauffe pas. Passe au-dessus, ne fais pas chier. Ah, je vais me péter un truc. Ouais, tu peux te péter un truc. Ah, bah là, il y a des chances. Ouais. Sauter du haut d'un bus, on peut se péter un truc. Ouais, c'est pas fait pour en fait. Non, j'ai rarement les mecs qui me disent passer par-dessus le bus. Allez. Allez, on y va. Jeff, vous êtes en train de bloquer tout l'escalier. Il y a Miko qui dit que vous êtes parti sans moi, merci beaucoup la famille. T'es sûr qu'il avait des trucs à faire ou vous l'avez oublié? Je sais pas. Je crois que vous l'avez oublié moi. Mais en même temps, on l'a attendu longtemps. Hein. C'est vache. Ça va toi? Allez, on y va. Allez, go. Pas ça, pas ça. Ah, et là, toi, t'es bien parce que là, tu descends l'escalier en filmant. Hein? Non, non, arrête, arrête. Alors, ça va? Ça se passe bien? Quel Miko, merci. Arrêtez, putain! Aïe! Merci. Ah non, tu m'as mis en gros plan. Merci, chauffeur. Ça va? Sur la vie de ma mère, tu es toi aussi. Bah, moi, j'ai pas de manteau. Très bonne conduite. Bravo. Très très bonne conduite. J'étais en train de le féliciter. J'ai jamais conduit une telle conduite depuis plein de trucs. Depuis plein de trucs. Allez, on va y aller. On y va ou pas? C'est par là! J'en ai aucune idée, mais je crois que oui. Je vais vous montrer maintenant donc la collection totale des cadenas. Alors, qui sont des cadenas qui ont été laissés par Marie-Antoinette. Non, mais c'est les gens qui gardent tous leur vélo ici. Bien sûr, ils gardent tous leur vélo. Alors maintenant, si tu veux garder un vélo, il faut le mettre là. Ça devient compliqué. C'est les fameux cadenas qui étaient à un autre endroit. Ils les ont démontés, ils les ont remis là. Ouais, au courant de l'histoire, il y avait un pont qui était trop lourd, oui. Et donc ils ont démonté tous les cadenas, les gens ont gueulé, ils ont dit oui, mais on vous les met ça, un petit peu plus loin. C'est que de l'amour en fait. Ça, c'est que de l'amour. La moitié ont divorcé. Que ça oui, c'est ça, faut le savoir. Là, il y en a la moitié qui veulent venir avec des pinces tenailles pour dire eh, j'ai eu, on n'est plus ensemble. Il y a Miko qui nous dit bisous et à demain. Bisous Miko, Miko, tu as très très bien travaillé et j'ai eu un petit pincement au cœur tout à l'heure quand on était tous ensemble. Ouais, c'est beau. Je trouvais que c'était un bon moment, je trouvais qu'on était bien, je trouvais qu'on était une famille. On était heureux. Ouais, je suis allé dans la scène. Alors, on se dépêche, oui. Je déconne, On y va. Putain, c'est compliqué pour aller prendre le bateau. Hein. Je pensais qu'il suffisait d'arriver, on monte dans le bateau. Non, c'est plus compliqué. Jeff, on t'attend depuis tout à l'heure, tout le monde. Non, je suis écouté. Allez, monsieur, on y va. Les gens s'aiment moins ici, apparemment. Vous voulez que je vous dise un truc? Vous voulez que je vous dise un truc? Je ne suis jamais venu ici de ma vie. Je vais le faire une fois, je crois. Jamais. Allez! C'est les bateaux ou les catacombes là? On va. C'est les bateaux? On y va, on continue! Quoi? Elle s'appelle pas que Marie. Ça s'appelle Marie-Thérèse aussi? Oui! Merde, sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette saga des Marie-Thérèse avec des Marie-Thérèse partout? Là, je crois que ça va être à nous, je ne sais pas où nous allons. Je ne vous cache pas qu'à partir de maintenant, je n'ai pas du tout géré. Moi, j'ai géré l'effet de on sort, partons tous faire du bateau avec le public. Je tiens à vous dire que si vous décidez que vous avez envie, vous nous regardez à travers le monde et vous avez envie d'aller visiter Paris en bateau, ne revenez pas forcément pour ça la semaine prochaine, on le fera pas toutes les semaines. Et on fait des surprises une fois de temps en temps, mais pas toutes les semaines. On y va? Allez, on y va. Nous sommes donc tous là, nous allons monter sur le bateau. C'est très beau ce bateau, mais il décolle, c'est sûr. C'est un bateau, ça. C'est un bateau, ça. C'est un bateau, ça. C'est bizarre. Regardez les journaux quand même. Regardez BFM Télé ce soir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si, si, ça démarre. C'est un bateau, ça. Non, c'est pas le bateau il est derrière. Si, c'est le bateau. Mais non, c'est pas le bateau. Jeff, c'est le bateau, ça. Hein? C'est pas le bateau. On va monter sur le bateau. Bah, si, c'est. Quoi, ça marche pas encore? Non, mais c'est pas ça, c'est que tu cadres mal. Eh, hey, bah, sur foot, tu cadres mal. Je vais te cadrer dans la scène, moi, tu vois. Tu cadres mal. Ah, mais tu. Il y a un bar. Partons sur la scène. Oui, il y a un bar, c'est écrit là-bas, c'est en énorme. Voilà la scène. Il y a de l'eau là, Guillaume. Non, 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 pas encore. Mais Guillaume, il y a de l'eau là. Ah, non, 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 non. Et alors, l'eau de la Seine, il n'y a vraiment rien à craindre. Hein. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Attention, nous continuons. Nous continuons la visite. Alors, je crois que visiblement, c'était pas le bateau. Je crois que le bateau, il est à côté. On va y arriver. Voilà, c'était pas le bateau. Voilà. Qu'est-ce que tu chantais? Musique.
espagnole. Musique espagnole, ok. Tu arrêtes tout de suite. Merci. D'accord. Despacito. Allez, vas-y, débo despacito. Attention, je vais vous présenter le commandant Stubbing. Bonjour. Commandant Stubbing. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Pas de doute, cela a été pour nous. Regardez, vedette du Pont Neuf. On y va. On va y aller, on va vous souhaiter une bonne nuit le temps qu'on démarre de là-haut. Et on va vous souhaiter une bonne nuit, on va monter quand même, vous montrer la vue qu'on a de là-haut. Allez, monte, allez. Ah oui, je peux pas aller plus. Mais monte en marche arrière, monte, monte. Vas-y, monte. Aïe, aïe. Enfin, dès qu'on n'écrase pas les gens, pourquoi tu montes pas? Dès que tu touches la botte, il explose. Tu sais qu'il explose? Un bateau. C'est dans un film, c'est dans un film. Allez, on y va. C'est vrai, t'as kiffé? Ouais. Ouais, merci Koé. Gros dédicace à Koé. Koé. Ouais, comme toujours, c'est sympa. Ça y est, on monte. Ça y est, on est là. On se met où on veut. Bonsoir, vous n'êtes pas avec nous. Des gens ne sont pas avec nous, donc. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Elle est dans le fond, elle est devant. Devant. Ah bah non, elle est derrière. Allez. Ça va? Tout le monde n'est pas avec moi. Il y a des gens qui sont pas avec nous. Ouais, ils sont avec nous. Ça va, Michel? Oui, ça va. Michel, dis-moi. T'as bien travaillé, t'as rigolé? Ouais, j'ai bien rigolé. T'as rigolé, toi? Oh, moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Rigolé. C'est normal, je me kiffe. Donc, je me kiffe, je kiffe les invités, je kiffe tout le monde. Donc, j'ai kiffé Nawel Madani. Elle est bien, Nawel. Elle est jolie. Elle est jolie, Madame. Parce que vous avez vu, elle est jolie, Nawel Madani. Elle est très jolie. Toi, t'es à fond. Mais par toi. Contre, vous avez tous du mal à dire son nom. Regardez, ah, vous avez dit, mais. Toi, t'es déjà à fond sur son Insta. Elle est très très belle. Ça y est, ça y est, je vous présente le mec qui a fond patate. Nawel, si tu as ce message, fais pas attention au message de Mika. Il va t'en envoyer. Il y a Roxane qui nous fait oh, Bichette. Michel, les gens ils font Bichette. Oui, c'est Bichette. Mais oui. Ça va? Ça va? Bon, on va s'asseoir ou pas? Il y a une place pour moi. Oh, il y a une place pour moi. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Ça va? Allez, moi je vais dans le fond. Allez, Pierre, on va dans le fond. J'ai posé un casier à homard à gauche. Là, juste là. Parce qu'il y a beaucoup de homards dans la Seine, faut le savoir. Ouais, c'est mon casier à homard. Ah oui, ça fait bizarre. Hein. Ouais, elle est là, Stouff. Oui, je suis là. Je suis fatiguée. Ah. Bon, bah ça y est, on y va quand là? Filme la Seine, filme la Seine. Le pont. Ouais, vous l'avez pas entendu l'émission, mais Stouff, elle était là avec son casque. Elle vendait des McDo pendant l'émission. Arrête. Ah, grave. J'ai entendu à un moment donné, elle a dit un chicken 6 morceaux, une boîte curry, non, d'accord. Non, en plus, t'avais enlevé ton retour. Non, je t'ai entendu, Tu vendais, tu parlais. T'as enlevé ton retour, non, parce que je te faisais des signes. T'as travaillé pour Pizza Hut, à un moment donné, t'as pris une suprême poulet. Non. J'ai entendu. Toi, par contre, t'as rien branlé, on en parlera. La tête. Toi, t'as bien travaillé. Oh. Elle lui dit des choses dans l'oreille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande si j'ai aimé hier soir. Je lui dis mais non. C'est là-dessus qu'on se quitte. On est en train de partir là, ou c'est moi qui commence à avoir la gêne? Encore. On n'est pas parti. Pourtant, il y a du remous là. Ouais, il y a du remous, mais. On est pas totalement parti. Je crois qu'on part dans 2 minutes. Hey, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé cette émission. Nous, on a bien aimé. Donc, tous les soirs, 18h-21h, sur Virgin Radio, la semaine prochaine, en théorie, donc, MC Solar. Si tout va bien. De toute façon, on le tiendra toute l'année, hein, mais on l'aura. Un jour, on l'aura. L'aurai un jour. Moi, ça fait 20 ans que je dis on aura MC Solar. Il va venir. Il va venir. Donc, MC Solar, on l'embrasse. Et donc, MC Solar, on t'attend la semaine prochaine. Juste par rapport à ta vanne, Pietre, il y a Jean-Pascal qui dit beaucoup d'Omar, mais pas de Fred. D'accord. Ah oui, le casier à homard, parce que j'ai dit que je m'avais mis des casiers à homard dans la Seine. Et pas de Fred, non, ça marche pas, les casiers à Fred, ça marche pas. Moi ça me fait rire. il rigole. Il est con. Bon, je vous fais des bisous, je vous embrasse, j'espère que vous allez passer une belle soirée. Demain, soyez là, on va kiffer cette émission demain. Oui. Il y a tout le public, regardez, ils sont tous là. On va tous partir ensemble visiter Paris sur la Seine dès que le gars aura décidé de partir. Putain de bateau.
Et qu'on peut déjà plus. C'est lui, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il a tenté de faire un whale. Can you start on your fucking boat? Ah, yes. Where? What did you know? On va visiter quoi, en fait? On va visiter quoi? Là, on est au-dessus du moteur. Ah, ça pue. Piet le BG. On est au-dessus du pot d'échappement. Je sais pas. Piet le BG. Il y a un mec qui a dit. Jérôme, c'est BG. Ça, va dire. C'est pas Jérôme, c'est Jessica qui a dit ça. Ça, c'est un BG, ça? Ouais. C'est pas un BG. Il y a Ramzi depuis tout à l'heure qui demande si tu peux donner son prénom. Salut Ramzi. Ça va Ramzi? Bon, pourquoi il y a un bateau qui avance et nous on n'avance pas? Parce que c'est en fait c'est une croisière. Tu crois que tu vas zirer, mais tu crois pas. C'est juste tu crois pas. Tu zires pas. C'est ça le principe de la croisière. Tu crois jusqu'au bout. Mais tu zires jamais. Dans deux minutes. Vous savez quoi? On va vous rester avec vous. T'as un peu de batterie. Ah ouais, franchement, là, c'est bien. On va rester avec vous tant qu'on part pas. Putain, c'est un bateau discothèque. Regarde, il y a une compète. Il y a une compète de bateau. Il y en a qui Vas-y, nique-le! Tu peux le battre! Prends-le dans le virage! Là-bas, c'est un bateau discothèque, regarde. Moi, je vais être honnête avec vous, ça me ferait chier. Non, t'es bien là-dedans. C'est chouette. T'es au frais et tout. Ah non, c'est pas crédible. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Comment? Ce soir, je danse. Il va le doubler. Il le double. Quel salaud, il le double à la droite. Non, c'est le premier. Oh là là, il double le dancing boat. Et le drapeau français qui est mal mis, regarde. Ah, ça y est, on démarre. Voilà, là il est bien mis le drapeau français. Voilà. Allez, France, monsieur la France. Là, c'est la France qui s'enroule sur elle-même. Là. Oh là là, la baston, regarde, il n'y a que les bateaux. Ah ouais, grave. On dirait le périph' un lundi à 8h du mat. Il y a du monde de partout. Ça y est, on part. Il a mis le turbo là. Je sens des remous dans mes fesses, ça veut dire qu'on part. Je vais regarder mes messages quand même parce que. Il y a peut-être des gens qui m'ont appelé. Là, il chauffe et ça va partir d'un coup pour faire. Et ça fait peur quand même. Je lis les messages. Ça y est, on bouge. On bouge dans tout de suite. Alors, je sais pas de quel côté on va partir parce que là-bas, je sais pas s'il y a plus grand chose à faire là-bas. Là-bas, non. Là, il y a Notre-Dame. Paris s'arrête. Net. Là, ouais, c'est coupé en fait. C'est coupé, la Seine s'arrête. En fait. Donc, c'est pour ça qu'ils font 12 demi-tours et repartent dans l'autre sens, ouais. Ça n'a plus rien à voir. Le monde qu'il y a, mec. Là, il est beau celui-là avec la roue derrière. Ah, c'est pas beau, c'est ringard. Faut avoir 80 ans pour aller là-dedans. Mais les touristes, ils aiment bien. 80, mais moi, je vais jamais tuer là-dedans. Quand on part en marche arrière, eh, ça vibre. Ça vibre. Tu sens comme ça vibre? Grave. Ça vibre. Il y a le moteur en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Apparemment, il y a le regard bizarre. Quoi? Apparemment, il y a le frère de Cindy sur le bateau. Il y a quoi? Il y a le frère de Cindy. Ah, c'est le frère de Cindy, alors on l'embrasse. Bah, je l'embrasse, le frère de Cindy. Il y a de série qui a le frère de Cindy qui est sur le bateau. Apparemment, il y a le frère de Cindy sur le bateau. Et n'hésite pas, dès que tu as des trucs aussi inintéressants à nous dire. Je sais pas, on pourrait le retrouver. Voilà. On y va, Paris, beautiful place. En fait, c'est con parce qu'on va revoir tous les monuments qu'on leur a montrés dans le bus là. C'est ça. Mais de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on va vous souhaiter une bonne nuit. C'est pour ça que vous les avez vus, ceux qu'on va voir. C'est pour ça qu'on va vous souhaiter une bonne nuit. On vous embrasse. Il y a Thomas qui demande si pour finir tu peux sauter à l'eau. Eh bien non, mais Pietre va vous montrer comment on fait. Non, parce que j'ai déjà eu assez de maladies dans ma vie. Et Ça y est, on est parti. Ah. Voilà. Par contre, la place sur le moteur, ça fait vibrer le cul. C'est là-dessus que je vais donc conclure cette vidéo. Je vous embrasse. Bonne nuit à tous. Rendez-vous demain. J'espère que vous avez kiffé cette émission. Allez revoir les vidéos que Nico est en train de préparer. Il prépare tout ça. On va mettre les meilleures séquences sur notre chaîne YouTube. Coé officiel, suivez-nous. Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'on met en meilleur moment? Pas le blind test parce que c'était. On va... Il va falloir qu'on débriefe là-dessus d'ailleurs. Il a bouté. Tu m'as pas regardé. Ça fait comme si j'étais pas là. Non. À demain, bonne nuit.